Tu testes ça pour la cravate? Oh, ça a l'air de fonctionner, c'est génial. Ouais, c'est bon. 1, 2, 1, 2, ça marche ou? Bonjour à tous et re-bienvenue sur la Dacazone. Allez, je vais vous mettre en. On va se mettre en grand. La cravate, qu'est-ce qu'on est bien comme ça. Allez, suite du bourre-pif 2. Donc, hier soir, Frozen a brillamment gagné. Mais alors, de manière assez placide et sereine avec ses custos. C'est vrai. Contre la DG, Voilà. il a fait que couiner, c'était horrible. Est-ce que vous m'entendez bien, les gars, sur le chat? J'ai pas le micro, là je suis en train d'utiliser le micro de Sam. Est-ce que ça va? N'hésitez pas à nous faire un petit retour son. De faire des dons sur le Tipeee pour acheter un Normalement c'est micro. bon, d'après ce que Très j'ai vu. Vous vous rappelez ce qu'on a dit aussi? Concis. bien. Concis. Focus et concis. Ah, c'est pas facile, hein. Donc ce matin, à la bonne heure, à la fraîche, en tout cas ça a été difficile pour tout le monde de se lever. Hein. Non. Vous avez bien dormi en fait? Ça va. Ouais? Peu. Peu, mais Peu, bien. peu et bien. Bon, ça va, c'est le principal. Et comme je disais tout à l'heure, ah, ça y est, c'est une sortie de la tête. Sophie. À Sophie. Marc. À Marc, après cet après-midi, tu peux faire la sieste, etc. Il n'y a Tout à pas de fait. souci. Hein. Le lit sous la table. Ouais. Ça, c'est le Faut mien. pas lancer les dés trop fort. Donc, ce matin, partie GK contre Custo. Nouveau joueur qu'on n'avait pas vu. Vous l'avez vu en photo quand j'ai fait le débrief Ouais. d'Octopoutre, puisqu'on a joué ensemble à Octopoutre. Alors, le fait marquant de la partie qu'on a eue, c'est que T5, il est remonté. Il Ouais. perdait 3-17 et il est remonté jusqu'à 11, jusqu'à 9-11. Ouais. Juste sur le dernier tour, en jouant en dernier. Donc, comme quoi, une partie, c'est jamais fini, ça peut se jouer vraiment Après, jusqu'à la fin. le scénario était vraiment bien. Scénario était mieux, tu as la possibilité de repartir, revenir. Tu jouais en second, donc tu avais la C'est possibilité ça. de le faire. Bah, il fallait réussir à le faire déjà. Donc, voilà. Donc, c'était rigolo. Donc, ça va être une partie intéressante parce que généralement, le custo aime pas trop le GK quand même. Les nouveaux GK, non, ça va piquer un Ouais. peu plus là. Mais moi, en fait, Ouais. le match-up que j'ai. Je l'ai déjà testé le match-up, mais il y a. Avant la Data Slate qui a été modifiée, la Dread Knight, du coup, ben, je sais pas ce que ça va avoir maintenant, mais les games que je faisais avant, je les perdais. Donc, On verra bien. ouais. Ça y est, tous les deux ils sont positionnés. On va voir qui est Mais. la reine des queeneuses aujourd'hui. Non, Parce mais que je vais voir. je sens que ça va être le week-end de la queen. Je sais pas pourquoi. Mais même pas, c'est juste. J'ai hâte de voir Incroyable. ce que ça vaut. Alors, il y a le chat là qui est apparu, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous suit, c'est pour ça. Salut, Spiké, merci de. Spiké Flad, merci de nous suivre. Alors, petite réclame quand même. Comme vous voyez, on a nos partenaires, là, entre les Mini Factory et Crank. Mais aujourd'hui, on a des joueurs qui viennent d'un studio de peinture. Ouais, c'est ça. Pictores Studio. C'est Donc, je ça. vais te laisser présenter. Viens avec nous, je t'en prie, puisque tu as un joli maillot Pictores aussi. J'arrive. Ça sera notre joueur SMC du week-end. Ouais, c'est ça. Ben, présentez votre studio, les gars. Eh ben, bonjour, moi c'est Olfi, lui c'est Marc, Sam de mon vrai prénom. Donc, nous on vient de la part de Pictores Studio, un studio de peinture montpelliérain. De formation de peinture et de commission de peinture. Donc on propose tous les styles, tous les niveaux, aussi bien en formation qu'en commission. Et puis on fait plein de produits exclusifs, vous pouvez aller voir sur notre site, tout est bien expliqué. Et puis vous allez voir, c'est plutôt bien fait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez Voilà. pas à passer sur l'Instagram aussi. Ouais, on a des réseaux où on essaye de les entretenir. Même peut-être prochainement un Twitch peinture, on verra. Mais voilà, il y a plein de trucs qui devraient arriver. Donc, si la peinture vous intéresse et que vous voulez suivre un studio français qui fait de la peinture et qui essaye de s'améliorer, puisqu'on va aussi proposer des gros concours et tout ça, bah, suivez-nous. Voilà. Alors, je ne sais plus qui, ça m'est sorti de la tête. Sur les commentaires des vidéos YouTube. Donc, à ce sujet, les gars, n'hésitez pas toujours à laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quelqu'un me demandait si je connaissais des gens qui font de la formation pour la peinture. Eh ben voilà. Ouais, Oui, ça tombe bien. La réponse est oui. c'est ça. Alors nous, J'en c'est connais. formation en présentiel pour l'instant, donc on pourra peut-être proposer plus tard de la formation en ligne,
Mais notre studio, il est basé sur Montpellier. Donc voilà, si vous êtes aux alentours et que vous avez des jours à passer, on a des gens qui sont venus du nord de la France passer une semaine et rester avec nous une semaine. Donc c'était très cool si vous avez l'occasion de faire ça. Est-ce qu'ils ont eu le choix? Ils étaient consentants? Ils étaient Ou ils se consentants. sont retrouvés dans la À la fin, ils pépinière? étaient consentants de sortir. Ah d'accord, ça Voilà. m'étonne pas. Mais non, non, ils étaient consentants, pas de soucis. C'était très, très cool. Mais voilà, toujours une bonne ambiance dans N'hésitez ces pas à événements. passer, venir voir le studio C'est sur ça. Montpellier. Alors moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, maintenant je reprends la balle au banc. Et donc c'est ce qui est prévu. Je vais passer vous voir. Hein, je vais en profiter donc pour filmer votre activité, évidemment. Et puis, si j'ai bien compris, il y a aussi une salle de jeu Ouais. C'est ou une ça. pièce où on peut jouer. Ouais. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en off. Je vais essayer de prendre les petits équipements qui me manquent pour pouvoir filmer correctement à l'extérieur. Et puis, en même temps qu'on fera, donc, je ferai ce petit reportage sur votre studio. Et bien, le soir, on se fera une petite game. Tout à fait. Avec grand plaisir. Tout à fait. Alors, c'est la salle de formation qu'on transforme en salle de jeu. Mais comme ça, du coup, tu pourras montrer que c'est une salle de formation et puis après une salle de jeu. Mais c'est très Laboratoire. cool. C'est avec grand plaisir qu'on t'accueillera. Ouais, avec grand plaisir. Je sais pas si ce sera avec grand plaisir, je viendrai, mais Non, en tout pas tant que ça. cas, Non. Ceux qui sont partis, en tout C'est dans cas. Montpellier, c'est un peu en dehors de Non, c'est Montpellier. carrément dans Montpellier. Dans C'est sur Montpellier. l'avenue de Toulouse. Donc Pour vraiment se garer, l'avenue. c'est compliqué? Non, on est dans une résidence. On Ouais. a des locaux qui sont à la porte d'un appartement qu'on loue à but professionnel. Donc il y a une résidence avec des places juste Parce que devant j'ai un gros mal. protégées. Montpellier, voilà. Oui, il y a de quoi ouvrir un portail, quoi, finalement. On est en C'est assez 2024, moderne, hein. Franchement, voilà, c'est assez moderne. c'est Non, c'est très limité. cool, ouais. C'est très cool, on est très bien Et situé. la route est mieux goudronnée que pour venir chez moi. Ah putain, Ah oui, oui. il faut pas venir en 4x4, quoi, déjà. Bon, Ouais. bah, Et ça va bien. il y a Ouais, moins mais de par contre, sangliers. j'ai piscine et barbecue, quoi. Ouais, Ça, c'est c'est vrai. vrai, nous on n'a pas ça. Nous, on a barbecue, parce qu'on a une cour Hein. Ouais. extérieure, mais on n'a pas encore la piscine. D'accord. On est en train de faire les démarches pour. Ouais, c'est un investissement à long terme, mais un C'est jour on aura ça, la pour les piscine qui nous clients. reste. Allez, salut Stéphane. Bah écoutez les gars, on va commencer la partie. Bah Marc, tu vas pouvoir laisser la place au petit copain Ah et non, j'allais rester intervenir. là. Toute la Partir, game, quoi, finalement. j'allais rester. Tu auras le droit d'intervenir s'ils ont besoin d'une ligne de vue, d'une D'un question. Allez, café. c'est ça, une petite gâterie, des trucs comme ça, quoi. Et puis en avant, donc là on est sur le scénario, la ronde 2, l'équivalent de la ronde 2. WTC. Donc le scénario, que je dise pas de bêtises. Rituel. Bon, vas-y, ben, présente le Ah, scénario. scénario, c'est déploiement, c'est creuset de combat, c'est déploiement En ligne par en ligne. diagonale ici, du milieu jusqu'à là-bas. Et après, sinon, la mission principale, c'est le rituel Ouais. et Chilling Rain. Explique ce que c'est. Ah, le rituel, c'est de faire pop des objectifs dans le centre de table. On doit enlever au préalable les autres objectifs. Et on doit faire pop des objectifs à 9 pas de l'autre objectif et à plus de 6 d'un et à un pas de notre unité. Et on marque Je sais des pas si c'est. primaires pour les objectifs qu'on contrôle du No Man's Land. Donc Oui, d'accord. Très bien. ceux de notre camp ne nous font pas marquer de primaires. Bon, ça c'est dur. Et on ne peut pas Ouais. faire pop dans notre camp non plus. Ouais. Ça c'est C'est bien, vrai. moi il y a les lignes sur Ouais. ces bien. C'est vraiment pratique ce Joli tapis, ouais. tapis. Clairement. Tranquille. Ouais, Ça va être j'ai complexe cherché. pour vos deux armées, vous n'êtes pas trop populeux. Pour faire spawn des points et tout, il va falloir faire des choix. Ouais, Ça fait partie des stratégies c'est de jeu, ça. hein, c'est bien. Donc pour le beau jeu, je me suis mis en tactique, pas en fixe. J'aurais pu faire du fixe là, mais non. Bon. Et après, il va couiner toute la partie en Ouais, disant, oh, ouais, j'aurais j'ai dû pas être pris sans mon fixe. fixe. Franchement, je Ah suis en ouais. tactique pour le jeu là. Hein. Ah, je suis Mais là. Moi, je suis là pour ça se voit qu'on n'est regarder. pas en tournoi. Hein. La dernière fois, j'ai fait Regarde, en j'ai fixe, Flamnas. ça m'a pas. Ça, c'est parce que j'étais en Flamnas. tactique. Oh, Ah. j'ai fait Ouais. que d'un et des deux. Faut arrêter. J'ai fait un Nas. Oh non, l'As. Oh, je rirole, Allez. allez. Bon, Très bien. n'oubliez pas, les gars, lancez les dés Tout à fait. dans La la piste à piste. dés. Vous avez des dés. De ton côté, David, tu peux prendre des dés avec toi pour éviter d'aller chercher. 4 maximum. Voilà. Et puis c'est parti, hein? Allez, bah pour savoir qui commence finalement. Alors Il avant de faut faire ça, vous commencer à allez présenter les. présenter vos armées Ah oui. et votre déploiement, ok? Je commence? Ben Oh, à vas-y, toi c'est l'honneur. à toi. Allez, et bah, du coup, moi je joue Grey Knight, l'armée la plus stylée du jeu finalement. Oui. Donc, on joue aujourd'hui Papa Kaldor avec 10 Terminators, donc 2 lance-flammes, une bannière. Et un médic qui sont pas déployés pour l'instant.
Sans réserve. Ensuite, en réserve, j'ai encore 5 interceptors et 5 purgations. Donc les interceptors, c'est les téléporteurs, qui sont très cool, plein de tricks à faire avec eux, ils vont vite, ils font mal, c'est sympa. Et les purgations, bah, c'est des lance-flammes. Voilà, donc on les fait arriver quelque part, ils crament tout, c'est très rigolo. Ensuite, on joue sur table cette fois-ci, on a mis les 3 Dread Knights. Donc les 3 Dread Knights, donc lui, il est un peu spécial, il y a une bannière, mais c'est un Dread Knight classique. Ils sont tous en marteau, incinérateur et petit canon lourd. Dread Knight, clairement, qui redonne une carrière au GK. Et en plus, c'est les figues les plus stylées de l'Imperium. Donc on aime ça. Ouais. Franchement, si j'avais eu les 6 peintes, je serais venu avec les 6 juste pour les faire chier. Mais je voulais aussi m'amuser. Ça ressemble quand même à des portes bébés. Eh ouais, mais tout le monde dit ça. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est vraiment stylé. Et un porte bébé, c'est pas du tout stylé. Donc finalement, moi, je préfère mon idée que ça ressemble pas à un porte bébé. Et puis, si le bébé, c'est un mec énorme qui tire des flammes avec son esprit, je trouve ça stylé aussi. Alors du coup, encore, on a un Librarian qui est juste là avec... Donc il est sorti, son escouade est dans l'angle. Et en fait, donc dedans, c'est des Terminators. Et il y a une bannière, un lance-flamme et un médic. Voilà. Et le Librarian a une optimisation qui lui permet, donc le saut de la vigilance, qui lui permet une fois par partie, quand il est pris, quand son unité est pris pour cible d'un tir, hop, il fait à 9 pouces autour de... Il revient directement sur la table. Et l'adversaire peut changer de cible s'il veut. On a ici 5 Incursion Squad, les mecs classiques qui ont Sticky. Ça, c'est vraiment une unité nécessaire au codex. Et enfin, de l'autre côté, on a 5 derniers Interceptors. Donc c'est ma deuxième escouade. Et eux, je les joue sur le terrain. Voilà pour ma liste. Eh ben, très bien. Ben, je suis passé à ma liste d'Adeptus Custodes. Ça fait que avec ce détachement, j'ai un Finopane A4 sur les Mortals et les Devahoun. Comme ça, moi, je sais pas si tu l'avais dit tout à l'heure, mais maintenant t'es au courant. Alors, il y aura 2 petits Terminators à la Russie ici, qui peuvent repartir une fois en FEP. Alors, juste à côté, leurs petits copains, ce sont des Warden. Ils sont 5, avec un Blade Champion dedans. Le Blade Champion qui aura une amélioration pour que si tu arrives dans mes 9 pas en mouvement normal, fallback ou advance, moi je peux bouger de 6, et en passif, je peux désengager, tirer, charger. Il y aura ici une escouade de 3 motos, parce que c'est rigolo, même si c'est pas méta, j'aime bien les motos. Et derrière ici, il y aura l'escouade avec Kira Draxus, on la voit pas, elle est cachée là. C'est 5 gardes avec une bannière, donc C3 par bonhomme. Il y aura ici 4 petits Twitch Seekers qui peuvent faire un pré-move de 6 avant la game. Ça sera plutôt là pour faire des objectifs, faire un peu des objectifs dans cette partie-là. Il y aura ici aussi une escouade de Warden. On ne voit pas ici, voilà. Ils sont ici avec un Blade Champion aussi dedans. Lui, il aura l'amélioration la lame voilée qui rajoute 2 attaques. Et une fois par game, je peux dire que lui, il a haussé x3. Donc voilà. Derrière, il y a une suite inquisitoriale ici, derrière la ruine, avec un inquisiteur. Bon, c'est anecdotique, c'est pas pour ça que je le prends. Juste, c'est pour faire proc le mystique qui est dans l'angle, ici, qui empêche les FEP à 12. Ah, c'est lui, je pensais que c'était la meuf... Ah non. Ok, lui, c'est lui. En fait, à 12, tu ne peux pas faire de FEP. Il a son socle bleu, ce... Ouais, il est dans l'angle. En fait, il considère que, en fait, là, pour l'instant, il est dans l'angle. Ouais, ça marche. Ici. D'accord. Je mets en réserve aussi. Il y a Trajan Valoris avec 5 gardes custodiens. Ok, voilà. Très bien. Bon, c'est assez concis, c'est bon. Les gars, n'hésitez pas à nous dire sur le chat si le son est bon. Hein, si hier soir ça saturait un petit peu, j'ai fait 2-3 manips. Si ça ne sature plus, c'est que j'ai été bon. Si ça sature, c'est que le matos déconne. On peut pas dire que j'ai fait des bêtises. On n'a pas le droit. Non, on fait du matos de bonne qualité. Tiens, ça on peut peut-être l'enlever. Ah ça c'est pour faire pop pour ouais. Vas-y, ça marche. Parce qu'en fait c'est à partir de l'objectif, okay, qu'on fait pop, c'est pas du centre de l'objectif mais de l'objectif, donc du bord du socle de 40 en fait. Très bien. L'ingénieur son est bon, c'est bien ça. Parfait. Bon bah les gars, le jeu de la Queen. Allez, 5 sur 5 ça se dit plus. Fort et clair, c'est... Pour savoir qui commence. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Ah je commence pas pour une fois. Allez, j'ai le T1. Je suis content. Ça arrange pas trop en GK, on préfère avoir le deuxième tour. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, avant tout, je vais
Déjà, on va tirer les objectifs, pour savoir. Ouais, mais je réfléchissais si je faisais un mouvement de Ah oui, c'est vrai, les pré-game. mouvements pré-game. Mais non, ça Moi aussi, va. j'ai un mouvement pré-game. Donc, c'est toi qui commences. Ouais. Ah, t'as des mouvements de pré-game Ouais. sur les sœurs, c'est ça? Ouais, j'ai les 6 stats. Très Ce que bien. je vais faire, bah, vu que c'est toi qui commences. Hop. T'as pas de sticky, toi, dans ta liste? Je peux sticky pour un PC. Avec n'importe quel. Avec une escouade de Custodes. Ok. Je ne peux pas avec l'escouade inquisitoriale, ni Ni les avec 6 les 6 stats. D'accord. Mais je peux avec n'importe quel, et je crois que il me semble que c'est même infanterie, donc avec les motos je ne peux pas normalement. Faut déjà vérifier, mais voilà. Ok, et donc t'avais que ça en mouvement de pré-game? C'est bon. Ok, et avant qu'on commence, est-ce que tu. Donc tu as Advance et charge sur quoi là exactement? J'ai Advance surcharge là et là-bas. Donc Sur les sur. Warden et sur les Warden ici. Ok, donc que les Warden, ça c'est les troupes de base, Ça, les c'est des Advance gardes charge. custodiens, non. Intéressant, ok. Ok, donc le but c'est de prendre les objectifs. Ok, ça marche. Bon, ben vas-y, je te laisse me tirer les Il vous reste cartes. une demi-heure. Très bien. Bon. Tiens, je croirais à la ligue. Alors, c'est toi qui commences. Tu La gagnes un cloque. PC. J'ai un PC. Cinq missions. Alors, tu auras Brigid Dawn. C'est bien. Et pas de prisonniers. Donc pas de prisonnier. Et Breaking Dawn, c'est quoi déjà? Et tu les véhicules et les monstres. Voilà. Super. Et pas de prisonnier. Faut que Ça te fait tu un PC. tues. Ouais. Oui, non, mais je. Ou tu peux déposer avec ton PC, là maintenant, Non, avec ton je. pargame. D'ailleurs, non, je sais pas ce que je vais faire. D'ailleurs, J'essaie de ça, c'est rentrer dans sa tête. mon dé à PC. La Ok. guerre psychologique. Si ça Donc, fait. j'ai pas de prisonnier, quoi, en gros. C'est un GK. Pas de prisonnier. Ok. C'est quand même pas le truc le plus simple à faire, mais on va voir. Très bien. Alors, déjà, en début de phase de co, je vais rendre sticky avec mes Strike Squad cet objectif. D'accord, elle touche bien l'objectif, c'est bon. Ouais. Parce que parfois, il y a des joueurs qui oublient que c'est en phase de co. Donc, ils se déplacent sur l'objectif, ils Ouais, disent, tout à je suis fait. sticky. Ben non. Tout à fait. Et là, on va voir ce que je peux faire. Vérifie mon Ok. strata aussi. Ok, bon, faut que j'aille regarder comment ça peut bouger. Donc, tes Warden, ils bougent à 6 de base? Il bouge de 6 de base. Je peux reroll advance Tu et la peux reroll charge. advance. C'est le même PC? C'est pas de PC, c'est de base tout le Ah, de temps. Je peux base, faire ils ça, reroll c'est. advance et charge. Donc on va dire qu'ils ont. Ouais, ils peuvent faire peur quand même, ces petits cons. Ok, et là-bas, après c'est. Si je me mets genre. Juste au bout du bout du bout, je serai à 23. Donc même si t'advances à 6, ça ferait une charge à 11. La charge à 11, on va peut-être pas se la prendre trop vite. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est advance automatiquement avec mon unité de Librarian que j'avais placée de sorte à pouvoir venir lécher l'objectif. Hop. Ah non, moi mon stick objectif c'est avec tout ce qui est sauf les 6 stats, d'accord. Tout ce qui est Mais sauf les 6 stars alors? ouais, je peux sticker avec les motos si je veux, Très mais bien. bon là, vu Très que bien. sachant que c'est que au dans No Man's Land que ça score, donc c'est pas trop intéressant. Ouais, donc là on va reproduire le schéma. Oui, je Je me disais, il n'y avait remets. pas de cohésion d'un coup. Ouais, non, je reproduis le schéma, mais vu qu'ils sont. S'ils ont des pics partout, parce que j'ai converti les socles. Ah oui, c'est Et des du coup, c'est. GK du chaos, quoi. Hein? C'est déjà GK qui arrive sur un Ok. terrain du chaos, monsieur. Et d'ailleurs. D'ailleurs, ça c'est bien. Donc lui, il devait être par là. Hop. Après, je vais les replacer mieux. Hop. Fais ça au jugé, quoi. Et hop. Parce que j'ai même une règle de 6, ils bougent de Ben là, il bouge 6. à 11. Ah, ils bougent à 11, d'accord, Oui, ok. parce qu'ils adviennent, tu sais, automatiquement. D'accord, tu les avais fait advance alors. Ouais, je les ai fait advance. Et je les ai fait advance, mais lui, il peut quand même déclarer sa capacité. D'accord, par contre, il pourra pas faire de. Il n'a pas d'arme d'assaut, donc je crois donc que Non, tu peux le ils faire. pourront. C'est juste sa Oui, capacité. Et après, ils d'accord. pourront pas tirer. Mais de toute façon, je te vois pas, là. Non, C'est ça. Après, j'ai vraiment pas mieux à faire. tu Juste intègres David que le écarter. GK, quand il advance, il le fait auto à 6 Ouais. et il gagne le mot-clé vol. Non, c'est pas une option comme ça, il faut faire pop l'objectif. Donc c'est pour ça qu'en fait, s'il advance, il ne peut pas faire pop de l'objectif en fait avec C'est cette ça, unité-là. ouais. Donc c'est surtout ça qu'en fait, Là, hop. Ok, que je bon, demandais. ça marche. Parce que t'as pas d'arme d'assaut, quoi. Non. Ça a combien... C'est quoi les stats en défense de ça? Endurance En du 4? 3, Endu 3? Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, les gars.
quand vous faites des tirs, vous désignez des unités, essayez de donner le nom de l'unité, c'est-à-dire lui sur ça. Ok. Pour moi, tout ça, on a l'habitude, il n'y a pas de souci, mais là, pour nos spectateurs, il faut vraiment arriver à. Ou alors vous montrer si cette unité de machin tire sur cette unité de bidule. Très bien. Et si je te tue une seule escouade, je marque combien de points avec pas de prisonnier? Normalement, c'était. C'est 3, non? 2? 2 points, non, il me semble. Faut déjà 2 et 3 c'était en tactique. Donc, prisonnier, c'est 2 points, une escouade. Ok, ça marche. Bon, je vais pas faire ça, alors, ça sert à rien. Par contre, ce que je peux faire. Donc tes Warden, ils bougent assis, s'ils peuvent advance, ils peuvent charger. Je me suis mis le plus loin possible. Et puis là-bas, donc on va dire qu'ils bougent à 12. À 12, et là, ils ont une portée. Après, ça tire fort un peu, non, les Warden? Oh, pff, non. C'est chacun en 2 tirs, ça fait en tout 10 tirs de force 4 et à moins 1 dégâts 2. Ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, mais ça tue du. Ça tue certains trucs. Force 4, c'est. c'est pas. Ouais, ouais. Non, mais on va les laisser là, de toute façon. Ça sert à rien de les bouger pour le moment, ils vont rien faire. Je touche à 2 et. Je suis en assaut. Et de toute façon, tu touches à 2, je suis en. Ouais. Après, je peux aller faire pop un objectif et se mettre à 6 pouces de notre bord de table. Oui, mais il faut que ça soit à 9 d'un objectif. Hein, donc Ça doit être obligatoirement à 9 d'un objectif. Oui, c'est obligatoirement à 9 d'un objectif. Ah ouais, d'accord. Et oui, c'est ça qui. Donc si tu commences, en fait, c'est ici, quoi. Ok. Et tu peux pas le faire pop dans le décor. En fait, la galette, normalement, c'est de 40. Ouais. Ne peut pas être dans un décor, en fait. Ah oui. Ne peut pas être à moitié, en fait. Oui, mais la grosse galette, oui. Oui, la grosse galette, oui. En fait, ce qui compte, c'est l'objectif en lui-même, en fait. Pas l'air de l'objectif, en fait. Donc attends, je fais un test. Si je bouge à 12 ici, c'est. Il bouge à 12 classiquement. Que je le fais fait pas à 1, donc il va être à peu près là. Ouais. À 9, on y sera. Et à 6, il faudrait. C'est à 9, je crois qu'on y... c'est à 9 du centre. Hein. Pas du centre, mais du bord de l'objectif. Ah oui, putain, c'est vrai. Oui. Donc là, ça passera pas. Ok. Ok. Bon. Peut-être pas les faire bouger comme ça alors. Et à la gueule, je l'ai fait. Oui, c'est à partir de 9 hein, du pion objectif. Ouais, c'est ça. Donc c'est à 9 du bord du pion de l'objectif. Parce qu'après, en fait, la galette représente la zone de contrôle, en fait, des 3 pouces après le bord de l'objectif, en fait. Et donc l'objectif, c'est bien t'as la galette de 40. Il faut être éligible pour tirer et charger? Ou juste pour tirer? Il faut être éligible, mais normalement, il faut que tu n'aies pas été tiré. Donc si tu as de l'assaut, c'est bon, normalement. Non, mais c'est parce que j'ai un stratagème qui me dit que je peux advance et tirer. Ben, si tu as un stratagème, tu peux advance et tirer, c'est un stade de tir, oui. Oui. D'accord. Non, je crois que c'est en phase de mouvement, mais c'est pareil, ça marche pour la phase de tir. C'est déclaré en phase de mouvement, mais c'est pour la phase de tir. Donc ça marche? Normalement, ça marche. Très bien. Parce que tu es éligible pour tirer. Donc, Je vais advance auto à 6. Donc voilà, éligible pour tirer. Voilà, ouais, c'est ça. Donc je vais advance auto à 6, donc il bouge de base à 12, donc ça fait un bon mouvement normalement. Donc là, je vais le positionner. J'ai encore 3 pouces à mettre, donc je ne me prends pas trop la tête. Donc normalement, je peux le faire venir un truc comme ici. Et à 6, il sera plus de 6. Donc c'est bon. Donc on va le laisser. Ça plus 6 d'un autre objectif. Hein. Mais t'es pas. Plus 6 de la zone de déploiement. Non, zone de déploiement, non, c'est pas précisé. C'est donc je peux le faire un autre objectif. Je peux le faire venir là. Enfin, 9 et le faire venir dans mon camp. Non, faut qu'il soit absolument à 9, en fait. Le bord de ça, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, mais je peux le faire venir. Faut que ça soit, par exemple, faut que ça soit dans les 9, en fait. Ouais, c'est ça. Tu prends le bord, tu mets comme ça. Dans les 9. C'est-à-dire. Je peux le faire venir ici. Bah, normalement, en fait, il arrivera. Si c'est. Il sera pas dans le décor. Il sera un peu dans le décor, en fait. Il sera à moitié, il chevauchera, il sera à moitié dans le décor normalement. Neuf. Et donc je peux le faire venir ici, genre. Ouais, faut que ce soit un endroit qui ne soit pas dans le décor en fait. La zone de contrôle peut être dans le décor, mais son objectif, ta galette ne doit pas être dans un décor. Ok, bon, on le mettra là. Et le reste, ça va bouger. Donc là, j'avais quand même 2-3 pouces en plus, donc je regarde pas trop. Ouais, voilà. Après, tant que t'as un mec qui a un pas pour faire pop l'objectif. Et là, je vais quand même vérifier. Et là, pour l'instant, je suis à 21 pouces, je dirais. On va les écarter un peu plus, histoire de... Parce qu'on avait de la marge. Et puis tu leur tireras dessus, mais tant pis. Je sais même pas si je ferai ça, donc... Et là, on est à... Ouais, quasiment 24. Ok.
Ok. Bon, eux, ils vont pas bouger, mais Dread Knight. Alors là, c'est la question. Tu m'as tout bien caché comme un petit sagouin. Ouais, bah, c'est un peu le but, hein, parce que j'ai dit, bon, c'est jamais si j'ai de la chance, je commence. Si Ouais. j'ai pas de chance, je veux dire, je commence. Est-ce que les Dread Knights, ils passent là-dedans? Normalement, c'est censé être passé dans ce truc, oui. Ok. Par contre, faut compter les mouvements Ouais, de ouais. rotation, je sais plus comment dire. Ouais, c'est ça, c'est de la rotation. Après, là, je fais pas un mouvement si gros que ça, parce que bon, j'ai mon clé vol parce que Oui. j'advance. Donc en fait, le mouvement de rotation, je te le fais en l'air. Oui, donc tu vois. Hop. Je suis comme ça, je fais ça. Ouais. Qu'on a dit quoi? 2 pouces. Normalement, oui, ça, c'est deux. Donc je bouge encore à 12, et à 12, normalement, je peux venir par là. Largement même. Oui, Parce voilà, qu'en on fait, sait. j'arrive normalement un peu plus loin. Ok, donc Salut, Bowser. on va peut-être tenter de buter de l'assista. Et en essayant d'être pas trop proche non plus de cette charge, on va se mettre Ouais, je pensais pas que tu aurais une ligne de vue là. J'aurais pas dû les mettre là, mes sisters. 17. Donc on va le reculer le plus possible. Donc là, il me restait un truc comme 3 pouces. Parce que j'ai fait 2 pouces, il me restait 12. J'aurais pu arriver à peu près là. Donc avec les 3 pouces, je pense que je vais juste reculer le plus possible. Et puis là, on se met toujours à 18 pour pouvoir utiliser le lance-flamme cool. Malheureusement, ouais. Très bien. Donc lui, il a bougé. Moi, j'aurais dû plus les cacher là, mes systèmes, pour être sûr que t'es pas une ligne de vue. Moi, je pensais pas que tu pouvais y aller là. Là, ça bouge vite, hein. Ouais, non, c'est moi, j'ai fait une erreur, donc Ça bouge vite, je vais sûrement là. le payer là. Bah, tu vas peut-être me faire scorer un petit peu. Oui, ça va m'empêcher aussi de hop un autre dé. Oh. Qu'est-ce que... Enfin, je sais pas. Ce qu'on peut faire, c'est, hop, la 14, bouger là. J'aurais pas de ligne de vue. Mais d'un autre côté, on peut placer notre ami. Peut-être le mettre là. Et puis lui, pour le moment, on va juste venir le placer là. En sachant que à 18, tu pourras faire ta phase de tir de trucs bizarres là. Très bien. Ça décore ce Écoute, mouvement. phase de mouvement terminée. J'ai Phase de rien à tir. déclarer, c'est bon. Ouais. Allez, ça marche. Ben, écoute, j'ai qu'une phase de tir. Donc, d'abord, je vais devoir claquer mon PC pour faire arriver mon objectif. Tu sais, parce Ah oui, que comme ça, pour. je les rends éligibles Oui. pour tirer. Et du coup, je fais Donc arriver c'est bah, plus claqué. l'objectif qu'on a déjà mis là. Du coup, je mets ça va être un peu chiant par contre. À part si tu veux qu'on laisse la galette et juste la. Ça risque d'être plus chiant pour après, non? De pas... Ouais. on le remettra quand tu auras plus de figurines dessus, Ouais, au parce que là, pire. en plus, il y a le décor, plus Ouais, les ouais, figurines ouais. et tout. Faudrait tout bouger les figurines. C'est Ouais, je suis en plus, d'accord. là, ça va, ça se voit sur le stream. Et on voit bien les objectifs comme ils sont blancs et noirs. Donc, Ouais, ça marche. Eh ben écoute, on va commencer par le lance-flamme. bah, c'est parti. De toute façon, toi, t'as une recover avec ton Ouais. lance-flamme. Donc, T'es go sur to le ground, parce que pistolet ça sert à aussi. rien. Ouais, non, vas-y, bah, ils vont mourir. 7, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Force 6, c'est sur du 2+. On Tout a à un fait. petit 1. 2, 3, 4, 5, 6, 6, s'il te Ah, je plaît. vais réutiliser, ce sont les mêmes deux, donc Oui. moi c'est plus pratique. PA combien tu m'as dit? PA moins 1. Donc ça fait sur du 4. Et ça fait qu'il y en a 3 qui meurent. Et le petit canon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le petit canon. C'est PA combien le petit canon? PA moins 2. Ligne recover. Ouais, donc je laisse une qui est dans le couvert. Allez, une ligne Ah, une recover. en couvert, oui. Ça change rien. Allez, ça touche à 3. C'est vrai que maintenant ça ignore cover quoi, Et oui, c'est. c'est ça qui rend le truc un peu jouable. Ça blesse à 2. Et tiens. Hop. Ça va bah sur bah plein moins 2, donc de toute façon on va mourir, voilà. Elle pouvait ne pas mourir, mais elle a fait un 2. Et une sauvegarde à 3 de base? Ouais. Ok. Ah, je pensais. Ouais, remarque, ça reste un truc C'est pas. custom. Attends, est-ce que c'est des armes. Ah non, c'est des armes psy ça. Ces armes psy. Ah, les armes psy. Ouais. C'est vrai, putain, j'avais Ah oui, oublié t'as ça. une règle. Ah, j'ai T'as oublié. un truc contre ça. Combien j'en ai pas sauvegardé? T'en as pas sauvegardé 3 sur les lance-flammes parce que t'as eu 3 morts, et t'en as pas sauvegardé 1 qui faisait dégâts 3 sur Ouais. la dernière. Donc si ça fait dégâts 3. Donc bah je vais tout faire en même temps. Donc Ouais. ça. Sachant qu'elles ont un PV. Ok. Et Donc c'était Finn Le Pen à à combien? 3. Bah ça me va. Donc bah ça fait bah, 2 mortes. Elles ont 2 points de vie? De quoi? C'est des Finn Le Pen à 3, t'as fait tout ça Ça en... j'ai fait que des 3 au plus ça.
Et là, Ah bon, c'est. mais j'ai vu plein de deux. Mais quoi? T'as retiré tous les dés Ah oui, ça ratés? c'est. Ah oui, j'ai retiré les dés Oui, ratés, moi. oui, oui. Je dis, mais c'est moi qui ai rêvé. En Oui, fait, toi. ouais. Ouais, non, mais c'est. Excuse-moi, c'est Ouais, pas moi, de c'est. soucis. C'est un type de triche, là. Ouais, donc elles sont toutes mortes, c'est Elles sont ça. toutes mortes. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai dit ça me va, sinon j'aurais jamais dit Oh, ça me va, tiens, elle reste en vie. Je Reste toute ne en vie, score pas. aucun dégât. Oui, je crois que j'allais devoir avoir un 3 dans l'eau, mais je suis pas sûr, mais bon, c'est pas grave. Moi, Jusqu'à je crois que j'ai vu que des. Que des alors, là. Ouais. on nous le dira peut-être, mais il me semble que quand j'ai. Il me semble que Oh, c'est mais que. c'est ma faute, donc j'ai oublié qu'elle est sinopène, on va pas Eh revenir oui, sur ben, j'y pense ça. pas non plus, je Ouais, joue c'est vrai très que ces armes peu contre psy, ça. c'est. Ouais. Ok, ben, ça me va très bien, comme je vais dire fin de tour, j'ai plus rien à faire, et du coup, je vais scorer pas de prisonnier une fois. Effectivement. Alors, tu vas scorer. Donc, prisonnier. Un choix. Tu me prends de l'eau, s'il te plaît. Tu te défausses de Brigid Dawn? Oh, je me défausse de Brigid Dawn, évidemment. Et Ok. je mets un PC. Donc, toi, tu Et à ton récupères tour. un PC. Moi, je récupère un PC. Et à ton tour, je passerai à deux, monsieur. Ok, bon bah c'est déjà compliqué, parce que je comptais pas perdre mes 6 stas là. J'ai fait... Ouais, c'est le matin, on fait des erreurs. Hein. La létalité du GK. Oui. Ça va, une C'est unité bizarre à d'entendre ça d'un coup. 185... Oui, voilà. Une unité à 185 points qui tire sur 4 pélos, en vue 3. Ok, donc je vais tirer mes secondaires. Moi j'ai Brigid Dawn aussi. Oh. Et... Non mais c'est une blague. T'as les mêmes? Et Brigid voilà. Dawn la Bah écoute, prisonnière. c'est legit. Après, Brigadon, bon, là, normalement, tu vas pas me buter, mais t'as de quoi me buter des trucs. D'accord, c'est quoi les stats défensifs de ta C'est Némésis? endurance 8, 13 points de vie, pas de Field Open, pardon, sauvegarde invulnérable à 4. Sauvegarde de base à 2. Ça peut faire des trucs. Alors, j'ai deux PC. Ouais, Voilà. ouais. C'est, tu peux faire quoi pour deux PC, toi? Bah, j'ai l'armure Ah oui. d'argent véritable qui leur donne moins 1 à la Armure PA. comme thème, c'est pareil, ouais, c'est le même. Voilà, globalement c'est tout. Hein, parce que j'ai un truc pour les rendre non opératifs, mais je dois le déclarer pendant ma phase de mouvement. Et ça le dure jusqu'à la prochaine phase de mouvement. Lui, t'as un fin open contre Contre le psy. contre le psy. Ouais, à 4+. Oui, ça sert à rien que je tente des trucs avec Kira Ah, avec. parce que c'est psy. Bah, c'est le Orlos, Ouais, c'est le psy, c'est du psy. ok, j'avais même pas capté, tu vois. Ok. Ouais, bah c'est ça commence. Et on va voir parce que là, plus de 9 si on est là. Sauf qu'après, si je me mets là, si je fais pop un objectif, ben, tu vas m'abonner la gomme. Alors aussi quand même pour un PC, j'ai deux stratagèmes intéressants. Bon, le premier c'est Rapid Grass, mais ça pas de souci. Et le deuxième c'est si t'arrives, tu sais, dans une aire à 9 pouces, hop, je remonte. Ou Ah je oui, c'est bouge, vrai. je remonte ou je bouge à Ouais, 6 pouces. pour un PC, ouais. Ça c'est un truc que les gens connaissent pas, je peux aussi reculer jusqu'à 6 pouces. Ok. Je vais faire, je vais te faire bouger mon canon laser. Donc, pas mon canon laser, mon. Dans l'escouade suite inquisitoriale, le plasma lourd. Faut que je regarde. Hop, je suis toujours en cohésion. Hop là, je me remets là pour la cohésion. Hop là, voilà. Et pour qu'on soit clair, toute mon armée ont tous des armes psy, sauf les Bolter Storm. Voilà, au moins si j'oublie des Très trucs bien. parce que je connais pas tes règles. Je vais déjà commencer à faire Advance E, je vais voir où je vais aller après. 4, c'est peut-être le garder, je vais voir. Parce que si je le reroll, ça fait 10. Attends, on va tenter des trucs là, parce que là, c'est déjà compliqué. 10, ça ferait. Là où il y a la tête de mort, ouais, ça fait là. Donc je sais que c'est la tête de mort. Ça ferait une charge à combien? Ça ferait une charge À à 7. 7. C'est faisable. Là, je peux faire que ça avec ça. En plus, j'ai la lame voilée. Donc, oui, je peux avoir pas mal d'attaques. Passer à 8 attaques ou 7 attaques sur le profil d'Eva Wound. Ok. Bah, déjà, je vais commencer par faire ça. Donc, je vais bouger de 10. On avait dit la tête de mort. C'était sur tête de mort. Et hop. Bouge de là. Je vais bouger. Et Comme ça, juste que par je. curiosité, pendant que tu finis ton mouvement, tes figurines de base là, donc pas les Warden, les Oui. autres, déjà ils s'appellent comment comme ça? C'est les gardes custodiens, ça. Ok, les gardes custodiens, ils tapent tous force 7, PA-2, dégâts 2. Oui, voilà. Ils ont 5 attaques, force 7, paiement de dégâts 2. Et Ok. à chaque phase de corps à corps, au début, à chaque phase de corps à corps, si je choisis un kata, j'en ai 3. Ouais. J'ai soit moins 1 hit à te mettre, soit le sustain hit sur toutes mes attaques, ou lethal hit. Ok, donc c'est que du corps à corps. Voilà. Bon, par contre, du coup, tu arrives dans une aire de 9 pouces de moi. Oui. Du coup, je vais sûrement faire un truc.
Fais si tu veux, je laisse à toi. Je pense c'était au cas où si tu avais. Donc c'est un PC ça. Donc ça c'est un PC. D'accord, donc c'est zéro PC. Non si je suis ah oui, un PC, j'en ai défaussé. Oui, c'est autant pour moi. No Susai. C'est ça qui. Mais attends, ok. Mais je vais passer de l'autre côté de la table pour voir déjà. On va faire ça. Les Warden, ouais. Ici, ils vont advance. Je vais garder le 4 aussi. Que c'est oui, c'est pas trop mal. Stable. Ouais. 10, parce que toi, tu bouges de 14. Tu bouges de 14. Tu vas tirer. Donc, de toute façon, que je me mette là ou là. Soit tu peux bouger de 14 et tu auras une ligne de vue là. On va voir. De toute façon, il faut faire des trucs, il faut avancer. Je regarde là. Ok. Donc je bouge de 10. On va faire ça. Hop. Je vais bouger là. Les autres. Oui, après, de toute façon, t'as un Feel No Pain à 4 contre la BM. Donc si oui, je te charge et que je fais un tank choc, tu t'en fous. Bah, c'est surtout au tir aussi, ça fait mal quoi. Dire. C'est... Ouais, mais un Dread Knight te fera pas mal. C'est le truc aussi de. Quand tu joues GK, tu dois toujours avoir plusieurs cibles, enfin plusieurs ressources sur une cible parce que tu sais qu'une seule ressource, il n'y arrivera jamais. Sauf quand tu tires sur 4 pélos. Ah ben, c'est et encore, t'as un peu déloqué sur ton Feel No Pain à 3. Ouais. Mais bon. Attends, les... Cette règle sortie du cul. Feel No Pain à 3. Ah ben, c'est les antipsy. Normalement, de base, avant, tu pouvais pas les cibler au psy. Ah ouais oh ben, super. Donc même pas. Moi, je l'aurais eu dans le baba. Ok. Les termines ne vont pas bouger. Ou juste un petit peu là, au cas où, pour... Si après ton Nemesis qui veut venir au cas où je peux avoir une ligne de vue au cas où. Ouais, parce que tes Terminators ils peuvent remonter. Ouais. Et quand? À la fin de ta phase de mouvement. À la fin de ma phase de mouvement, très bien. Ça c'est fait. Les motos. J'ai marqué pas de prisonnier. Pas de prisonnier, c'est combien de points? Et je crois que c'était que 2, hein, c'est ça? C'est 2. Et c'est pas plus 1 quand tu es en tactique? Moi j'étais mis en tactique, donc normalement de base ça t'active, mais tu peux regarder. Moi j'ai pas nos prisonnières sur les cartes, je n'ai pas les cartes. Merde. Donc c'est quelqu'un dans le chat ou sinon vous pouvez aller chercher si ouais. Tu veux. Mais de souvenir, t'as plus 1 quand tu. Et là ça fait 2, 4 et 5. Et là, comme je t'ai déjà mis que c'était en tactique, donc de base, normalement, l'application oui, prend. Au pire, en fait, donc, on peut on vérifier, de toute façon, il n'y a pas d'incidence. Ouais. Ok. Donc, les gardes. Ah, 18. 18, ça fait quoi, là? Ça fait ça. Non. Je vais quand même bouger de là. De toute façon, tu peux traverser les murs, tu m'as dit. Oui. Tu peux advance charge ou pas, non? Non. Tu peux advance charge. Il bouge de combien, les termes? De 5. Et ils peuvent advance automatiquement à 6, par contre. Oui, mais tu sens que mais je ne le charge pas. 5. Sauf que si je fais ça. Ah, il va falloir faire des trucs quand même. Ça t'oblige à faire des choix après avec ta Némésis là-bas. Je vais bouger avec eux. Ouais. Juste bouger de 6 normalement. 6. Là, j'aime pas ces décors parce qu'ils ont une base. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est un peu chiant. J'aurais bien aimé enlever le décor. Ça fait tout son hop, son ça fait en inversé. C'est que 2 points. Ouais, ok. Ouais, mais ah, mais c'est peut-être capé à 5 en fait. Et du coup, dans ma tête, c'est ça doit être un truc comme ça. Non, plutôt là. Et la Kira. Juste pour l'instant, je la mets là, mais c'est pas définitif. Ouais, pour être au moins à 18 comme ça. Hop. Pas trop près non plus pour pas te prendre une charge. Faire ça, je les recule un petit peu tout en les avançant. Ok. Est-ce que je peux voir une Nemesis là-bas? Non, là je peux pas voir. Une moto 12. Je peux voir une strike à la rigueur là-bas, mais qu'avec une moto, c'est pas ouf. Alors, normalement, donc tes motos elles bougent à 12, c'est ça? Ouais, non, mais non, je peux juste voir. Ouais, il y a juste une moto qui peut voir une strike, mais c'est pas ouf quoi. Donc, non, pour l'instant, je vais mettre là, avec la moto, je mets en stand-by. Ok, parce que tes Warden, quand ils advance, ils peuvent pas tirer. Si. Si, ça fait partie du truc. J'ai des armes d'assaut. Ah, c'est des armes d'assaut, très bien, ok. J'avais pas cette data. Donc là, pas que la lance dépasse, je ne dépasse pas du premier étage. Ok, voilà.
Un petit parking. Ouais, pour l'instant, ça suffit aussi un petit peu à screener, des trucs comme ça, parce que comme t'as pas des FAP et tout, ça m'embête un peu, ça Oui, aussi. oui. Encore que j'ai celle qui repousse à 12, Ça qui repousse. te. C'est bien, hein. Franchement, contre moi, là, ça va vraiment t'aider. Ouais, j'en avais marre des trucs qui fait pas à 3 chez moi, genre les Inceptors, les trucs comme ça, je Ouais, non, ça c'est très fort. dis. Ok. Non, là, tu peux rien faire. Quoique, oui, tu peux. Non, t'as pas fait repartir une unité, en fait, C'est toi, donc. à la fin de ton tour à toi. Ouais, c'est vrai que, oui, comme c'est vrai que quoi. Toi, t'as été le premier joueur, donc tu C'est peux pas, ça. ouais. Donc, C'est t'aurais pour pu, ça en fait, que. refaire venir C'est ça. C'est un pour ça T1. qu'en GK, on adore avoir le pas l'initiative du tour. Ok. Parce que quand D'accord. tu fais revenir 3 Dread Knight dans un endroit à 9 pouces et que tu t'envoies 18 tirs de Ok. psycanon, c'est rigolo. Phase de mouvement terminée. Ouais. Je vais faire juste une portée. C'est 36 pas, le plasma lourd. Est-ce que j'y suis? Oh là là. Jamais ouais, 36 large, Ouais, 36 ça fait tout à fait. aux 3/4 de ton socle Tout à fait. parce que je vois que ça, je le vois pile poil. La Ok. strike, je la vois pas, ou peut-être que je suis dans le doute. Non, parce qu'il y a le conteneur qui l'angle du conteneur. Attends, Bon, pour moi, non, 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 il y tu a la l'angle du vois, conteneur, non, 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 elle est pas, il y a l'obscuring hein. Ah et l'angle du conteneur et oui. l'angle ici, Ouais. je peux pas. T'as mal. Ouais. Il y a un monde où tu aurais pu peut-être Ouais, et en mieux plus la là, placer. ça sert à rien que je fasse. Non, c'est un peu dangereux de le faire ça. Ça m'exposait trop. J'étais pas sur un objectif au fight first. Je préfère que ça rallonge la charge, mais bon, je peux pas poser d'objo. C'est vrai que ce scénario-là, j'aime pas du tout en custo. En fait, j'ai pas un custo swarm. Non, c'est liste classique, quoi. Donc, là, j'aurais Je pu. connais pas, tu te swarm. Bon, il y a beaucoup plus de figurines, quoi. Il n'y a pas les Ok. motos, il n'y a pas tout. En fait, c'est du double 3 fois. Warden, 3 fois, 3-4 fois garde. Ah Voilà. ouais. Ok. ok, bon, on va passer à phase de tir. Alors, là, normalement, je vais vérifier pour les Warden ici. Normalement, oui, vous voyez tous La le cuirasse. cuirasse et. Est-ce que je fais dans cuirasse ou. Là, ils ne voient pas tous tes thermis, mais bon. Je vais. Comme il y a Kira qui va faire le tir. Tire, faut déjà vérifier avec Kira, parce que sinon. Non, quoique là, c'est ton archi, donc c'est lui qui partira en dernier, donc même si tu retires des figurines, ça sera toujours à portée. Ouais. Ok. Est-ce que j'histoire de split un peu les tirs, de toute façon, je tuerai jamais rien en une fois, donc quoi qu'il arrive. Ça, je le tuerai pas non plus. Donc ouais, je fais toutes les styles, les tirs, histoire d'entamer un petit peu. Très bien. Il y a que deux gardes qui voient, deux wardens qui vont tirer dans les Terminators. Très bien. Et le Rosy Warden dans le Nemesis. Donc ça fait deux Warden dans les thermis là-bas. Touche à deux. Et Force. juste Oui. rappelle-moi les stats de tes armes au cas où Alors, c'est la c'est. force. C'est deux tirs de force 4 et à moins 1 dégâts 2. Donc tu me blesseras sur du 5, ça marche. Et là-bas tu me blesseras aussi sur du 6. Pourquoi Ok. blesser sur du 5? C'est J'ai dans du en dire en 5? 5 sur les Terminators. Ah, oh, d'accord. Ah, très bien, bah, C'est des je. Terminators quand même. Ouais, non, mais bah, c'est vrai que moi, mes thermis en endurance 7. Oh bah excuse-nous. Toi t'as pas rendu 4 sur tes merdeux là? N'importe quoi. Et les pimpins, les endurants 6. Oh là là. Ok, donc ça fait bien sûr du 5, ok. Bah, t'en as une, à monter un dégât 2, donc je pense que c'est dans le Sauvegarde. couvert. Oui, t'es dans le couvert. Allez, sauvegarde à 2. C'est bon. Ouais, ici, histoire, c'est le PV de la honte parfois, donc. Et 2 PV de la honte. Ouais. Donc bah, là, Sur j'en la ai cuirasse. 3 sur la cuirasse, parce que l'autre avec sa hache, il voit. Très 1, bien. 2, il m'en faut un autre. 3 tirs des Warden dans la cuirasse Nemesis. Touche à 2. Là, c'est Blesse à peut-être sur du 6. 6, oui, voilà. C'est rendu combien, c'est en fait ça? 8. 8, d'accord. Ouais. C'est à 6. Là, voilà, bah, j'ai rien. C'est histoire de. Bah, t'as vu, hein, c'est pas fifou le tir, hein, en Bah, t'as custo. tiré contre de la Dread Knight, quoi. Oui, voilà. Alors, Kira, ici, bah, le seul truc qu'elle peut tirer, c'est les Terminators là-bas. Et c'est 6 tirs ou des 6 tirs? 6 tirs. 1, Ok. 2, 3, 4, 5, 6. C'est sustainite 1. Très bien. Ah, bah tiens, bah, au moins ça compense. Ça rajoute 2 ici, 2 là, ça touche pas, parce que Ah, c'est ça non sustain plus, 2, ça. en fait. Oui, sustain 2, oui, pardon. Oui, ok. Autant pour moi. Et en plus, là par contre, je suis hors loss, donc je touche à 4 au lieu de 3. Donc, ouais, j'ai enlevé tous ceux qui n'étaient pas Ça marche, bons. ouais. Force 6, c'est En sur du du 5, sur 3. du 4, de 3, pardon. Ouais. Et je vais les reroll des 1. Parce que c'est les custos de base qui me donnent les reroll des 1. Très bien. Donc, bless à 3, on a dit, c'est ça. Pour une fois, c'est rare que je fasse des bons jeux comme ça. Hein. J'ai pas queené. Pas de PA dégâts 2. Donc, et c'est du psy, donc j'aurais Ah dû oui, faire une c'est OK. vrai que c'est aussi, oui. Donc pas de PA, sauvegarde à 2. Allez, bah, il y a
un qui passe pas et deux films no pain à 4. Allez, je prends un point de vie. Ouh, un PV, super. Et on va prendre. T'aurais pas eu le film no pain à 4 là, ça. Ouh là là, ah non, ça faisait deux points de vie. J'aurais pris deux points de vie quoi. Après, je te les mets, si tu veux. Je mets deux au lieu d'un. Ah oui, alors toi, tu mets ceux qui restent ou ceux qu'ils ont pris? Moi, ce qui me reste, moi, je mets. Allez, ça marche, je vais faire pareil. Enfin, j'ai l'habitude de faire ça, donc. Très bien. Comme j'ai des petits dévers, comme ça, ah, ça, c'est la vie qui reste. Donc. Ça me va. Lui, l'homme de. Je sais plus comment s'appelle, les hommes d'armes de main, là, tu sais, de. Quand t'as les. Les hommes de main d'inquisition? Ouais, non, ouais, c'est la, dans l'escouade inquisitoriale, mais les. C'est le un. Le plasma, je sais pas. Ouais, enfin, bref. Servitor. Ouais, voilà, Servitor. Je sais pas, j'oublie, c'est quoi ce nom, Servitor. Le Servitor ici va surchauffer. Il va mourir, j'en suis sûr. L'arène d'Athénélis, à chaque fois, il meurt. Hein. Il tient pas deux tours sans mourir. Donc, ça fait des trois tirs. De force combien? PA combien? Dégâts combien? Alors, ça sera. De la force. Placement. Non, c'est pas ça. 36. Ça fera force 8. Ça touchera à 5, par contre. Force 8, pas moins de 2. Très bien. Bon, c'est pas fou non plus, quoi. Trois tirs. Qui vont toucher à 5. Par contre, si je bouge pas après, je toucherai à 4. Hein. T'as une touche. Ouais, j'ai une touche de force 8, PA moins 2, 2. Et il faut blesser maintenant. Force 8. Ah oui, ensuite oui. Sur le 4 plus. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il va mourir? Bah oui. Ah putain, non, ça mais... se passe vraiment genre. Ah ouais, tu l'avais prévu. Oui, à mon avis, je dois être un joueur orc. Donc, Bah non, je joue pas orc là. Ah, parce que c'est vraiment pas. Tout ce que je dis, ça se fait, donc j'y crois. Donc, Ah oui, ça c'est l'impression de Benji. De quoi celui-là? Le serviteur. Non, c'est moi qui l'ai fait celui-là. Ok, parce que Benji m'a fait peindre. Ça c'est Benji par contre, okay. D'Akira. Donc, Ok. Et voilà, en tir, je sais même pas si je vois ta Némésis de l'autre côté, mais dans non. Après, je suis derrière. Ouais, voilà. Donc non. Donc ouais, normalement, même le canon ne dépasse pas. Ah, il a son épée comme ça, dans son fourreau encore. Ouais. En tir, ben, c'est fini, je vais pas faire une double phase de tir, ça servira à rien. Ok, bon ben phase de charge. Non, c'est une charge trop longue. T'as une fight force avec cette unité? Ouais, je peux même pas. Je suis pile à 12 ou pas? On sait jamais. Tu me dis, attends, je vais mettre une réglette. Parce qu'on sait jamais, hein, ça peut sur malentendu. Non, je fais plus 12. Je ne peux pas déclarer de charge. Je m'étais bien placé. Je les avais reculés le plus possible. Ouais, mais je pensais, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ton Dread Knight qui pouvait partir. Ouais, ben. Phase de corps à corps terminée, voilà. Donc phase de tour finie. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que je marque? Je ne marque rien pour l'instant. Est-ce que je garde des trucs? J'utilise un PC. Guidon ou No Prisoner. Je vais peut-être. C'est pas Guidon et. Ça, c'est le choix là parce que. Tiens, moi je vais juste en profiter pour. Tu sais, parce qu'à la fin de tout tour, je dois faire repartir des mecs. Ouais. Et donc je réfléchis. On a dit qu'on était bah, juste à plus de 12. Donc si je bouge à 5, j'aurai une charge à 7 en gros. C'est au combien de PV tes Némésis, tu vois? 13. Ouais. Et en plus, c'est pas de suite que je vais les tuer, je pense. Donc je vais virer Brigitte Dawn. Je préfère garder nos prisonnières. En fait, tu sais que c'est pas trop mal que lui soit mort. Hein, parce que sinon, j'aurais pu buter ton escouade en leur tirant dessus. Ouais. Ouais, bah après, t'aurais pas buté toute l'escouade, mais bon. Ouais, mais bon. Tu prends ils ont moins 1 à la blesse, eux, et ils ont 2 PV. D'accord. Moins 1 à la blesse, c'est vrai que ça fait un peu chier. Voilà. Ouais, j'ai viré Brigitte Dawn. Pour essayer d'avoir un autre objectif, on sait jamais. Oui. Donc, je récupère un PC, je serai à 2, c'est 3. À ton primaire, ça va bien. Je marque 10. Parce que j'ai ces deux objectifs-là. Et oui, t'as été. Mais attends aussi. Avant la primaire parce que je réfléchis à ce que je renvoie. Enfin, tu peux le mettre, on s'en fiche. Ouais. Mais juste, on est enfin encore de ton tour, tu sais, je réfléchis à ce que je renvoie en fait. Et oui, parce que s'il renvoie à mon tour, il n'aura pas cet objectif-là. Non, mais ceux-là, je vais pas les renvoyer. Donc, bizarrement. Donc lui, je vais le renvoyer par contre. Parce que je vais plutôt privilégier. Donc tu as 10 alors. Ouais. Je vais renvoyer un Dread Knight. Ouais. Mes Strike Squad, je peux les renvoyer. Mais c'est.
Remarque, je suis en sticky et strike squat, comme ça je pourrais les faire venir Je ailleurs. crois que Manu est pour l'instant, il va revenir, mais il n'est pas là. Donc je renvoie mes strike squats, de toute façon ils ont rendu l'autre objectif sticky, donc on s'en fout. Et pour le reste, ça reste sur table. Hein. Voilà. Alors, dans ma règle, je serai obligé de Oui, de faire faire revenir. Ouais. revenir ma Dread Knight et mes 5 Incursion Quad. Bon, Tout ça bouge de partout. Tu peux les faire repartir, donc j'ai c'est bien fait ça. de pas prendre de virer Break It Down parce que Je pense que c'est bien. ça peut me faire kite les trucs. Ok, je mets un PC et je tire. Secure No Man's Land, ça va pas être compliqué pour toi. Et Behind the Enemy Line, là, ça sera un petit peu plus compliqué, à part si tu fais pas 3. Alors, je pourrais faire pas 3, mais avec une seule unité. Donc, Ouais, bah ça te fait quand même des points, quoi. c'est combien de points, hein? Normalement, ça doit être 3 points, faut que je vérifie. Et ça veut dire aussi que je sacrifie une escouade, parce que ce que je vais Behind, te ouais, mettre, une escouade, c'est 3 points. ce que je vais te mettre, tu vas Ah, c'est Tchétché me après, lui là, c'est. fumer le cul. Là, ils sont là, Après, ils au moins, ça ont. te force à venir les gérer, J'ai quoi. pu charger personne T1, ils sont énervés là. C'est. Très bien. C'est Allez, eux, phase de sont. mouvement. De toute façon, je les aurai. J'aurai le truc de sécuriser le No Man's Land, parce que je compte bien garder ces deux objectifs. Donc ça sera fait. Bah déjà tu l'as de base, à part si tu te C'est fais kill ça. avec toi ça strike Donc squad. je quitte le. Oui. Quitte le truc. Ils sont sticky donc là. Ah non, ils sont pas sticky eux. Non, eux sont pas sticky. C'est Eux les sont pas sticky. C'est les Strike Squad qui sont sticky. Ok. Ok. Donc il faut que je prévoie un PC. Donc j'ai deux PC. Il faut que je prévoie un PC pour arriver derrière toi. Pour scorer un petit peu. Ce sera pas énorme, mais ce Ah, sera c'est un toujours ça. PC la... Ouais. Il la fait pas 3, c'est un PC. En tout, c'est deux PC, quoi. T'as quelque chose si je bouge avec eux proche de toi? Lui, non. Là-bas, Ouais, c'est lui, non. c'est le Blade Champion là-bas qui a le chasseur à la sable, qui fait que si t'as remis 9 pas, je fais un mouvement de 6. Ok, et une fois par partie, tu peux leur mettre un Field of Pain à 4 à ces gars. Tout à fait. En vrai, c'est chiant, il faut plus que je leur tire dessus. Après, ça peut être 26 charges, donc prochain tour, ça va faire mal. Là, j'ai pas de fight first parce que je suis pas sur un objectif. Ah! Ah, t'as Voilà. pas de fight first. Donc, Ok, ça change peut-être des trucs. Et si moi je suis sur un objectif, tu le développes aussi, le Fight First? Non, moi il faut que je touche un objectif. D'accord. Donc si Enfin, je. dans l'air de. Faut que je sois dans. Ok, bon, là tu seras trop loin pour pile-in éventuellement. Hop, donc on va bouger à 5. Je vois pas exactement, je pense que je suis à peu près là. De toute façon, ça va être une charge à 7, parce que Oui. j'étais à légèrement plus de 12. Il pouvait pas tenter sa charge, je bouge à Ouais. 5, donc c'est J'étais une à charge à 12,5 ou un 7. truc comme ça. Ouais. Juste pour rigoler, est-ce que j'aurais réussi une charge à 12 reroll? Non. Après, enfin, ça n'aurait pas été le pareil parce que c'était pas vraiment que je les lance, mais Oui. c'est juste pour rigoler, quoi. Pas de souci. Je te laisse finir tes mouvements, je vais juste te boire. Je dépose le micro. Très bien. Pardonnez-moi, je ne vois pas le moment. Non, pour que ça fasse le bruit, Est-ce qu'on sécuriserait pas le truc le plus possible et à la rigueur? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Donc, eux, on va les faire venir pour charger automatiquement à 12. Hop! On va essayer d'envoyer le plus de pas. Après, le truc, c'est que si je tue ça, toi, tu vas me charger ce qui est là. Je peux désengager et charger avec. Ah non, c'est pas lui qui peut faire ça. Ouais. Et eux, ils peuvent pas donner ses charges, donc ils vont bouger à 6. Ouais. Ouais. Ensuite, le mieux, en fait, ce serait pas que je kite plus. Bah, les GK, c'est fait. Ouais, c'est ça qui est chiant, quoi. C'est contre le custo, Parce que là, je vais me faire empaler, donc c'est c'est peut-être pas anxiogène, quoi. Le truc, la meilleure c'est. des idées. Ça peut faire partout, ça peut. En fait, le mieux, c'est que je charge pas encore, que je me positionne mieux, et que cette escouade-là, en fait, il faut qu'elle reste le plus loin possible. Donc je vais enlever ça pour faire mes déplacements. Ah, tu Parce que, recules. ouais, parce que là, en fait, je vais te charger, mais ça va servir à rien. Je reste du GK, je vais pas t'en buter tant que ça. Tu vas déclencher ton Feel No Pain et tout. Alors que si je te les. Donc ils étaient derrière. Ouais, sinon ils Si sont je dans te les les murs, ouais. amoindris au tir avant. Ben, je vais te faire dépenser des ressources et puis moi je vais en économiser surtout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va garder un peu d'OC. On va refaire notre cohésion. Et surtout, lui, on va faire en sorte qu'il soit visible pour faire sa Oui, capacité. là, il Le voit. lance-flamme, il est où? Il est là. Hop là, à 12, on va le placer. Ouais, on va peut-être pas se mettre. De toute façon, tu vas advance ses charges. Donc tu vas me les impacter. Ouais, tu vas me les impacter, c'est ça qui est chiant.
Ou alors je fais faible une escouade ici que tu m'impacteras de toute façon, mais je garde juste l'objectif. Je mets les lance-flammes par exemple, et puis d'un autre côté, eux, je les mets derrière. Et le Sur truc, c'est quoi que tu si je vas? fais ça, il faut que je garde à l'idée que je puisse utiliser ma capacité pour faire quand même 2-3 BM, même si dans ce match-up c'est compliqué, étant donné qu'il a son Feel No Pain Tout à de fait. mort. Ouais. Après, si je me mets là, normalement je vois ton socle. Ok, bon, de toute façon j'étais au bord du truc, donc je pourrais venir par exemple ici. Ici ça fait à peu près là. Ok. Et là je vois rien. Bah déjà là il y a la ruine donc Ouais, c'est c'est ça, c'est pour ça. obscuring donc. Ou alors je me dis tant pis, je fais juste venir les trois Dread Knights. Ouais, en fait, il faut que je fasse ça. Après, pas oublier que moi je traverse les murs aussi, donc Ouais, c'est sûr. non, c'est bon. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, lui, je dois le contrôler obligatoirement. Ou alors, je déclenche Kaldor et je fume ce pack. Et après, toi, tu vas galérer. Ouais, mais tu vas mettre le Feel No Pain à 4 et tout ça. Le Feel No Pain à 4, c'est sur une unité ou sur n'importe laquelle? Genre, tu peux C'est. déclencher Feel No Pain à 4 sur deux escouades en même temps? Oui, il n'y a pas de. Y a pas Normalement, de il n'y a pas de restriction. restriction. Ok, bon, on peut encore un peu. Désolé, les gars, je prends du temps, mais en vrai, c'est important comme tour. C'est même un peu décisif. Ok. Donc, on va les faire. Ce qu'on va faire. Parce que là, tu me chargeras obligatoirement et eux, tu vas me les découper. Obligatoirement aussi. Alors, à la rigueur, je mets 5 mecs comme ça. Eux, je les protège. En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, eux, on va les remettre derrière. Ça y est, mon adversaire totalement chamboulé par la tactique de jeu improbable. J'en perds un écusson. Et là, on va être tour 2, donc tu pourras faire venir des escouades. Donc, il faudrait. À la rigueur, je l'ai fait advance et tant pis. Allez, je vais me mettre là. Je vais faire advance. Comme ça, tu n'arriveras pas dans mon cul en me prenant cet objet. Et de toute façon, ils vont pas tirer. Et la capacité, je pourrais quand même la déclarer. Donc tu te barres de cet objectif-là, alors pour l'instant. Ah oui, pour l'instant, D'accord. mais je vais les faire revenir quand même avec une escouade en FEP. On pense bien. Donc lui, il est tout au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Ils sont Ouais. 6, donc c'est bon, ça n'a pas besoin d'être à 2 C'est de mettre. ça. Lui, il est au bout le plus possible. On va tenter de mettre des BM. Ce Dread Knight là. En fait, ce Dan là, eux, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à se mettre ici, ils vont juste se faire un peu chier. Donc à l'arrière, eux, on les fait bouger à 12 et on met l'objectif là-bas de l'autre côté. C'est dans hors zone de déploiement, mais en fait, oui, ça doit correspondre. Soit un 9. Ah, mais maintenant, ça peut être à 9 de lui, par exemple, que je peux le faire Oui, aussi, oui. arriver. Ça Hein? soit un 9 de lui, à plus de 6 de lui, mais ce soit plus de 9, dans les 9 de lui. Enfin, si tu veux faire à partir de lui, c'est Ouais. à 9 de lui, mais à plus de Donc je peux 6 le de mettre là-bas ça par et de exemple. ça. Bah, tu peux le mettre, faut faire gaffe, ta zone de déploiement elle est là. Donc, Ouais, mais ouais. genre là. Oui, tu peux très bien. Oui. Ici par exemple. Par contre, il faut que ton unité soit un pain. Donc, Ouais, bah oui. il bouge à 12. Ah non, mais c'est bon. Ah, allez, c'est bon, on va le mettre là. On va s'écarter le plus possible. Hop. Donc, Et de toute façon, ils font une action. peux voir déjà. Les 9, ça serait là. Ça serait Je te le là, place, hein, c'est. ouais. Ça serait là. Ok. Et ici, on a dit, est-ce que je tente quand même de charger après? En vrai, je tente de charger. Je fais venir mes deux autres Dread Knights. Je tire surtout. Je tente de charger. Il y a la capacité. On va faire ça devrait aller. Donc, 8 bouges de 14, donc il va être une charge auto, parce que je suis à peu près à 16. Oui, Hop. un petit peu. Ouais. Après, en plus, je peux le faire bouger là. Ouais, ça va être charge à 3, peut-être à 2.
Ok, en plus il me reste deux PC, donc je pourrais faire un tank choc si je veux. Et surtout, il faut que je fasse venir mes deux Dreadknights. Pas oublier que tu as cet objectif-là. Non, je sais pas s'ils le prennent en fait. Non, non, je le prends pas là. Non, 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 Non. c'est prévu de pas le prendre avec eux. Parce qu'en fait, D'accord. je fais venir. Non, pour te dire au cas où, comme ça va. Ouais, donc fin de ma phase de mouvement, je vais faire venir un premier Dreadknight, enfin une première Dreadknight ici. Est-ce que c'est la bonne idée? En fait, il faudrait mieux la faire venir genre là, être à 18, au lance-flamme. Toujours pour t'éviter d'avoir un truc qui peut arriver là trop facilement. Et c'est celle-là qui tirera en premier. Il faut que je sois à 3 bord. Normalement, c'est bon. Et puis, je pense que là, je le vois, hein, on est d'accord? Normalement, oui, tu vois. Très bien. Et là, deuxième Dread Knight, qui elle va venir, hop, ici. Donc, à 18. Hop, on va se mettre pile à 18 pour profiter du lance-flamme. Tu viens de me le valider, mais normalement c'est bon, je dois être à peu près pile à Oui, 18. bah. Je pense que t'as mesuré, c'est bon. Ouais. Et en plus, ça t'éloigne un peu tes faits éventuels. Ensuite, si j'ai deux autres trucs à mettre. Donc elle contrôle cet objectif. Ça contrôle celui-là. Lui n'est pas encore contrôlé. Ça bouge à 6. Donc en fait, tu vas pouvoir advance, mais tu ferais rien d'autre. Tirer. C'est ça. Ah oui, il faut que je prenne un PC. Donc je le fais maintenant pour faire venir dans ton camp une escouade à 3. Donc là, j'ai une bulle à 12. Donc en fait, du quart Ouais, là. de l'angle en fait, c'est à 12. Ouais, donc c'est à Donc peu près là, quoi. Et là, je peux. Tu m'as pas laissé une bulle. non. Non, donc je vais faire venir une escouade ici. À peu près. Et ça, qu'est-ce que je donne? Parce que là, c'est vraiment une ressource que je vais offrir à mon adversaire. Oh, après. Putain, c'est chiant ton repousse faible parce que là j'avais un trick vraiment intéressant à C'est pour ça que faire. je les mets derrière une ruine, pour éviter que même si un mec il veut faire à plus de 12, il n'a pas de ligne de vue sur mes trucs, il peut pas faire chez moi quoi. Ouais, parce que là, 12. Parce que si je mets ça dans la pampa, même avec une faible normale, tu peux me dégainer les mecs et tout, Et on fait ouais, prendre à 3 de part super quoi. chiant. Non, mais tant pis, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Après, à 3, je peux venir plutôt là, mais ça change pas des masses. L'un dans l'autre. Ouais. Je pense que je vais mettre les téléporteurs. Remarque, la Strike Squad, elle a fait son taf. Après, le côté sticky, c'est vraiment cool. C'est toi qui vois. Allez, on va mettre la Strike. Tant pis, les téléporteurs, ils me serviront plus tard. Après, j'en aurai encore une escouade. Non, mais elle va peut-être crever en plus. Sûrement qu'elle va crever en plus. Donc, hop, on va les mettre là. C'est à peu près là, hein. Ça change pas Oui, des c'est masses. pas. Oui, c'est ça. C'est là, voilà, à peu près comme ça, là. Sans mes bêtes de l'angle. Ouais, en fait, je vais me mettre ouais, pile, ouais. Donc ça fait comme ça mon truc. Parce que c'est Oui, parallèle. bah, tu prends là comme ça, et Ok, puis ça on va. marche. Désolé pour les bruits de maître si ça s'est entendu. J'ai fait un peu Ouais. claquer. Ça marche. Donc on fait ça. Il me reste un PC. Et qu'est-ce que je peux faire arriver d'autre? Est-ce qu'on fait arriver un lance-flamme là pour fiabiliser encore plus ça? Là, tu veux là, Je vais la rayer de la les carte, comme enfoncer on quoi, dit. c'est. Je pense qu'on va faire venir aussi. Donc. Et là, est-ce qu'on met autre chose? Le truc, c'est que ça, tu pourras me charger ça. Et si je te laisse une autre cible, tu vas juste me charger autre cible. Je suis à combien là de cette unité? Ouais, je suis vraiment. Ouais, ce serait une charge à 12, quoi. Un peu moins de 18 Ouais, normalement. un peu moins de Parce que 18, mais je c'est vrai sais qu'il que me. Kira. Ah non, c'est que t'as déplacé le. Donc. Ouais, je l'ai mis tout au bout le Ouais. plus possible, donc en théorie. Donc là, on va mettre les lance-flammes. Après, t'as rendu combien sur eux? Ouais, j'ai cru 6. Et 7. t'as moins de blesses avec ce qui tape plus que mon endurance. Je tape à force 6 partout, sauf avec le psy-canon. Donc je vais te blesser à 4 ou à 3. Si Parce que tu en du 6? Ah oui, non, veux. je vais te 6. blesser à 4 tout le temps en fait. Allez, on va mettre ça à 12. Et puis au pire, tant pis. Ah ouais, là, Ouais. c'est carrément.
Alors, il faut juste que je vérifie parce que lui, il était à 18 piles. Donc, si je commence à tirer avec ça, et à la rigueur, je vais me mettre à 9 plutôt. De toute façon, lui, il bloque avec son socle. Donc, hop. 9, c'est genre là. Bon, je me mets à 9, je vérifierai après. Mais dans l'optique, sache que je suis à 9. S'il y a une charge ou quoi à faire après, Oui. sait-on jamais. On va même les mettre en protection. Hop. Donc là, c'est une strike que tu mets, c'est ça? Non, Ah, c'est les Purgation c'est les Squad. Purgation Squad. Ok. Allez, on fait ça pour l'instant. Normalement, on sort un petit peu plus loin. Ouais, vas-y, je te Ouais, laisse. mais c'est au niveau du trait vert, en fait. Tu vois, Comment, c'est-à-dire au niveau du travers? Enfin, de là derrière, regarde. Hop. Ah non, c'est un petit peu plus là. Ouais, c'est au milieu du trait Oui, vert. voilà. Bon, voilà, ça change pas des Ouais, c'est masses. bon. Ouais, là-bas, après, comme ça fait un peu en Ouais. éventail, donc c'est. Donc là, normalement, ça devrait être pas trop mal. Hop, on va quand même Ok. bien écranter Est-ce que tu as histoire de. fini ta phase de mouvement? Ma phase de réserve. Oui. À la fin de ta phase de mouvement. Est-ce que la dernière question c'était. On n'est pas capé à 10 sur l'objectif. 15. On est capé à 15. Normalement, il faut déjà vérifier. Normalement. Oui, c'est 15, ouais, c'est ça. Juste, je réponds à Bubu parce qu'il se fait Ouais, je l'ai il dit se tout fait à du l'heure. souci. Non, mais j'ai des soins à faire tout de suite à mon Ah opération, oui, l'infirmière et tout. etc. C'est pas simple. On comprend pourquoi il reste un peu plus C'est pas longtemps. fait simple. Ah. Bon, qu'est-ce que ça Eh donne ben, alors? bah on est tour 2. Compliqué, quoi. Premier tour, j'ai réussi à faire enfin, j'ai réussi à Tu l'as fait tuer lui. chouiner? Je l'ai fait chouiner. Ah, ça va, Ouais, tout va mais bien. j'ai chouiné. Ouais, Gentil, t'as voilà. chouiné gentil. Bah, j'ai loupé des Il a Finopen à chouiné 3 contre pas trop Upsi. aigu. J'ai perdu toute une escouade de 6-star. Finopen à 3 Upsi. Cher, bien fait. Voilà. Je Ouais, dis ça, je gagne. et il faut juste que je vérifie un dernier truc, c'est que lui, je l'ai mis à 18, mais lui, il faut qu'il soit. Bon, lui, il est moins, donc normalement, il sera à 18 de lui. Et ton chef, il est là. Et ton chef, normalement, ok. Façon, quoi qu'il arrive, c'est toute la squad. Donc, si tu vois un mec de la squad. C'est pour la portée des lance-flammes, parce que lui va commencer à tirer parce qu'il est le plus loin. Le truc, c'est que si t'enlevais lui, par exemple, Ah oui, et que d'accord. je faisais tirer lui en premier, bah, il pouvait plus tirer avec son lance-flamme. Ah, Bon, j'essaye effectivement, d'optimiser c'est. les. Et après, de toute façon, tous ils sont à portée Non, double. c'est bien pensé, c'est bien pensé. Très bien, eux ils pourront rien faire parce qu'ils ont chargé, ils ont fait la Donc, pion, tu as fini pardon. ta phase de mouvement J'ai alors. fini ma phase de On était deux là, on est mouvement, d'accord. on était deux, et je vais Donc, je vais peut-être faire quand un même rapide mettre. ingress. Ouais, attends, c'est pour Ah. ça, juste avant, je pense que je vais Il quand laisse pas même. faire. Ouais, Donc, je je reviens vais quand même passer. faire venir. Parce que là, le truc, c'est que tu pourrais. Ouais, mais après, il me resterait. Je pourrais avoir un rapide ingress devant ton tour, ça pourrait être cool aussi. Non, vas-y, fais ton truc. Ok, bah j'utilise un PC alors pour rapid ingress. Normalement. Normalement, je suis plus ou moins protégé. Vous savez que tout est lance-flammes, c'est pratique. Bon, je vais me placer vers là-bas. Pour essayer de faire un peu le bordel là-dedans. C'est là. Est-ce que de Trajan. Tout Trajan là, parce que c'est plutôt lui qui tape la Némésis. La bannière, je m'en fous. Technique, hein. Ouais, c'est Il technique. réfléchit. Ouais. Ça m'arrive C'est un peu parfois. comme des échecs où Je pensais pas tu joues qu'on avait six rois, besoin. sirène, tu Je pensais pas qu'on avait besoin de réfléchir quand on joue à Pusto. vois. Bah oui, attends. Pas beaucoup de figurines, faut essayer de faire des trucs avec. Hein. Quoi qu'il y a le lance-flamme de Ça l'autre. bouge à 6, ça aussi, c'est des Warden. Ouais. Ouais. Non, c'est des gardes custos, ça. Attends, t'as Warden. Ah oui, c'est les gardes custos, c'est les infanteries de base. Ouais. Ok. Te mettre là parce que j'ai pas envie de prendre mon lance-flamme de ton. Oui, je pense. Les gardes Warden, ils sont moins forts que les. Ça dépend. Eux ils tankent plus, eux ils tapent plus. Ah, d'accord, ok. Bah, sachant que sur un objectif, full reroll bless. Ok. Trajan, force 6 attaques de force 10, il a moins 2, 3 dégâts. Je peux Ok. monter à 12 attaques. Très bien. Et j'ignore tous les malus que tu peux mettre. Très bien. Phase de Ok. tir? C'est parti. Allez, eh ben, il me reste un PC, donc on verra ce qu'on peut faire. Donc, phase de tir. Je vais commencer à lancer ma. Est-ce que je lance ma capacité en premier? De toute façon, ma capacité, je vois ton chef, donc non, on la lancera à la fin pour voir ce qui se passe. On va commencer par ce petit Ce mec-là. que je vais faire, j'ai deux PC, Ouais. je déclare que je dépense deux PC, je mets le moins un dégâts sur cette unité-là. Alors, j'ai que du. Ah oui, pour les psycanons, ok. Oui. Ouais. Non, mais parce qu'avant, je jouais pas de psycanon, donc j'avais que du mono. Ils font mal Très les bien. psycanons quand Donc, même. c'est moins un dégât, ok. Moins un Et dégât. il te reste, t'as plus de PC. Plus PC et je déclare mon Final Pain à 4. Et tu déclares ton Field of Pain à Pour 4 essayer de aussi. les faire tenir un maximum, parce que s'ils crèvent au tir.
On commence par le psycanon, tiens, ça sera fait. Ouais. Ça touche à 3, c'est pas très beau. Ça blesse, t'as rendu combien? Rendu 6, mais par contre, t'as moins un bless. Bon, si je blesse à 4. Ouais. Si ah bah ça fait rien. C'est de la force combien, ça? Force 10. Oui, donc c'était de la moins un bless, donc c'est ça. C'est allez, lance flamme lourd. 5, 2, 4, 5, je blesse à 4. Putain, le premier, il aura rien fait du tout, quoi. Oui, j'ai rien. Ouais, enfin, allez, le deuxième, 2, 3, 4, 5, 6. Une ours. Ah non mais là on ça, dirait va, BGD, ça va ça va pas trop le faire là. Ça ça va pas trop le faire. Non mais ils sont pas équilibrés ces dés il paraît. Okay. Allez je blesse à 4. Ouais ça va vraiment pas le faire. C'est deux Dread Knight qu'il faut. Mais non je peux pas prendre mes dés. C'est pas grave. Ça j'ai plein de dés là. Ouais. Ça va plein de dés. Ouais ouais mais là deux Dread Knight qui font rien. Je faire un effort j'ai claqué. Alors là le lance flamme j'ai claqué deux PC pour ça moi. 7, 4, 5, 6, 7. Ouais. Force 6, ça blesse à 4. Ouais, bon. J'ai deux blessures, s'il te plaît, PA-1. Sur eux, ça? Ouais. C'est laquelle qui tire? C'est, C'était elle, là. D'accord. PA-1, et toi, tu n'y recouvres? Ouais. Oui, donc, sur du 3. Dégâts combien? Dégâts 1. D'accord. Allez, la dernière Dread Knight. Ça va faire un film open. Effectivement, merci. J'aime bien me nerfer. Mais non, t'as pas de dégâts. Allez, ça touche à 3. Bah, c'est mieux. Ça blesse à 4. Ah bah c'est mieux quand même. 3 sauvegardes s'il te plaît, PA-2. Ça c'était quoi qui le psycanon lourd de la 3ème Dread Knight. D'accord. Parce que les autres auraient dû faire quoi. Oui. Ouais. Ok, là, ça va être dur comme partie. Le lance-flamme lourd. 3, je blesse à 4. Et une sauvegarde s'il te plaît. Pas dedans. C'est pas à moins. C'est un moins 1. Ouais, donc c'est bon. C'est tanké. Donc les 3 Dread Knights n'ont rien fait au tir. On va faire les lance-flammes. J'ai 4 D6 tirs de lance-flammes. Ah bah, c'est bien ça. C'est 15, bien ça. 18. 4, 7, 10, 13, 16 et 18. Blesse à 4. J'enlève les mauvais. Ouais, là. Ça te fait 4, 7, 8 sauvegardes boss, si tu veux lancer tout ça. PA-1. PA-1, sur du 3. On a 3, 3 Fino Pain. On a 8 un PV. Et un point de vie, très bien. On va faire la capacité, hein, on n'a pas le choix du Librarian. Ils vont prendre 2 des 3 BM. Et ça fait 2, 3 BM, s'il te plaît. 1, 2, 3 Finopane basique. Ouais. 1 PV encore. Eh ben, 1 PV encore. Mais là, du coup, ça change mon play. Est-ce que je charge? Ça, je vais juste me le faire découper. Je pensais qu'il allait en rester peut-être 1 et le perso, mais en fait, que dalle, quoi. T'as vu? T'as vu le Queen pas, lui? Ah, il était pas très content pour ses games. Ouais, mais bon, 3 Dread Knight, mais bon, ça arrive, hein, ça fait partie. J'espère que... Ça va pas faire ça toute la game, c'est le premier tour. T'as vu? Bah, c'est que le premier tour, tu verras. T'as vu? Moi non plus, quand je joue, je queen pas. Il reste encore 3 tours, c'est bon quoi. Il a mis tout ça de force de frappe quand même. Ouais, et ça a rien fait. Ça a fait 2 points de vie. Ah, ça a rebondi de fou. Bah, les 3 Dread Knight, elles ont ni touché ni blessé. Il y a juste lui qui a blessé un peu, mais il a encore, j'ai utilisé les 2 PC pour rien quoi. Pour moins un dégât. Ouais, au moins t'as plus de PC, ouais. Non, on va laisser ma Dread Knight là. De toute façon, tu seras obligé de... Si tu bouges, elle fait. Et si tu bouges pas et que tu me charges, bah tu me charges ça. Je vais la laisser là. C'était quoi ce que je devais faire déjà ce tour-ci? C'était sécuriser No Man's Land. Et le deuxième truc... Sécuriser No Man's Land et Behind the New Line. Ouais, voilà. Donc là, je score les deux. Donc là, ça te fait 3 points pour ce behind. Et 5 pour... Sécuriser No Man's Land, ça fait 5 points. Ça fait 7 points en tout, là. 8. Ah oui, c'est 8 3 et 5. Non, mais moi, j'ai en maths, c'est pas... De secondaire. J'ai arrêté en 3e, mais c'est bon. Et je vais dire à toi. Ok. Donc, j'ai mis mon PC. Donc, je prends PC. T'as 2 PC, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça. Tu as 2 PC. Moi, je marque... rien. Non, t'as pas de primaire pour l'instant. T'as pas de primaire? Non. T'as 0. Bah ouais, bah... C'est ça, c'est le premier tour qui m'a mis dedans, là, c'est les 6 stars, en fait, c'est les 6 stars qui sont morts, parce que j'ai mal placé, quand même. Qui me rapporte 2 points. Bah ouais, c'est censé se faire pop un objectif, en fait, je pouvais le pop ici, au niveau des Warden, je laissais les Warden là, j'ai dit, bah, viens me chercher, après, je peux faire sur l'objectif et tout, donc là, moi, je pouvais faire des trucs. Enfin, bref, 5 missions, bon, j'ai déjà né au prisonnier,
Je vais peut-être dû garder Brigid Dawn en fait, mais je suis... c'est pas grave. Ah, tu savais pas? Secure No Man's Land. Ça va être possible. Alors, Secure No Man's Land, Brigid Dawn. Ok. Attends, t'as Breaking Dawn? Non, j'ai plus Brigid Dawn, je me suis défaussé. Ok, tu... parce que tu... Secure Du No coup, t'as Man's quoi? Land. T'as... Mais pas de prisonnier. Oui, non, pas de prisonnier, oui. Très bien. Allez. Ok. Je vais voir. Je vais lancer la capacité de Kira pour savoir si je suis non opérative à 18 en C'est sur phase du de 2 co. plus, j'imagine? Ouais. Ok. Mais la dernière fois, en fait, elle a failli tuer un garde, donc à cause de ça. Ouf, ça va. Pourquoi? Que si c'est 1, ça Bah fait si c'est quoi? 1, c'est des 3 BM. Ok. Et sur l'unité, donc. Non mais hier, j'ai perdu 2 PV sur un garde, en plus que j'ai mon Field of Pain. Et j'ai fait crever l'autre aussi, pareil, comme Sam, là, ça. tu vois, il a mis 3 Dread Knight et il a rien tué. 3 Dread Knight, 5 Ah, il lance-flammes, reste une encore 3 tours. capacité, 2 points de vie. Il est Alors, bien policé ouais, vraiment, en genre. vrai, ça. Ouh, Ça, ça rebondit bien, ouais. c'est bon. Je vais faire bouger. Est-ce quoi d'autre agent? Je vais mettre. Pour l'instant. Est-ce quoi d'autre agent va bouger? Tac, 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 tac. Ça. Ça. 6. Là. Comme ça, je vais pouvoir un peu spread, mais comme je veux un petit peu, je T'es suis à sur combien du Dread l'objectif. Knight pour... Bah tiens, tu peux enlever le décor, ce sera plus simple. Alors, je suis à 5 et demi du Dread Knight. T'es à 5,5 du Dread Knight. Donc, ça fait une charge à Pour 5. l'instant, c'est une charge à 5. La question, c'est est-ce que je bougerai pas? Tu peux. Ah oui, si tu veux faire un mouvement normal, tu peux soit reculer, soit partir en fait, c'est ça? Ou alors je bouge avec eux et je les mets en protection. Que tu puisses pas me charger le Dread Knight. Bouge de 6. Ouais. Au cas où tu as la petite régate de 6 là. C'est plus pratique comme ça. Ouais, donc en soi, je pourrais faire ça, les mettre comme ça. Et là, il faudrait que tu fasses une charge énorme pour me charger. Ça peut. On n'a qu'à essayer quoi. Comment? On n'a qu'à essayer. Vous avez des problèmes. Et tu peux pas traverser mes unités quand je charge, quand tu Non, charges, j'ai pas sauf si le vol. socle passe. J'ai pas vol. Je peux pas. En vol, normalement, tu peux par-dessus les unités ennemies. Mais après, T'as pas vol. non, j'ai pas vol. Et là-bas non plus, t'as pas vol, évidemment. Non. Surtout Donc qui vole, c'est c'est mes motos. 6. Ok. Donc ça ferait. Là. Attends, je mets un dé pour savoir exactement où il était. Hop. Là. Là. Et là, ça te ferait une charge à combien si tu veux... Si je déclare les deux, Si tu déclares les deux, ouais. si je déclare les deux, ça me fait une... Je suis à 10, ça fait une charge à 9. Si tu déclares les deux, tu peux impacter elle à 9? Ouais. Ah ouais? Non, attends. Hop, regarde, je suis à 9 du... Là. Ah oui, parce que tu peux passer à moins Et oui, si je d'un... la déclare, en fait. Donc ça fait une charge à 9. Ça Sauf fait si une là. charge à 9. Non, ça fait une charge à 8, parce que je suis à 9 là. Donc ça fait une Et charge à 8. est-ce qu'il vaudrait pas juste mieux que je bouge bah, à la rigueur dans cette direction-là? Le plus possible. Je mets un dé pareil. Hop, pardon. Hop. Le plus possible. Là. Et là, tu vois, et ils sont en ligne et ça te fait une charge à 8 aussi, en fait. Et là, t'as les deux unités qui sont déplacées là. Ouais, non, mais c'est pour ça que je les mettrai en ligne là. Et si je fais ça, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste retirer cette Dread Knight. Ah là, bah ouais. Et lui, je les remets là. Non, mais c'était Oui, un... En fait, je bah me ouais. demandais s'il valait pas mieux que je fasse autre chose, mais non. Et je vais te donner la charge. Je sais plus comment ils étaient. Hein, parce que je Ouais. crois qu'il touchait pas lui, Non, je sais plus mais comment je ils crois étaient. qu'il devait être comme ça. Ça changera pas des masses, s'ils étaient en Oui, ligne non, aussi, tu pourras me les... ouais. Ouais, mais ça fait une trop grosse charge pour ça. Et la rigueur, si je me Donc j'ai dé... claqué un PC. La rigueur, si je me débrouille pour faire un truc sur le niveau du peeling et tout, mais après ça va être chaud, quoi. De la console plutôt, non? Non, je peux en fait, ça dépend comment je séquence mes trucs et tout, si j'arrive à bien faire, je peux, mais je crois qu'il n'y aura qu'une figurine qui pourra taper. Et ouais, parce que là, t'es sur une ligne, donc tu vas devoir, si Donc tu peux impacter, il faudra aussi impacter ce côté-là. Enfin, bref, on oui, verra. c'est vrai, Mais c'est vrai, c'est vrai. ouais. Après, il faut que j'accepte ma cohésion, donc en fait, il faudrait voir. Enfin, je n'en ai pas encore Ouais. là. Ok. L'escouade de Kira. L'escouade de Kira, bah, elle va. Je vais advance, hein. Si je pouvais pas charger,
Ça fait 6, non, ça fait une tour de workshop. Ouais, je tirerai sur ça. Ouais, c'est infanterie, donc. Ok, je vais advance avec le squad de Kira. 1, 2, c'est pas terrible. Donc tu bouges à 8. Ouais. C'est chiant avec ces décors qui ont les. Donc 8. Je vais mettre. Tiens, on les éteint comment les micros? Je ne sais pas. On les pose juste? Ouais, sinon tu peux poser. Ouais. Je reviens. J'enlève le décor là par contre. Hop là. Ok. On est bon. Je suis sur l'objet. Je suis sur l'objet. Là, l'inquisiteur, il va juste bouger de 6. Il va se foutre juste derrière. Il est toujours en cohésion avec les deux autres. Bon, ça, je me remets en cohésion. Là, maintenant, je suis 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai plus besoin de faire la double cohésion. Donc, celui qui a un plasma aussi, il va se mettre là. Je laisse le mec sur l'objet. Et les autres, il y a un qui pourra se mettre là. Pour l'instant, je n'ai pas trop envie d'être en vision d'un truc. Je vais rester comme ça. Il y en aura deux trois derrière. Très bien. Oh, je crois que je peux mettre. Je peux juste en rajouter un là. Qui aura une vue au cas où. Je le rebouge pour qu'il ait un poil de cul sur l'objectif. Ok. Les motos. Les motos. Là pour l'instant. Je vais faire venir les. Est-ce que j'utilise des motos pour charger cela ou j'utilise en contre-close au cas où? Parce que là-bas, il n'y a plus trop grand-chose. Après, là, fais pas de 12, tu peux pas faire ça. De là. Au cas où, je vais me. Parce que si je me mets là, je pourrais tirer sur. Bon, je crois que je peux quand même tirer sur les thermis. Hein. Ouais, ils verront les thermis. Ça peut être intéressant, oui. Je vais bouger les motos. Très bien. Pour que juste elle voie les thermis. Sans peu importe, elle peut bouger de 12, elle peut faire le tour. Ça, c'était le. Par contre, il faut que je voie les. T'as la distance de tir, non, c'est 24, mais donc je suis peut-être pas sûr de les avoir. Non, à 24. À 24, tu me verras pas. Ah, je les aurai pas. Non. Je ne les aurai pas, donc non. Pour l'instant, on va pas faire ça. Ou sinon, bah, je vais décaler, je vais tirer sur le. Hop, faire ça. Je vais tirer sur. Attends, 24. 24, ça fait ça comme ça. Donc, ouais, pour l'instant, je vais rebouger un petit peu plus. Je vais me remettre là. Ouais. Je vais faire. C'est que ça passe pas les murs. Faire 3 pas. Comme ça. Ça fait 3. Là j'ai socle rond donc je peux faire ce que je veux. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 voilà faire ça et là c'est la colle le hein, donc hop. On va se déplacer pareil et normalement elles y sont toutes ouais hop. Tout, voilà la distance est bon 24 ça tombe vers là donc c'est bon. Ok, je vais virer l'attaque de Némésis. Là, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais faire d'abord l'autre côté. Mm-hmm. Ils vont advance, les Warden. Ils sont ici. Combien? 2. Je vais reroll basique, parce que c'est leur trait qui peut faire ça. Oui, bah 1. Oui, bah 1. 2 reroll 1. C'est parti, donc ça fait 7. Ça fait devant ici. Ça fait ça. Après 7, mais après là, non, là, je pourrais pas mettre. Ça fait ça. 7, hop, je vais faire un peu plus là. Ça fait ça. Là, la queue le. Hop, toc. Toc. Ouais. Bon, c'est pas plus mal. De toute façon, je voulais pas trop être dans la rue non plus. Mais.
je fais pop d'objectif, mais ça ne servira à rien. Même si je ne vais pas faire pop d'objectif. Ça, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Les termines, est-ce que je les bouge? Oui. 5. 5. 5. Je crois que je suis bon, hein. Je... Ouais, ça a l'air de bon. Ouais. Parce que là, de là, je sais pas. C'est une charge à 5. Oui. Bon, je suis capable de la louper, hein. Alors ici, tu peux me lancer flammer la gueule. Okay, où il faut que tu décides avec quoi tu me lances flammer la gueule. Ça, ça va rentrer là-dedans. Ça, je peux advance charge. J'ai déjà advance pour voir combien je vais faire avec les Warden. Ouais. Et après, je vais voir ce que je fais. 6, voilà. Ça, par contre, ça m'arrange. Enfin, s'il reste des vivants après. Mon objectif, là. Ça fait 12. Faire des trucs comme ça. Ouais. Et je peux un peu impacter après ce que je veux. 12 serait par là, on serait devant l'objectif. Donc je vais déclarer que je vais bouger. Et là, est-ce que tu. Qu'est-ce que tu... Non, je l'ai déjà fait, tu sais. L'Overwatch. Ah, l'Overwatch. Soit tu fais maintenant, soit tu fais quand j'arrive, après ça dépend où j'arrive. Ouais, ouais. J'ai un PC, en fait, tout ce que tu vois. Tu vas me le sauter. Peut-être que c'est le mieux à faire que j'ai de faire ça. Un PC, ouais. Ouais, je vais te Overwatch, ouais. Très bien. Tu Overwatch avec quelle unité? Avec les lance-flammes. C'est là? Ouais. D'accord. Avec les codes du PlayStation. On va commencer par le Bolter Storm, tiens. Allez, une touche. Une blesse. Sans peur, dégâts. Sans paix à dégâts, c'est bon, 6, c'est sauvegardé. Allez, lance-flamme lourd. 9, 10, 11, 12. 4, 7, 8, 9, 10, 12, pourquoi 11, 12. Bah, ça faisait 12. J'avais 9, 4. Plus 2, plus 1. Ah bon, j'ai pas fait. Ça blesse à 4. Allez, les copains. C'est pas mal. Force 6, c'est ça? Ouais. Paix à combien? Paix à moins 1. Paix à moins 1. J'ai pas trop aimé ça. On verra, de toute façon. Pierre, on est sur du 3. Ah ben, il y a juste celui qui meurt, qui reste un PV. Très bien. Bon, il... Ok. C'est dur, les gens, tuto, hein. Ouais. Mais bon. Ouais, c'est parfait. Ça. Juste une petite seconde les gars, il faut que je fasse un petit réglage sur la cam D parce que j'ai vu qu'elle faisait du focus. Ok, tout a bougé. Fin de phase de mouvement terminé. T'as des trucs à... Non, t'as... toi t'as... J'ai plus passé. D'accord, non mais si t'avais des trucs, t'as pas oublié de les remettre chez moi, tout ça. Non, pas chez moi, mais t'es... Non, ok. Oui, donc t'as encore tout ça aussi en fait là. Ouais. Ok, phase de tir. On va commencer. Bah, on va faire par l'inquisiteur ici. Alors, l'inquisiteur, alors déjà un combi. Est-ce que je suis à portée? Normalement, je suis à portée double. Ouais. 12, ça tombe, ouais. Ça tombe là, le 12. Donc, deux tirs de combi Bolter avec l'inquisiteur. Touche à 3, c'est bon. Je suis en tir infanterie 4 plus Deva Wound. Ouais. Voilà, c'est pas grave. Et ça c'est fait. Alors, son tir de psychique après. Il a 4 tirs. Juste psychique. Non, c'est pas ça. C'est celui-là, voilà. Moi j'ai pas 4 tirs, j'ai 2 des 6 tirs. Je confonds. Ça c'est son arme de corps à corps. 7. 1, 2, 3. 4. 3. Ici. Par contre, bon, c'est de la force 3, mais c'est de la Deva Wound. Donc. Ça fera un sur du 5. 5 et les 6 sont des BM. Et un 5. Pas de PA, un PA moins 1 dégâts de 1. Ouais, c'est bon, c'est tanké. Ok. J'ai un 2. 2 tirs de pistolet normal là. Touche à 4. Bon, ça touche à rien. Touche à 4 ou 3. Il touche. PA moins 1. Ouais, non, c'est ça. C'est touche à 4. Pistolet plasma que je vais surcharger. Sinon, il va mourir après. il touche à 4 aussi. C'est bon, ça fait force 8 sur du 2+. Il y a moins 2 dégâts. Sur du 4 ça tombe. Voilà. Est-ce qu'il meurt?
Le 1 n'est pas passé loin, il était juste avant. Sur un autre côté du dé. Ok, on va continuer ici. Hein. Ouais. Donc les Terminators à la russe vont tirer sur l'escouade de Strike Team, c'est ça? Ouais, Strike Squad. Ok, j'ai 4 tirs de lance. Qui touche à 2. Force 4 sur du 4+. On a 2 AP à moins 1, dégâts 2. Sur du 3, c'est bon. Est-ce que je fais tir de lance grenade ou sinon ça peut rapprocher un peu la charge? Rallongé. Ouais, rallongé. Ouais. Normalement, non, je vais les tuer. Bah, non, je vais arrêter de tirer là. Très bien. Parce que je sais pas pourquoi, je vais t'en enlever un et. Après. Enfin, oui, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû même pas tirer sur ton escouade. Ouais, en fait, je pense, ouais. Ah ouais, j'étais enflammé, je suis fou et tout. Ouais. Enfin, bref. Ok, les motos vont tirer sur le Dread. Est-ce que tu déclares quelque chose? Non, j'ai rien de toute façon. D'accord. Non, ok. Ah oui, c'est que c'est pas l'optimisation, parce que je crois que c'est un grand maître, c'est qu'il met la tête d'un grand maître, c'est que non, tu peux faire repartir. Concis. Ok. Alors, 3 tirs de missile, qui touche à 2, c'est bon, force 9. Sur du 3. C'est bon, ah oui. PA-2, dégâts 3. Sur l'invu, il y en a une qui passe, je prends 3 points de vie. Hop. D'accord. Alors, Kira va tirer sur les Terminators. Très bien. Alors, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sutanite, 2. 2 de plus, du coup. Ça fait 2, et par contre, ouais. Ça touche, elle le voit, donc ça touche à 3, là, par contre. Ouais. Allez, ouais. Force 6 sur du 4 plus, c'est ça? Sur du 3. 3? Ouais. Ah, je comprends du 6, d'accord, ok. Full reroll par contre. Donc c'est sur du 3. Ok, t'as tout ça de pas de PA dégâts 2. Allez, sur du 2. Dégâts 2, super. Donc je fais le premier, puisque tu sais, j'ai Feel No Pain. Bah, je fais 4, je fais tout ça en Feel No Pain. Et je perds un mec. Ah oui, c'est contre le petit Feel No Pain. De toute façon, il y a lui, il restait 2 points de vie. Et je vais mettre lui. Ok. Je vais faire les gardes. J'ai. Ouais, l'épée est à portée, oui, l'épée est à portée là, parce que c'est 12. Donc je fais en même temps l'épée, les lances, c'est le même profil, sauf que c'est les. Tu tires sur quoi? Mais pareil, c'est toujours la même unité, c'est l'unité de Kira qui tire sur deux gardes. Ah oui, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Touche à 2. C'est bon. Force 4, ça fait 5. 5, faut les rolls, parce que je suis sur un objectif. 5, c'est bon, ça tac tac, et le reste, c'est reroll. T'en as 4, appelle moins 1 dégâts 2. 3, 4, sur du 3, et c'est tanké. Ok, est-ce que je déclare? J'ai déclaré une deuxième phase de tir dessus, tiens. Parce que je peux le faire une fois par game. Donc, alors, et oui, Kira, c'est vrai qu'elle a oublié de tirer avec sa catapulte shuriken, pardon. C'est touche à 4, 3, ça c'est bon. Elle a 4 tirs de catapulte shuriken? Ouais, 4 tirs de catapulte shuriken. Ça, c'est son kit que j'avais fait tout à l'heure, en fait. Donc, elle a le psy plus la catapulte shuriken. Okay. Il faut juste que je vérifie un truc, par contre. Non, c'est pas pistolet. Ok, oui, c'est tir rapide. Non, c'est un tir infanterie. Ok. C'est un tir infanterie 4+, et c'est des Devahoun à chaque fois pour 2 dégâts. C'est du psy? Non. C'est pas du psy, c'est une catapulte shuriken spéciale. Ok, t'as déjà 3 de mortels, et ça, c'est pas de PA dégâts 2. C'est bon. Et t'auras 2 mortels, voilà. Donc là, voilà, je vais faire ma deuxième phase de tir une fois par game. Je vais refaire tirer Kira, bah tiens, catapulte shuriken, comme ça on y est. Ah, là c'est pas beau, là par contre. Un tir infanterie 4+, bah t'as 2 BM. Non, ah oui, oui. Ouais, c'est un tir infanterie 4+, c'est Devahound. Très bien ça. Comme c'était Devahound. Ok, son psy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sutanite, 2. Comme ça je vais reprendre là les deux qui ne touchent pas ici, et les deux qui ne touchent pas ici, donc ça revient au même. Sur du 3, il faut le reroll parce que je suis en négatif. Ok, t'en as 4 à pas de PA, dégâts 2. C'est bon. Ok, et les gardes. 1, 2, 3, 4, 5. Chacun de tir. Touche à 2. Ça c'est bon. Sur du 5, il faut le reroll. 1. Tac, tac,
C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais sinon, c'est bon. Oh, regarde. Ça, puis à moins un dégât 2. Sur du 3. Et c'est bon. Pourquoi c'est sur du 3? Non, c'est sur du 2. Et à moins 1. Oui, tu es dans le couvert. Ouais, bah, c'était encore plus bon alors. ok, ça, ça tient. Et est-ce que je vais entamer ta Nemesis ou je vais encore continuer sur le Termine? À quoi que les Termines, hein, tu peux faire hip-hop aussi, un mec. Ouais. Ah, au cas où, parce que. Je vais vérifier un truc. Voilà, t'as ta cohésion. Ah, et par contre, là, t'auras pas ta cohésion. Donc, si tu retires lui, t'auras plus la cohésion de ton Ice Squad, si t'es obligé de te refaire retirer la truc. Mais de toute façon, il lui reste 2 points de vie, lui. Ah oui, oui, c'est vrai. Autant pour moi. Ouais, ce que je vais faire. Je vais faire ça, ouais. Eux, ils vont tout tirer dans la squad aussi de Terminator. Très bien. Pour histoire de t'enlever le dernier mec. Donc j'ai 5 mecs qui vont tirer, 5 Warden qui vont tirer dans le Terminator. 1, 2, 3, 4, 5. Touche à 2. J'ai pas de reroll cette fois-ci de bless. Sur du 5, pas de reroll. On a 1, 2, 3. PA. Et à moins 1 dégâts 2. Et j'ai pas de sauvegarde de si, couvert. Si. Bah, tu vois pas l'unité entière. Par contre, oui, ouais, je vois pas l'unité entière. Donc, oui, bon, c'est bon. C'est tanké. Oh, c'est histoire 2. Bon, c'est pas les, eux, les tirs, c'est pas fameux. C'est fait, c'est fait. Là-bas, je vois rien avec eux. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, ça peut tirer. Ok, phase de charge. On va commencer. Bah, je commençais par les Alarus dans l'Astractive. Attends. Parce qu'il y avait un dé là qui s'est me perturbé. Pas de soucis. L'Astractive. C'est bon, 8. Bon, c'est là, là. Hop, c'est bon. Là. Tac. Ça, c'est fait. T'as combien de PC, toi? T'as un PC, toi? 0. 0? Ah oui, ça va. Tu vois, 0 PC. Moi, j'ai un PC. Ça va, ok. Ok, ok. Là-bas, je peux pas charger. J'ai rien qui peut charger. Là, j'ai Advance, je peux pas. Ben, je vais faire ici avec la squad de Trajan. Je vais déclarer les deux. Comme c'est un peu trop loin de Nemesis, là, c'est un peu trop loin, mais je ne peux pas reroll. J'ai déclaré en charge. Là, ça fait une charge à combien? Ça fait une charge à 7. 6, non, parce que là, je suis là. Ouais. Ouais, je fais 6 et demi, donc ça fait une charge à 7. Ok, ouf. Ça se tente. Ok, ouf, j'ai un PC pour reroll. Ou non, eux ils vont charger les deux là, je pense. Ok, non, eux ils vont juste charger cette unité là. Les Warden, l'unité de Trajan, comme j'avais dit tout à l'heure. Trajan va chercher, il charge juste ça, dommage. Ils vont les exploser, mais bon, voilà, 6. 6, hop, je vais commencer par Trajan. 6. Ouais, merde. 6. Mettre l'épée ici. Et lui, par contre, ouais, j'ai oublié de la transmettre la socle. Les deux derniers, ils seront trop loin. Donc je peux mettre. Je vais mettre lui ici. Et lui, j'ai pas la place. Normalement, est-ce que j'arrive en socle? Lui sera pas en socle. Socle. Donc je serai obligé de le mettre là. Alors juste pour information, les gars. Il y a quelqu'un qui me demande un MP, mais Shadow va bien? Je dis, ben oui. Visiblement, quelqu'un aurait dit au French War Game Day que Shadow était décédé. Alors, c'est pas du tout le cas. Hein. Elle est très, 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 très vivante. Hein. Très, 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 très vivante. Très vivante, elle très va heureuse. Très bien, super très heureuse. Bien. Elle est juste derrière la vitre, là. Elle attend que quelqu'un veuille bien venir jouer avec elle. Vous inquiétez pas. Shadow va très bien. Parce qu'elle est empaillée. Ah, super. Ah, c'est pour ça qu'elle n'a pas ramené tout à l'heure. C'est pour ça, chaque fois que je lui envoie, je la balle. Ok, l'unité de Blade Champion, ils vont charger la Nemesis et la skate de Purgation. Ici avec les squads de Warden. Okay. Je peux reroll nativement les charges. 6, normalement ça devrait suffire. Oui, largement. 6, 6, 6. Je ne vais pas tenter le diable de la reroll. Ouais, c'est bon, ça me suffit 6. Très bien. Je garde 6. Donc, tiens, au moins 6, j'ai la petite régate de 6. C'est le but de champion. Je vais passer.
se mettre là. Deux Terminator, mais bon, là c'est là où je vais en avoir beaucoup. Ouais. Le fait que ça passe pas là, mon tour où je prévois tout et que je mets que deux points de vie, ça me baisse complètement, mais bon, on va voir. Six. Il a failli te faire sur toutes les unités là. Bah, il charge quand je suis sur un objectif. Et puis même, il charge donc oui. Mais t'as pas PC. Donc, puis 0 PC. Ok, bon, on va commencer par le corps à corps le plus simple, les Alarus, sur l'escouade de Strike Team. Fais donc. Je vais déclarer comme. Bah oui, comme 4. Comme 4, parce que ça va se nettoyer normalement. Ça, c'est trachant. Ça, tu peux me rappeler le profil SOP défensif de Endurance 8, vulnérable à 4. Endurance 8, j'ai un PC pour faire plus un blessure sur le véhicule. Je vais. Catasustanite, je pense, ouais. Catasustanite pour essayer de au moins nettoyer ça. Et un grand merci à Stéphanie pour son Tipeee. Ça fait plaisir. Merci. Ok. Les Alarus dans la Strike Team ici. Le Sustanite. Ah. Regarde, je fais que des 1 des 2. C'est joli. Force 7 sur du 3+. Ouais. Et t'as pas de leader, donc. Bah, c'est pas terrible. Lag. PA. Il y a moins de dégâts. Ah, allez, j'en perds un. Ça, t'y mourrez tous, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Ça serait équilibre finalement, un jeu équilibre. Ouais, ouais. Je chouine en souriant, regarde. Oui. Oh. Le sourire. Ouais. Comme le chien empaillé. Okay. Il sourit. Je m'amuse. Pourquoi il y a un dé là? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je vais m'activer avec cette unité là. Normalement, je peux faire un mouvement de. Comme ça. Hop, je vais rentrer dans. Hop, je rentre dans le range de ça, donc il y en aura un qui pourra taper là. Et bon, je vais juste faire ça, voilà, on s'en fout. Hop, 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 hop. Sans toi, tu peux plus l'interrompre là, donc non, peu non. Importe. Ok. Bah, lui, solo, le garde, il va taper dans. Fais donc. Je sais pas comment ça s'appelle. Chacal. Des Purgation Squad. Voilà. Purgation Squad. Alors, ça fait 5 attaques. 5 attaques, toujours en sustainite, et j'aurai la reroll des blesses sur. Sur l'objectif. Regarde, ça commence. Hein. Oui. J'ai un sustainite. Ouais, j'avais un sustainite. Sur du 3+. Et relançable. Bah, ouais, ouais. Là, je fais pas ça. Et à moins 2. Et à moins 2, dégâts 2. Et ben, je perds 2 mecs. Très bien. Bon, de toute façon, c'est pas spécialement ça que. Là, au moins, ils sont lock, donc ils pourront pas tirer. Ok, bah, la squad de Trajan. Bon, là, je pense qu'ils vont voler, donc je vais commencer par Trajan. Comme ça, on ouais, c'est vrai qu'en plus, t'as des rerolls, j'allais dire sans rerolls. Surtout que là, j'ai pas utilisé, je vais rien utiliser comme profil spécial. Ils vont taper Nature Peinture. Plutôt, c'est facile, hein, au cac. De plus, reroll. Ouais. Sustanite, voilà. Sustanite. Force 7, pas moins 2 dégâts 2. Donc, Trajan, force 2. 10. Oui, voilà. Donc, de plus. De plus, Trajan et reroll. Évidemment. Là oui. Aussi. C'est bon, t'as 1, 2, 3, 4, 5, t'as tout ça de PA-2, dégâts 3. Ben là, on perd 2, hein. C'est PA, c'est vulnérable à 4. C'est sauvegarde de base à 2. Donc PA-2, ça fait sauvegarde à 4. Ah oui, alors c'est vrai qu'ils ont 2 maintenant. Il faut y penser vraiment. Ça change rien, de toute façon, tout le monde va taper. Ouais. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ça change. Oui, c'est avec l'épée, c'est dégâts 1, donc ça va changer. T'es obligé de taper avec le reste. Bah ouais, non, mais c'est ça que. Tu sais, à notre époque, c'est. Franchement, c'est. Voilà quoi. Ok, là, c'est l'épée qui tape, hein. C'est juste le mec avec l'épée. Ah non, j'ai. Oui, j'ai une épée, ouais, dedans. Parce que j'ai une vexine. C'est malaisant ce qui fait le GTA. Est-ce parce que c'est trop fort? Sans que ce gêne, parce que ça t'épée partout et tout. Et tu vois plus, tu vois, tu. Voilà, c'est ça. Force 6, l'épée, donc ça fait sur du 3. Il roll. Je suis pas dedans. Ok, PA-2 dégâts 1 par contre. Mais je perds un mec. C'était l'épée de qui tapait là? C'est avec Scylla, là, qui était en socle à socle avec. Et là, il te reste 3 mecs qui tapent. Là, il me reste 3 mecs à taper. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il me reste ça, 3 mecs. Ouais. Je vais le compter, ouais. Mais ben, il me manque encore 5. Après, oui, oui. Oui, de toute façon, tout s'active. Oui, c'était en contact au classocle de. Tout est bon, tout à fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je suis toujours en. Je suis tête. Oh merde. Bah oui, bien joué. Ah, et puis il remet les temps communs en plus. Non, regarde. Ah
Ah, je m'en occupe. Je suis en inversé, j'arrive pas. En plus, je suis gaucher, je fais de la main droite, hein, qui va quoi. Ah, c'est ça le tuto. Ah ouais. Je suis ambidextre. Le tuto, il lance les dés, quoi. Le tuto, okay. Le tuto, il est ambidextre. Touche à 2, sustainite 1. Donc là, le 1 va aller avec le sustainite. Là aussi. Là aussi. Bah, regarde, t'as vu, c'est bien fait. C'est parfait. Ça s'emboîte parfaitement, quoi. Ça, faudrait mettre du scratch dessous, c'est pour que ça tienne. Bless à 3. Bless à 3, full reroll. Hop, les 2 et les 1. Dégage. Crush dans 2 aussi, à mon avis. Ça changera pas des masses. Hop. Très bien. T'as tout ça, t'as mon 2 dégâts 2. Est-ce qu'on a vu autant de 4 plus se faire? Ça c'est vu. Oui. 1, 2, 3, 4. Bon, tu m'aurais peut-être wipe l'unité avec juste ce jeu-là. Très bien. Voilà, c'est ce que je voulais. Alors, est-ce que je conso quoi que ce soit? Bon, de toute façon, ça sort de même, hein, donc. Faire ça, il va venir. Tiens, c'est par rapport au centre de l'objectif, donc hop. Très bien, ça fait à peu près ça. Et hop. Je bouge pas, c'est bon. Il y a l'os là, j'ai en contact. Ok, on va passer au corps à corps ici sur la Dread Knight Nemesis. Vas-y, je vais déclarer plus un bless sur véhicule et monstre. Avec cette unité-là, de Warden sur ton Nemesis. Le Blade Champion, je vais déclarer qu'il va utiliser son profil qui n'est normalement à 5 attaques de force 6 et à moins 2-3 dégâts, enfin à moins 3-3 dégâts, qui est Devawound. Mais comme j'ai l'épée qui marche 2 attaques, ça me fera 7 attaques. Très bien. 4, 5, et t'as plus 1 pour me blesser. Ouais. Donc tu blesseras 1, 4. 2, 3, 4, 5, 6, donc, 7. Plus, non. J'ai pas de reroll avec et ça. Et moins 12, sans invulnérable. Et Deva. Et une touche à mort. Ouais. Salut, Bijorn. Alors, c'est Blade Champion. Je suis toujours en sustainite, là. Ok, j'ai 2. Hop. 2, 6. J'ai force 6, mais plus un bless, donc c'est sur du 4. Ouais. Et ça fait des Deva Wound sur du 6. J'en ai 3. C'est 3 dégâts à chaque fois? 3 flats à chaque fois. Ok, il me reste 4 points de vie pour l'instant. Et sur du 4, c'est ça on avait dit. Hein. Ouais. T'auras juste une appel moins 3. Donc invulnérable à 4. Allez mon copain. Est-ce qu'il explose? Rien que le Blade Champion là. Et non. Bah oui, après là c'est. Là génial, la lame voilée en fait. Ça chatte. Ouais, ça. La lame voilée, c'est cool. C'est bien. Là non, je vais pas spécialement bouger parce que j'en ai pas l'utilité parce que je me rapprochais là-bas des terminaux quoi que ce soit, on verra. Ok. Et là, il n'y a pas d'autre. Il faut que je tape ici, que moi. Tu tapes ici, effectivement. Allez, 3, 6. Les terminateurs vont mourir. 9. Ben, pourquoi pas. Ce serait le comble. Ça touche à 3. Ça blesse, force 6. En du 7. Allez, ça blesse à 5. Hop, hop. Soit un 3. PA moins 2, dégâts 2. 3, c'est ça? Ouais. Si on a vu. Un mort. Allez, voilà. Hein. Oui, œil pour œil. Je l'avais dit. Hein. Le Nouveau Testament, œil pour œil. Non, ça c'est l'ancien, je crois. Je sais plus. Ouais. C'est l'ancien. Le nouveau, il n'est que amour. C'est le talion. Le Nouveau Testament, ça sera pour une dent. Ça sera pas dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Ça sera pour une dent toute la gueule. Ah ouais, super. C'est chez les orques, ça, non? C'est un proverbe orque, pas avec les dents. Alors, très bien. Normalement, on est bon ici. Alors, je vais voir ce que je score. Swing. Scoring. Alors, nos prisonniers. Alors, deux escouades. J'ai ça et le Nemesis. Ouais. C'est ça. Bah, je comptais péter ça, mais non, je le pétais ça. ça fait. Alors, déjà, ça fait 4 points de nos prisonniers. Et après, c'est que No Man's Land. Oui, bah, là, je marque à 5. Donc, ça fait 4 et 5. Ça fait 9. 9. Putain, j'allais dire 8. Donc, 9. Et de ton côté. En primaire, je marquerai. Comment? Tu es à 20. Ouais. Et en primaire, je mets 0. Par contre, avant qu'on là, passe à mon tour, pour 3, ouais, c'est ça. Et juste avant, il faut que je réfléchisse à ce que je fais remonter, si je veux faire remonter des choses. Je pense pas, parce que j'ai quand même beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc non, je vais rester comme ça pour le moment. PC. Ouais. Toi, moi aussi. Très bien. Ah oui, t'es secondaire, c'est ça. Pas de primaire. Hein. Pas de primaire. Okay. Pas de primaire, pas de primaire. T'as quelque chose à faire avant la phase de avant non, de tirer les trucs. Vas-y. Ok, cette mission. Défendre Stronghold et assassination.
Ça va être possible, je pense, pour C'est toi. cadeau! Ouais, c'est cadeau. Défendre Stronghold, c'est quoi? C'est chez toi. Défendre ton objet. Et c'est à la fin de ton tour à toi. Faut que tu le tiennes, en fait. Si Ok. à la fin de mon tour, t'es dessus, Ouais, c'est bon. ça marche. Bon, on va tout faire pour. On va tout faire pour. Le truc, c'est que mes strikes, bon, bah, je te laisserai le corps à corps, mais si je fais pas ça. Ouais, j'aurais pas dû utiliser le PC pour plus un bless, je pense. Bah, si, parce que stat, je pense que tu mettais pas 3, 6 en Ouais, blessure j'avais encore tout d'Eva. ça à taper en fait. Et oui, J'avais. mais tu me blessais sur du 5, Oui, je sais. donc ça change tout. En tout cas, Non, je maintenant j'ai pense. plus qu'un Ah oui, par PC. contre, si en phase de co, je fais quand même revenir un Totor. Ah oui, effectivement. Et c'est gratos en plus. Et c'est gratos, En plus, à monsieur. chaque tour, à chaque fois, ça. Il faut bien qu'on ait des trucs quand Ça coûte même. un Nous PC sommes par tour. si mal lotis. Bah nous, on n'a même pas Ça y est, ça d'apothicaire. queen. Ça y est. Ah, mais je rigole. Et on est trop bien, moi j'adore mon Ah codex. non, c'est le custo qui queen. Ah Tu oui. Pourquoi il n'y a pas d'apothicaire chez les Kisto? Je comprends pas ça. Les trucs sont déjà increvables, on veut en plus qu'ils reviennent. Bah ça peut revenir, mais une fois par game, sur une unité. Bon, allez, je vais te faire le fiac là. Va voir, hein. Je vais te faire le fiac, comme on dit, chez les GK. Eux, il va falloir qu'ils désengagent très clairement. Qu'ils se mettent à 6. Il peut pas désengager tirer. Non. C'est déjà ça. Parce que j'aime pas beaucoup les lance-flammes, moi. Alors pendant qu'il fait son tour de mouvement, les gars, sur le chat, dites-moi un peu ce que vous faites en même temps là. Donc vous êtes présent, vous regardez la vidéo, mais vous faites quoi? Vous peignez, vous êtes en voiture, etc., etc. Dites-nous un petit peu ce que vous faites. J'ai un PC, donc il faudrait absolument que je tank choc. J'ai assassination et Défense centrale. défendre. Ok. Alors c'est assassinat, pas assassination, les gars. En Assassinat. français, c'est assassinat. Très bien, monsieur. Très bien, capitaine. Ah ouais, en fait, il faut que je fasse ça absolument. Et que j'arrive à tout. T'as le fight first sur quel escouade là déjà? Toutes les escouades sur un objectif. Ah Et bah oui, 5 j'en jambes ai. de repos. Comme ça, c'est pratique. Et j'ai un PC, pas deux. T'as le fight first sur toutes les escouades C'est sur les deux PC, objectifs? hein. Ah non, mais je te demande. Sur ça, si je te charge maintenant, sur quoi tu auras le fight first? Trajan. Sur Trajan. Parce que j'ai pas activé sa capacité. Et tu l'as choisi de l'activer quand? Phase de combat. Et la tienne et la mienne. D'accord. Oui, n'importe. Enfin, la mienne, ça Ouais, sert à rien, parce que je tape en premier, oui, donc. oui. Mais c'est une fois par partie, tu m'as dit. Une fois par Donc ça partie, veut ouais. dire C'est que tu aurais pu activer. Très bien. pour ça que j'ai pas activé 12 attaques, quoi que ce soit, de toute façon, je vais nettoyer l'unité, donc. Ouais. Lui, il va revenir par là, mon copain. Hop. Eux, ils vont se positionner pour pouvoir charger automatiquement. Donc eux, ils n'ont pas de fight first. Non, ils ont plus leur fine paye en plus. Ouais, c'est pour ça que je vais les cibler, eux, ces coquinous. Ouais, bah c'était histoire de t'embêter, parce que si je faisais pas Ah, ça. mais normalement, je t'en butais quand même plus, mais bon. Même avec ton Field No Pain Touch, je t'ai envoyé quand même une grosse masse de tirs. Ok, très Il a bien. bougé la ruine. Du coup, là, il faut que je t'amoindrisse le plus possible aussi l'escouade de Trajan, qui va me faire très très mal. Donc, de toute façon, t'as plus de faible, donc ça sert à rien que je prenne ça Je en peux. Bah non, c'est compte. que je suis au corps à corps avec la thermie, donc je peux pas repartir en fait. T'es au corps à corps avec les thermies, et après le thermie, il a combien d'attaques au corps à corps? 5. 5 attaques qui touchent à 2. En fait, ouais, tu me les aurais lavées. Est-ce Bah qu'il ouais. vaut mieux pas que. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je les désengage? Je peux au cas où rajouter même une attaque en plus, mais bon, je vais pas le faire. Ça coûte Non, je vais te laisser un me. PC. Il faut que ça te fasse chier de venir me le gérer en plus. Parce que normalement avec ça, putain, tout le tir que j'ai loupé C'est clair. le tir, c'est. Ok, fin de la phase de Par mouvement, contre, j'aurais phase dû de faire. réserve, je vais faire venir cette Dread Knight. Ça, j'aurais dû faire tirer les lance-grenades, j'en étais sûr. Et eux, ils peuvent avoir le Field No Pain à 4 aussi? Non. Non? Non. Très bien. Très bien, donc en fait, eux, ils doivent venir ici. Cette petite. Ouais. On va les faire venir à 9. Je sais plus si c'était lequel. Ok, donc ça va tirer là-dessus. Ensuite, ces petits gars, est-ce qu'on leur fait faire quelque chose? Ah, eux, ils ont déjà engagé, donc ils peuvent. Non, je pensais à eux. Ah. Parce que sinon, ouais, le truc c'est que là, t'as fight first. N'importe. Enfin,
Tu vas m'annihiler tout ce que je vais En plus, il a perdu des PV. Non, mais lui, il va Lui, pas ah changer oui. ça, il va changer ça. D'accord. Mais je parle surtout de... Si je fais venir une autre escouade, tu vois, Kaldor, tu vas me la découper. Après, c'est quoi les stats de Trajan, en fait? C'est-à-dire en défensif, en Ouais, attaque, en en... attaque. Déjà, j'ignore tous les malus, tu mets un malus, quoi que ce soit, Bon, c'est pas de machin. Ou malus. même Armure of Contempt, ça je l'annule, c'est le moins Ok, un ça c'est moins ça je l'annule. fort, ouais. Alors, c'est 10 atta 6 attaques de force 10, PA moins 2, 3 dégâts. Et sinon, après le reste, c'est chaque mec a Pourquoi il peut 5 passer à attaques. 12? Ça, c'est si j'active pas le Feel No Pain, je dis soit c'est le Feel No Pain, pas le Feel No Pain, le Fight First, soit Ah, les c'est 12 soit le attaques, fighter, soit ça. soit Ok. 12 attaques, soit une invue à 2 sur lui. Ok, ok, d'accord. Donc en fait, ok. Il a 7 PA moins PV. 2, dégâts 3. Il a 7 points de vie. Feel No Pain à 5. Et il est avec des troupes de base qui font Full reroll. 5 attaques, force 6, PA moins 2, dégâts 2. Force 7, paiement de dégâts 2. Ouais, mais je pense que c'est quand même le move de faire ça. Tu vas force 7, donc tu vas me blesser à 3, PA moins 2, dégâts J'ai 2. full reroll bless. Sur Oui, objectif. Là, il y a objectif. je sais bien. Bon, l'armure au contempt qui est pas là, ça c'est chiant, Ouais, mais à la ça, je rigueur, l'ignore, ouais. la capacité. Ou alors je fais phase par phase et prochain tour seulement je ferai ça. Le truc c'est que là. Ah, mais sinon. T'as bougé ça en fait? Non, c'est vrai que j'ai pas. Non, c'est pas là. J'ai pas. C'est pas là le chasseur. Non. Sinon, celle-là, t'as combien de dossiers là-dessus? Alors, 6. j'ai 6. Ouais. 6. Très bien. Et au final. Et là, t'as eu un Feel No Pain possible à 4. Non. C'est là-bas. C'est ceux qui Ok. sont. Bon, bah Les alors, bordels non, là-bas. attends. Non. Ok, bah en fait, je vais faire venir l'unité de Papa Kaldor au centre. Hein. Ouais, donc, je vais enlever ça. Donc à 3 ou à 6? À 9. À 9. D'accord. Tu es fait venir à ton tour en rapide ingress. Non, c'est mon tour là. 9. Juste que. Parce que t'as un truc à faire, toi. Oui, je veux À dire, t'as pas 12. de Ah, faut... d'intervention héroïque. À 12. Faut bien que c'est à 9 aussi. T'as les motos là. Ouais, bien sûr, mais je vais les mettre à côté, ça change rien. Intervention héroïque gratos sur cette unité là et sur cette unité là-bas. Ouais, Même là si j'ai j'ai déjà fait. déchargé. Ouais, d'accord. Donc c'est. Tu t'as mis 9, fais voir. Attends, 9, la réglette. Qu'on mette. C'est à partir du socle, hein, c'est ça? Donc on met le truc. Donc c'est là à l'extérieur du sol Ouais. du. Ok, très bien. Donc là je peux. Et après de l'autre côté, il faudrait voir si j'ai la réglette. Ici, non mais c'est bon, je Je vais les sais mettre plus là à j'ai la l'intérieur réglette. là. Non, mais pour la distance en. Quoi, 9, c'est bon, ouais, Oui, chill. non, Oui, c'est bon. j'ai pas vu que t'allais tout mettre. Ouais. Oh, c'est vrai que j'ai perdu une réglette, je sais pas où elle est. T'as pas marqué les primaires à ton tour, ça. Il n'a pas J'en ai marqué. pas marqué. Ouais, Il me les a deny, ce saligo. bah pendant 2 tours, j'ai pas marqué moi non plus. Bah, C'est. oui. Oui, ça C'est pas ce qui était prévu à la base. Déjà, j'ai mal passé mes 6 stats, et en plus, leur Feel No Pain à 3 n'a pas réussi. Sur du psy. Ou Ouais, si. Valmont. De toute façon, c'est ça. Normalement, t'as plus de 9 de E, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Il y a 10 thermies encore. Quand je dis joyeux, il y a presque plus rien sur table et tout. Oui, c'est vrai qu'il y a la moitié de Et l'argent ouais, en mon plus. pack là il me coûte un quart de mon armée, celui que je viens de te placer. Ouais. 500 points. Bah moi, je crois que Trajan aussi, c'est ça. Hein. L'escouade de Trajan, c'est 500? Presque. Faut que je regarde. Mais... Non, c'est pas 500, mais. Ok, de toute façon, là C'est le peut-être but dans c'est de te les. deny le plus possible de Dans les 400 primaires. points. Donc, ça Mais. sera une charge à 6 relançable si je garde mon PC. C'est ce qu'on tentera de faire. D'accord. Écoute, j'ai fait arriver ce que je voulais faire. Arriver. Donc, ou alors, d'ailleurs, je pourrais peut-être tenter un truc. 385 points, unité de Trajan. Ouais. Allez, bah, phase de tir, on va garder les interceptors pour le moment. Phase de tir? Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par 3, 4, 5, 6. Donc les PC, c'est 1 et 1. On Ouais. va commencer par cette Dread Knight là, là-dedans. Très bien, tu rajoutes le moins 1 dégâts parce que tu me tapes avec quelque chose qui est plus fort que mon Ouais, endurance. ça Sauf les marche. lance-lames qui sont en force Force quoi. 6. Donc ouais. Allez, ça touche à 3. Il y a tout qui va blesser à 4 en fait. Ouais, c'est ça. Blesse à 4. Et ben regarde, 3 sauvegardes, s'il te plaît. PA moins 2, Inner Ah, moins de Inner Cover, ça fait mal. Hop, dégâts, combien t'as dit? 3. Dégâts 3 à chaque fois? Ouais. Ah, c'était Le psy canon le lourd. psy canon. Ouais. J'ai 2 morts.
Ça me va. J'ai plus mon film de points. Le lance-flamme lourd, qui fait 8, 4, 6 et 8. Et ça blesse à 4. Eh ben ça me plaît, hein. 6 sauvegardes, s'il te plaît. Hop, PA moins 1, dégâts 1. Ignore cover aussi. Ouais. Ouais, donc sur du 3. Ah, ça va. Ça fait 2 petits points de vie. Un qui reste un PV. Ouais. Très bien. Du coup, je vais pouvoir faire le lance-flamme ici. Mais on va commencer d'abord par la capacité du Librarian qui fait un 6. Tu vas prendre 2 décibm. Je suis fine open contre les BM. Tu vas prendre 6. 3. 4, 5, 6. Non, ça c'est demandé, je sais pas ce qu'il fait là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Non, j'ai déjà 6 là. Là, les déviolets, j'ai du mal à les voir. Alors. Eh ben, c'est stats. Tu perds un mec tout pile, donc il y en a un qui restait un point de vie. Un qui perd un PV et un qui perd 2 PV. C'est ça. Donc tu peux hop, juste faire ça. Très bien. Le lance-flamme pour essayer de buter le mec à qui reste un point de vie. 5, 3, 4, 5. Ça blesse à 4. Allez, 3 sauvegardes, s'il te plaît. PA moins 1. Ignore cover. Comme tout à l'heure. Parfait! Allez, sa mère. On se paye même le luxe d'entamer le personnage. C'est des attaques distinctes, c'est pas multi-dégâts. Ouais, d'accord. Donc c'est ça, et 5. Et les Bolter Storm, donc on va commencer par le Bolter combiné du chef. Il a 2 tirs qui touchent à 4, ça touche. C'est anti-infanterie 4+, ça blesse une fin, c'est une Devastating bon. Qui est tankée. Allez, les Bolter Storm, 1, 2. Enfin, c'est le Fin Open quoi. 3, ouais. 3, c'est bon, c'est ça, ils sont cool. C'est quoi qui tire là? Les Bolter Storm de l'escouade de Terminator. D'accord, donc c'est toujours eux dans la ouais. Liste. D'accord. Ça touche à 3. On met rip. Hein. Et ça blesse, t'as endurance combien? Bon, ça blesse à 5. 6. Allez, une sauvegarde s'il te plaît, sans PA. Un petit 1. Non. Ok, cette Dread Knight là, bon, normalement, là t'as pas de fight first, donc normalement ça devrait le faire. Surtout que là je pourrais toujours tenter une charge. Cette Dread Knight là, là-dedans. 3, 4, 5 et 6. Allez, ça touche à 3. Hop. Ça blesse à 4, non? T'as le moins un point de blessé? Pas moins un point de blessé là. Ça blesse à 3. Oh là, le lance-flamme lourd. 7, 3, 5, 6, 7. Ça blesse à 4. Et ça te fait 2 sauvegardes. Putain, mais elle, dur. PA moins 1, dégâts 2, 3 ou le dégâts 2, c'est là non plus. PA moins 1, dégâts 1. C'est le lance-flamme lourd. Ah bah. Bon voilà, 2 points de vie. 2 petits points de vie d'amour. Ok, ça me va. Ici maintenant, alors il faut voir, parce que du coup le gros décor il est là. 2 PV. Tac. Donc là normalement je suis à portée de lance-flamme de cette escouade. Au moins avec une. Ouais, tout pile. Donc juste c'est un lance-flamme qui a tiré dans l'escouade là. Et l'autre je l'ai mal placé, j'ai oublié. Juste dans ma tête, c'était ça, mais... 3, 4. Blesse à 4. Ah, et bah rien du tout. Et de toute façon, le deuxième lance-flamme, il voit... Ah, pardon, si, je dois annoncer les motos. En gros, j'ai le lance-flamme qui peut tirer là, et tout le reste dans les motos. Ouais, non, mais c'est bon. Allez, le deuxième lance-flamme dans les motos. 6, 3, 4, 5, 6. En du 7. Allez, sur du 5. À 2. 2. PA combien? PA moins 1. Du 3, en plus ça tire quoi là, donc on sent, il n'y a rien, et donc ça fait un dégât. Maintenant, il y a le psy-canon de Kaldor. Alors Kaldor, il a un psy-canon un peu sympa qui a 3 tirs, force 6, PA moins 2, dégâts 2. Voilà. Il touche à 2, ça touche, il blesse à 5, ça blesse une fois, PA moins 2, dégâts 2, s'il te plaît. On lui a 4, pas grave, je vais avancer. On lui a 4. Non, ça réussit pas, dégâts 2? Ouais. Ben, il reste un PV. Allez, les Bolter Storm, je pense que tout est visible là. Donc tu me dis hein, s'ils sont pas tous visibles. On va commencer par Kaldor. Le Bolter Storm de Kaldor qui touche à 2. Parce que Kaldor il a un psy-canon et un Bolter Storm. Ça blesse à. Oh, tu m'as dit combien du 6? Ça blesse à 5. 7. 7 bon. Oh bah tiens, 3 sauvegardes. Sans PA. Sans PA, tu vois que ça va mourir. Non. Non. Enfin, tu vas peut-être préférer qu'elle meure pour. 4. Oh, concert, alors allonger ta charge. Oui, après moi je veux charger ça. Hein. T'es sûr? Non, mais t'es pas obligé. Ah oui, mais je vais te cancel du primaire, je veux pas tuer 3 motos qui servent à rien. 2. Ouais, elles servent pas à rien, attends. Elles sont belles. Elles sont belles. Elles sont des capuches. Alors ils ont 4 tirs par tête, elles sont à combien d'être à. C'est des Dark Riders. Hein. tu voulais faire quoi ça? Il y en a 3 qui feront 6 tirs, le reste ça fait.
Donc ils sont 8, donc il y en a 5 fois 4, 20. 5 fois 4, 25, pardon. Non, 5 fois 4, 20. 5 fois 4, 20. Je crois. 4, Faut pas et demander des plus maths 6, avant, hein, 26. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, On connaît très bien la 23 géographie, et ce 26. genre de choses. C'est chiant de devoir jouer avec ces dés. Ça touche à 3. Ça blesse à 5. Oh. Ouais, c'était les termes, ouais, c'était pas le plan déjà engagé. Ouais. C'est par rapport à une question dans le chat. Ah, ok, je pensais que tu me parlais sur qui tirait. Non. Ça, c'était un mauvais. Ça, c'était un bon. Hop, et ça, c'était un 6. Putain, mais j'en ai fait plein. Oui, Donc, ça quand même. fait 5. Ça fait équilibre par rapport à ce que tu as fait tout à l'heure. Ouais. Ouais, bah, j'aurais préféré chatter tout à l'heure. 8, 10. Là, c'est quoi, c'est. C'était les. Non, il était mauvais, lui. Ah, J'avais d'accord. bougé. T'as 10 sauvegardes sur du 2+, pour un dégât. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais bien faire 1-1 là. Et non, Tank. même pas. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Bon, des motos, j'en vois là. Allez, tout à tirer, je crois. Je crois que je pourrais faire des DBM sur tes mecs, parce qu'au cas que je vais rien leur faire, ils vont me laver. Eh ben écoute, phase de charge. On va tenter la charge cruciale, la charge à 6, sur ici, avec le plus 3. Je suis pas sûr. Allez. Voilà, 8, 9, 10, 11. J'aurais eu. Ça m'aurait fait chier de devoir claquer mon PC pour ça. Oui, t'as été un PC. Là. Un. Pour toutes les fois où ça n'a pas marché, Ah ouais, parce qu'il faut savoir que la charge avec Kaldor, je la rate très souvent. Bah, moi en V9, j'ai deux fois, deux reprises, j'ai loupé une charge à 3D à 9 pas de. Comment ça s'appelle? D'un assassin inversor. Ouais, mais c'est. J'ai lancé 3D, j'ai loupé, j'ai utilisé une reroll, loupé. Tour après, pareil. Pourquoi les mathématiques, je ne comprends pas. Voilà, bon, c'est même plus des maths là, c'est je crois c'est le truc occulte, machin. Tu devrais savoir le canaliser quand même, c'est le fils de l'empereur. Mais plus tôt. Je crois que je vais faire brûler de la. De l'encens. Ouais, de la. Ça s'appelle hein, la sauge. De la sauge, C'est exactement. ça. Sur, avec les dés là, c'est sous les dés et tout. Tu embaumes Ou le des terrain. bébés. Ouais, c'est ça quoi. Hein, Marc? Oui, je l'ai la vraie. Si tu me lèves. Non. Non, bah non. Pas cadeau. Bon, par contre, il va falloir que je manie bien pour qu'il puisse le plus possible taper. Je pense qu'à part un mec, quoi que même en faisant un peeling, Ouais, en faisant alors, péline, il y a moyen. je pense qu'ils tapent tous. Hein. Bon, alors, je le laisse là, Ouais, ce sera on plus s'en simple, fout, parce de qu'en toute plus j'ai des façon, piques. Vas-y, mais enlève-le, en on fait. sait que... Ah. Ouais, c'est pour ça, je suis été bête de faire ça. Je ne vais pas y toucher tellement que ça me vient plainte. C'est gentil. Bon, tu vois, moi non plus, Déjà, j'en de ai base, j'aime pas. pas quand les gens ils touchent mes figurines, donc sans mode d'utilisation. Donc, je comprends C'est quoi ça? que... Ah Très bien, allez, la ouais, charge. On va tenter une charge là-dessus. Normalement, sans tout de vernis, la plupart. Donc, Le problème avec du vernis, c'est que des fois, quand t'as les doigts. Je sais pas si c'est une charge à combien. attends, je vais dire ça. Attends, j'ai la petite règle de 2-6 au cas où Je ça crois que fait c'est 2. 4, mais. Non, ça c'est pas évident avec Attends, ça. attends, attends, c'est bon, regarde. Avec ça, regarde. Je pense que c'est une charge à 4, qu'est-ce que t'en penses? Je pense aussi, bah, si on va être sûr avec ça. Pour être à moins Ouais, d'un? c'est à moins de 5, donc c'est une charge à 4. Très bien. T'as 4 et demi, Mais 4 je suis3 à quarts. 4. En même temps, quand tu triches aussi. Ouais, tout à fait, monsieur. Dites-le sur le chat, hein, si ça triche. Hein, vraiment. Ça triche. Ah, bah merci de l'avoir dit. Merci. Ça triche. C'est juste ça triche. Et du coup, bon, à la charge auto. Et là, je fais un superbe 9. Imagine, tu fais un double 1, péril de charge. Péril de charge. C'est Tu déjà que prends c'est. Franchement, tous déjà que les ça fait pieds dans les chier de pieds. perdre. Moi, il n'y a pas longtemps, en ligue. Enfin, en ligue, tu vois, d'association, hein, c'est pas une vraie. On a fait. Je fais une partie contre un gars et je la perds sur une charge bah, à 5, bah, un peu comme hier, relançable. Je fais un 4 et un 3. Et je me dis, non, je fais un double 1 et après je fais un 3. Et je me dis, mais déjà que t'as le seum d'avoir fait un double 1, si en plus t'avais un truc comme ça, mais laisse tomber, tu Tu joues n'as plus au pas jeu. gagné. Et ouais, c'est la vie. Il est resté 5. Bon, je pense que lui, il va décéder. Je suis con de l'avoir mis là. Pourquoi je l'ai mis là? Bon. Parfois on est con. Non, mais je comprends. Bref. Très bien. J'ai pas de PC pour interrompre. Enfin, j'ai un PC, mais ça me sert à rien. T'as pas de truc défensif Je à peux faire? rien utiliser pour un PC. Donc, non. Donc, déjà, lui, on peut dire qu'il va mourir. Allez.
Voilà, ça s'est fait. Oui. On va dire que Blade Champion au milieu, Serpogo la gueule, ouais. Il est mort. Et du coup, là, donc, on va commencer à taper avec Kaldor Drego. Je vais te mettre le kata par contre moins un hit. Tu me mets le kata moins un hit. 3. Si tu rires un peu plus, hein, on sait jamais. Alors, tu me mets le kata moins un hit. Est-ce que moi je fais quelque chose du coup? Non, le Kaldor il va toucher à 2 plus, donc à 3. Ce qu'on fait taper Kaldor, il a dégâts 3 flat switch. Ah oui, par contre, il a pas in. Ah, effectivement. Parce que là, du coup, c'est important. Alors, tous ceux qui sont en saut classe ne peuvent pas bouger. Ouais. Et après, lui, je pense qu'il peut se mettre en saut classe là. Ouais, c'est ça. Et lui, il vient le remplacer. Ouais, ouais, je pense que tu veux virer sur le côté. Ouais. Et en plus, ça fait un océan. Lui, il vient le remplacer. Et il y a peut-être, ouais, lui, il pourrait peut-être. Bah, en fait, c'est le même principe. Oui, voilà. Effectivement, ouais, voilà. Tu les intervertis, tu fais ça. Ok. On commence par Kaldor. Ouais. Allez, 6 attaques qui touchent à 3. Force 8 en du 6 sur du 3 plus. Allez, 3, 2 sauvegardes, PA moins 4, 3 dégâts flat. Tu peux répéter s'il te plaît, j'ai 2 sauvegardes, PA moins 4, 3 dégâts flat. Moins 4 il avait, putain. Ouais. Je m'en souviens plus, pourtant je l'ai. Le... Allez, un mort. 4 dégâts flat. 3 dégâts flat. 3 dégâts flat. Non, je fais sur la bannière. Il a 4 PV. Il reste un point de vie, très bien. Allez, les autres. donc j'ai 4 attaques par tête, donc ça fait 40. 6, 9. 10, 11, 12. Je vais faire 20 par 20. Hein. 12. Excuse-moi. 15. On dirait que c'est 15 avec les taux. Alors j'ai 67 tirs de lion. 10, full relance. Ça c'est la première vague. Il y en a, il y en a 10. Ah, je suis content qu'il n'y ait plus les cycles lion en tout cas. Dans les crises, là, allez, je touche à 4 du coup. Allez, et le 6, l'étalite. Pourquoi pas. Ah, toi, pas fait beaucoup. Là, il y a un petit 6 là aussi. Là. Ouais. Touche à 4, alors ça serait. Touche à 4, là. Ouais. Ah d'accord. Ah oui, c'est pas le cas de Drago. Non, non, ça me force 6. Non, je t'habitue au Death Shroud d'hier, qu'il touche à 2. Ouais. Bon, pour l'instant, ça te fait 5 sauvegardes. Et le reste, donc 5 sauvegardes plus... Donc, 5. Ouais, pourquoi je fais aussi peu de 6, là. Plus 2 et... Hop. Oh là là, je suis vraiment pas débougé, quand même. 40 sautors... 40 patates de Totor. Force sur les 4, c'est ça, ouais. Alors, il y en avait plus 2, plus 5, donc 7, ouais. Plus en tout combien? Bah, c'est quoi c'est... Bah, là, j'en ai 5, et là, il y a ce que t'as... Tiens, vas-y. Sur du 2, c'est ça c'est à moins 2, dégâts 2. Dégâts 2. Donc, au qui arrive, quand je les lance, je suis pareil, hein, ça va pas changer la face du monde. Hein. Déjà, ça s'est réussi. Ici, là, ici. Là, la bannière, elle crève. Deux morts. Trois morts. Et un qui reste un point de vie. Mon dieu, 40 attaques de Terminator. Donc la bannière plus trois morts, c'est ça? Ouais. Bannière. Un, deux. Trois. C'est ça. Ouais, bah en fait, il rajoute un mec, hein, plus qu'il y aura. Ouais, c'est 40, non, c'est 500 points de. Bah, c'est 500 points de. Moi, je préfère avoir comme un mec, quoi. Oui. Ou la bannière, le dernier, hop, il tue précision, non, mais... duel, on tue Kaldor. C'est... Ah oui, c'est vrai. J'ai un PC. Mais oui, mais bon, ton perso, je pense pas qu'il tape assez fort au corps à corps. Non, vraiment, Kaldor, il aurait... C'est quoi les stats de Kaldor? 7 points de vie, enduit 5, sauvegarde à 2, invulnérable à 4. Ouais, donc au moins, je te reprends l'objectif 4. Et tu auras ton test de co quand même à faire. Ouais, il faut déjà que je. Vas-y, tape, pardon. Ils ont fait combien? 3. À 3, oui, parce que même si je fais repos de la bannière, ouais. Ça fait 6. Là, je suis à 12, là. Ok, d'accord. Ok, bon, je vais riposter déjà avec le garde. 4 attaques, je pense que c'est un hit. Sur du 3+, je suis en full reroll, encore. Ouais, ça, t'en as 4, après moins 2 dégâts 2. Sauvegarde à 4. Et ben, je perds un mec. Ok, il y a Kira qui a 3 attaques. Une qui passe... Sur du 4, pas moins 2 dégâts 2. 2 points de vie. Bon. Ok. Tout est bon pour ton corps à corps? Je crois que ouais. Je vais quand même conso vite fait ici, là, tu sais, pour rajouter de l'OC. Parce que là-bas, tu pouvais pas trop, t'étais plus loin. Hop. Hop. Et puis, je pense que c'est déjà bien. Pas trop mal, ouais. Et du coup, en primaire, toi, tu scores 5. Attends, déjà, on va faire tes... Pardon. Donc, tu fais assassinat, tu marques 5 points. Ouais.
défendre son goal pour l'instant, c'est Ouais. pas, mais bon, je pense que oui. Ok, Ah non, assassinat, c'est bon. Donc je mets pour l'instant 5. Ah merde, Et... attends, je mets à top parce que je Rien mets. du score, donnez-moi le total. Défense 30 Donc goals. là, pour l'instant 5. Parce que Ok. j'ai le Non, non, truc. mais total, total. Attends 2 secondes. Bah, Avec vas-y. mon. Bah, là, je l'ai pas. Je vois quoi. J'avais 20 points et je marque 5, ouais, Je ça mets fait tes goals 25. et juste que je me 25. mette. Et pendant, il est Assassinat. toujours Et là. il met plus 5 pendant son tour parce qu'il contrôle un objet. Assassinat. Donc, on est d'accord, 25-14. Ouais. Et sachant qu'à la fin de son tour, si j'ai encore mon objectif, je marquerai plus 3. Voilà. Sur le second. Attends, là, je me suis gouré sur un truc. Je m'étais mis tes secondaires sur moi, en fait. Pas de Il faut souci. juste que je les vire. Dans cette Après, mission. on a eu les mêmes, donc. Non, mais là, il faut que je tire moi, maintenant. Oui, En oui. fait, Ce que je veux dire, c'est qu'au pire. Bon, bref, c'est tout. Parce que là, c'était Secure No Man's Land et nos prisonniers, ça, je l'avais fait. Donc, oui, là, il faut que je retire des nouveaux, ouais. Parce Ok. qu'en fait, j'ai l'habitude des fois, tu sais, de jouer en premier, Pas de donc souci. d'être en haut. Ok, est-ce que déjà je vais faire hop, hop un truc? Tu me confirmes au niveau du score, puisque c'est toi qui as la tablette. Et là, le score, on voit. 25-14. On le voit. Pendant ton tour, là où tu prends ton Ah primaire. oui, parce que moi j'ai 12-8, mais après, ça fait quoi en. Comment on Il y a un voit? petit œil en haut à droite. Ah, c'est l'œil, d'accord. Merde, on voit où les trucs? Mais il faut que tu fasses le calcul, il faut que tu fasses la somme. Parce Là, que. non. Là, j'ai pas encore compté mon primaire, là. Donc, c'est normal que. Là, je vais primaire là. Faut juste me mettre primaire en plus au T3. Ok. Tac, 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 tac. Est-ce que je fais hop un Alors moi mec? j'ai pas le même nombre de points. T'as combien toi? Hein. T'as dû encore oublier. Ben, je te dis, le Pardon. primaire de ce tour-ci, je l'ai pas noté, hein. Ah. C'est ça. Donc tiens. Mais hop, plus Bon, mais pour sinon, tu ça. fais juste confiance à l'ordi, hein. Non, surtout pas. Faut Mais que ça, je moi je marque. ne fais que copier ce que vous me dites. Non, mais on te le dit à chaque fois, on le maintient un jour. Si lui, il coche pas ou Non, mais il met justement, il faut pas. qu'il le fasse. Ouais. Là, normalement, tu me dis. Pareil, et moi il manque des points pour le finir. On va voir, attends, on va Parce que les revenir. points de peinture, Ah, parce que moi, je comptais, c'est peut-être là que ça comptait les points de peinture, là, peut-être. là tu as compté les points de peinture, mais vous les avez pas comptés car vous m'avez donné les Non, scores. non. Par exemple, Ulfi, moi je vais à 30 points là. À 25. Non, il devrait être à 35. S'il y a un plus 10, Ulfi il a gagné la Attends, on partie. va revenir au Sur début. ta tablette, il est à 30 points de peinture comprise. C'est pour ça que je Ah dis oui, qu'il y il a manque problème. 5 points. Oui, non, mais Bah... s'il y en a qui prend les trucs ici, hein, c'est compliqué. C'est pour Faut ça que que tout le monde moi, je se ne fais dépêche. que copier ce que tu as sur ta tablette. que la pas de prisonnier, t'avais marqué à 2, tour 1. Après, t'avais fait Secret No Man's Land à 5, Behind the Enemy Line à 3, et t'avais marqué 10 10. en primaire. Moi, j'avais pas marqué de primaire. J'avais fait un pas de prisonnier à 4, et un Secret No Man's Land à 5. Et Donc, après. neuf. Donc 9, Et 5, toi, après. on est bon, mais moi, c'est. Après, t'avais pas scoré à ton T3 de primaire. Mais par contre, à la fin de mon T3, je Ah oui, c'est score. ça. Attends, c'est assassinat. C'est assassinat que j'ai oublié de te mettre. Voilà. Il y Voilà, a c'est 5 ça. points d'assassinat pour lui en plus. Donc, du Non, coup, c'est bon, toi, tu t'as bouges pas. fait. C'est... Ouais, voilà. Ouais. 25-14. C'est Voilà. bon. Et moi, là, je contrôle un objectif plus. Et il faut que je tire munitions. Et je Ouais, mets parce que comme j'avais interverti, en un fait, c'est ça. PC. C'est Pas de l'assassinat que souci. j'ai oublié de. Alors, je vais Ok. tirer. C'est quoi ça? Overwhelming Force. Faut que je te reprenne un truc, je crois. Et défendre Stronghold. Overwhelming Force. C'est. Ouais, non, c'est détruire une unité sur objectif. Attaquer. Ici 2 secondes. Ok. Est-ce que je fais un truc? Je fais rip-hop quelque chose. Oui, allô? Donc là, j'aurai 2 PC. Toi, tu auras 2 PC aussi, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que je fais rip-hop quelque chose? Là, 1, 2, 3. Là, j'ai pas eu de mort dans l'escouade de Trajan. Non. Là, j'ai des morts. Là-bas, j'ai pas de Ah, il faut que tu morts. fasses ton test de co. Pas obligé. Parce que si je fais rip-hop un mec, j'ai pas besoin de faire tête de co. Mais Ripop, c'est un stratagème. Du coup, ça marche C'est comme à phase ça. de co. Et c'est toi qui décides? C'est toi qui, je veux dire, qui décide de l'ordre? Ben en fait, tu scores à la fin, en fait, normalement, du truc, et que s'appelle le test de Battleshock pour voir c'est quand, en fait. Faut voir le séquençage du Battleshock. Si.
Bon, je le fais quand même, mais ça change pas, ça va pas, ça va rien changer, mais bon, je fais Battle Shock en plus, mais ah oui, ça fait que je peux Et pas oui, ça changer. fait que tu peux pas le... Ouais, normalement, Et oui, que c'est tu ça. contrôles plus l'OC. Oui, c'est au début de la phase de quoi. Faut juste que je relise mon strata en fait. Bah vas-y, relis C'est ton le strata. strata, désolé, mais c'est justement pas utile de me faire Battle Shock. Des trucs que je sais, mais des trucs que tu peux dire de la merde. Offensif. Donc j'ai guerrier tombé, non, c'est pas ça. Voilà, c'est celui-là. À votre phase de commandement. Donc c'est your command phase. Donc c'est pas précisé. Et le séquençage pour les tests de Battle Shock, c'est. Je sais plus en fait. Si ça se fait quand dans le livre de règles? Rules. Attends, Battle, juste taper. Mais au pire, fais-le, c'est pas très grave. Ça... Ouais, ça va pas être impactant, je pense, mais c'est juste. Non. C'est quoi un PC ça? C'est un PC. Très bien. Mais après, est-ce que je fais ça ou je vais préférer plus un bless sur le truc? Non, je vais pas l'utiliser, ça va me servir à rien en fait. Ok, donc ils sont Je Battle Shock. préfère garder un PC pour faire soit un plus un bless sur véhicule, à la rigueur. Donc ça t'obligera de soit de faire repartir ton Dreadnought, soit de. T'en Parce verras. que eux, ils peuvent advancer ces charges. Ok, phase de co. Attends. Donc tu peux utiliser Strata avant d'être Battle Shock. Battle Shock est à toute fin de la phase de co. Ok. Ah, voilà, c'est ce qui me semble. Merci, Louis-Lu. Louis-Lu. Compliqué à dire, mais merci. Ouais, parce que je le garde, parce que. Au cas où je garde le PC, parce que même si je désengage, ça va me servir à rien. Par contre, je suis désengage, je suis Battle Shock, mais ça va. Après, tu seras pas Battle Shock, parce que tu n'auras pas besoin de Ouais. la faire. Mais est-ce que je prends un PC pour aller Battle Shock? Sinon, c'est trop tard, j'ai fait un Oui. test. Comme on a dit. On peut rollback, comme on a dit, mais je sais pas encore, je vais décider pour. Tous ces PV. C'est squat, tac, tac. Là, je suis pas engagé, hein, avec cela. Non. Bon, je suis. Ah, ça fera une charge à 8, enfin 7, mais bon. Au cas où. Est-ce que je vais partir de là? Est-ce que j'ai envie de faire ça déjà? Ça fera une charge beaucoup trop loin. Non, même charge à 8 en fait. De toute façon, c'est pas ça. Parce que là, il y a un objectif là. Ah, il y a un objectif là. Donc, en fait, mon but, c'est pas être trop là-bas. C'est de péter ce qu'il y a là, si j'y arrive. Ok. Donc, il faut que j'ai défense Stronghold. Défense Stronghold. Lui, va juste se mettre là pour au cas où mettre un petit tir de pistolet. Le mystique. Allez, vas-y, de toute façon, je m'en fous maintenant. Là, prends. Juste se mettre là, on s'en fout, ça va rester comme ça. T'as eu quoi comme objectif? Défendre Stronghold? Ouais. C'est quoi? C'est le même que j'ai eu moi? Ouais. Attends, c'est rigolo, on fait que tirer les mêmes. Quoique. Je vais pas faire ça parce qu'en fait, si tu fais pas 3, je suis. Non, Mais ben en t'es fait, je vais les baisé là. cacher. Ah non, tu peux pas, fais pas 3, t'as ton anti-fep. Oui, mais en fait, moi-même, si tu fais une fête normale, en fait, même si je te fais à 12, en fait, Oui. ben en fait, même en étant à 12, vu que j'avais des mecs dehors, tu peux faire là ou là-bas, si j'ai plus le thermi, et tu peux me tirer sur mon escouade et je perds le strangle. Donc, enfin, le strangle, je crois. Bastion, je sais pas comment. Défendre le bastion, ouais. Ok. Ce que je vais faire, je vais juste faire peut-être mon inquisiteur, parce que là, tu pourras pas avoir une ligne de vue. Là, c'est impossible d'avoir une ligne de vue pour toi. Là, je peux juste avoir une ligne de vue avec l'inquisiteur. Je peux mettre là. Et normalement. Vous avez vu, je suis désolé, j'étais pas là. Ouais. J'avais mon livreur Amazon. Vous avez vu ce que vous a expliqué Tout à fait, Manu? on a même remercié. Parfait. Ouais, impeccable, c'était nickel. Quoi qu'il arrive, je suis là dans l'angle. Lui dépasse juste un petit poil de cul pour mettre des tirs. Ouais, là tu pourras pas. Mais on fait point Que tu là-bas. sais que le Terminator, jamais il les butera. Déjà, il était avec son pote, ça a été un pour un. Non, mais il a fait, hein.
Bah, il va juste bouger. Bon, je pense pas que tu vas Overwatch avec cette unité-là. Hein. Ah, Je sais je vais te pas buter à l'Overwatch. Bah, c'est ça ou tu vas Overwatch pas là-bas, donc moi ça me non, va. tout à fait. Si tu vas Overwatch là-bas, je m'en fous. Hein. Ah oui, lui il va se cacher, hein, bien sûr. C'est le but de cacher. Ok, ça va là, ça va là. Les motos, il va falloir qu'elles fassent des trucs. Je vais essayer d'avoir une ligne de vue sur lui. 12. Normalement, je vois ton gros marteau en fait. J'ai une ligne de vue sur ton gros marteau. Même pas, non, pas le gros marteau, mais si je les mets même en enfilade, est-ce que je suis à 24? 24, c'est là. Normalement, les mettre en enfilade, je pourrais. Ouais. Donc, son bout de 12, je vais faire ça. Tac. Et en enfilade, hop. Et hop, les lance-helmes saoulent. 2h35 de jeu, il vous reste un quart d'heure. Oh, mince, on va se faire cloque. On va se faire cloque. Alors, Ok, les motos vont faire tenter de faire des trucs, là, je sais pas, je vois. Ok, eux, ils vont advance là-bas, les Warden. ouais. Je sais pas encore vers où, mais ils vont advance. Je rire à mon advance, heureusement, cette base. Est-ce que je vais faire comme tout à l'heure? Bah oui, tout à l'heure, j'ai fait C'était deux, j'ai reroll l'inverse. 1. Mais quoi, Tu te chercher plus plains. en plus? Non, mais il se plaint. Non, mais attends, je peux reroll les. Non, mais c'est. Enfin, bref. Ça fait. Non, mais ils vont. Bah, je vais. D'être là, moi ce que j'aurais bien aimé faire ça en fait, de faire une bonne advance, d'aller là charger Ouais, c'est ça, pour ça que j'avais mal joué, je te l'avais laissé. ben ouais, en plus ça devait faire des choix par rapport à là-bas aussi, donc ça fait une 8, ça fait une charge de combien? Bon, c'est un peu trop risqué vu mes jets de dés, donc si je bouge de 8, attends, je vais virer ça, bouge de 8 pour être au plus près des thermis, c'est par là. Ouais. Là, si je fais le tour, il y a le conteneur, il y a tout et tout. Oh, pardon, j'ai un peu dépassé le temps. On va refaire. Non, mais c'est bon, c'est. Non, j'ai bougé le dé en fait en face. Ouais. Hop. Ça. 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 Bon, on va tenter là, c'était pas ce que je voulais faire. Mais. On va essayer d'avoir une belle charge pour que le blé champion puisse taper, parce que j'en suis sûr, il pourra pas taper parce que je vais faire une charge de merde. Non, mais au début, t'as dit À ça chaque s'était pas fois fini. qu'il commente toutes ses actions en disant à dessein, je vais pas réussir. Ah, puis finalement, ça a réussi. Ah, ben zut alors. Qu'est-ce que je te dis? Ça Ok, qu'est-ce que je fais avec l'escouade de Trajan? crée de l'idée. Attends, ça, je te mets les PV là. Ouais. 5, ça, c'est celui qui est décédé. Tout à fait. Est-ce que je vais plus partir par là? Parce que ça fait 6. Et si je fais ça? Si je fais là, je fais une double charge à travers comme ça. Sans quoi qu'il arrive, tu peux m'overwatch. Donc, là, je suis un Oui. petit peu plus loin. Quoi Trajan, qu'il arrive, il. je peux t'overwatch, tout à fait. Préfère que Trajan soit plus près de là. Voilà. Ok. Il y a Oljo qui t'envoie un message privé. C'est quoi le message privé alors? Bah, regarde. C'est en répétant qu'on va se faire prendre les chiens dans le tapis. Ah oui, en plus, la dernière fois que j'avais joué contre lui, pas contre lui, mais je crois qu'il était là. Au club, il a dit, ouais, parce que ça, c'est un peu comme les orques, là, tu sais, quand tu finis d'étudier les trucs, ça arrive, en fait. Est-ce que je. Non, là, non, je suis en distance de cac, là. C'est pas bon. À part si je bouge un peu là. Non, bah, je vais devoir bouger par là, en fait. Ouais, bah, là, je vais bouger, donc est-ce que tu veux m'overwatch avant que je bouge? Non, non. Alors j'en profite, je coupe leur micro, j'en profite pour vous rappeler que, évidemment, les parties vont s'enchaîner toute la journée. Donc cet après-midi, on aura du chaos contre du Drukhari. Et ce soir, on aura du GK, contre de la Death Guard. Prononce pas le Ok, donc tu viens ici. Donc, hop, ça fait ça comme ça, bah ça fait une petite queue leu-leu. On se met. Alors évidemment, toutes les parties seront renvoyées sur YouTube par la suite, mais elles sont déjà disponibles sur Twitch pour ceux qui veulent regarder la partie d'hier. Il n'y a aucun souci. Et eux, je vais les faire bouler jusqu'à 6. Ici. En fait, le but, ce serait de le Ah garder oui, dans le périmètre. ouais, c'est le truc qui paraît de faible, mais soit tu peux faible, soit tu Soit je peux. fais, soit je bouge à 6. Ouais. Ça, c'est fort quand même pour un PC en plus. Ouais. Oui, c'est bien, ça rend le. C'est l'âme du codex, quoi. Ce stratagème.
T'as de la chance qu'il soit pas roux, t'es cas. Oui. Comprends qui veut. Très bien. Bon, là, pour me charger, par contre, ça sera... Oui, non, parce que même si tu... Et demain, vous aurez la chance de voir l'incroyable Tourop qui va jouer contre du Space Marine du Chaos et contre du Drukhari également. Et puis donc dimanche soir, on aura les vainqueurs des deux poules qui feront la finale. Ok. Alors, t'as combien de C sur ces trucs? 3. Et Trajan, il a 1 plus 1. Ah non, il a 2 plus 1. Et il a 2 de base, Trajan? Ah oui, tout le monde a 2. Ok, donc t'es à... Donc dans tous les cas... Je suis à 18 dossiers, là. Dans tous les cas, ce sera trop pour moi. Mais après, peut-être qu'à mon tour à moi, je pourrais te le contester. T'as pas chargé... Enfin, t'as pas Advance avec tes motos? Non. Justement, c'est pour essayer de voir ce que je fais. Eh oui, ça fait faire des cheveux, attention. Ouais, tu te rallonges un peu ta charge. Ok. Je vais voir ce que je fais. Très bien, à okay. Toi. Bon, bah, phase de tir. Le tir, il reste combien de PV à lui? 3 ou non? C'est... Non, il lui reste 10, il en a pris 3. 10 PV, le mec. Je regarde ce qu'il y a dans la... Non, même avec les lances, là, hop, oui, là, ça va, je vois. Il y a cet ami là. Là, je vais pas tirer là-dedans, là, je suis dans le cac, de toute façon. Je suis pas désengagé. J'ai ça, ça va sauter. Je vais tirer dans la... Bah, dans la Némésis. Laquelle? Attends, je vais voir. Bah, attention, il n'y a que celle-là, mais... Celle-là, tu veux dire? Est-ce que je vais tirer ici? Non. T'as... On se regarde à deux, j'ai pas moins deux, donc ça fait un moins un. Ça va rien faire presque. Ouais, je vais entamer ça là, histoire de. Très bien. Donc les motos vont tirer dans cette Némésis là. Ok. Touche à 2, c'est bon. Force 9 sur. Sur du 3. Ben voilà, c'est magnifique. Hey. Est-ce que j'ai un bonus de sauvegarde ou pas? Normalement, oui, parce que. Donc PA moins. PA moins 1, dégâts 3. Ça fera. C'est bon. Voilà, histoire de. Non, je t'ai dit les motos, j'ai même dû tirer sur les pimpins en fait. Bon. Et les bolters Hurricane, ils sont pas. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, ils sont pas viables avec ces motos? Pas ouf, quoi, je crois que c'est. T'as pas tir Rapid Fire 3, mais c'est Force 4, pas de PA, dégâts. Hein. Ok. Voilà. Il me semble que c'est ça, si c'est... ça n'a pas changé. Ok. Les squads de Trajan, bah tu vois, ils vont tirer dans les pimpins pour l'instant ici, histoire ouais. De les nettoyer parce qu'ils sont embêtants, j'aime pas. J'aime pas leur tête. Très bien. Ok, bah Trajan va tirer dans l'escouade de lance-flammeur. C'est bon. Force 5 sur du 3. C'est bon. PA moins 2, dégâts 3. PA moins 2, bah je perds 2 mecs. Enfin, c'est ça, c'est bien, PA moins 2. À chaque fois, j'intervertis l'arme de tir et l'arme de cac. J'ai tellement de profil en cuistot que je m'en souviens jamais. PA moins 2, dégâts 3. Oh, c'est quoi, c'est quand même. Alors, j'ai combien de mecs? J'ai 5 mecs. Plus une épée, mais ça change pas grand chose le profil, parce que là je suis à courte. 1, 2, 3. Tu tires sur le purgatoire qui reste? Ouais, de toute façon j'ai tout déclaré ouais, sur le purgatoire. Donc, Très bien. En plus, donc ça fait un lance-flamme en moins. Ça... Là, ça a 4 cette fois-ci. Il faut le reroll. Parce que je suis en partie d'objectif. Hop, c'est bon. T'as tout ça, 2 PA-1, dégâts 2. PA-1? Ouais. Allez, il meurt. Même si tu mets l'armure comme tête, je m'en fous parce que j'ignore avec Trajan. Ouais, ouais, ok. Je crois qu'il y avait un mec qui avait perdu un PV, moi, c'est ça. Ouais. Ok, sa phase de tir, ça c'est fini. Là, c'est fini. Là, bien sûr, j'ai pas la Vexilla, donc je peux pas tirer au cac. Eux, ils peuvent pas tirer dans le cac. Eux, ils pourraient y courir, en fait. C'est ce que... Non, je peux pas, il y a ça, il y a la ruine. Normalement, je crois que ta Dread Nemesis, là. Oui, oui, tu me vois. Ouais, bah, normalement, tout soit 24. Tu me dis normalement ça va être pile poil. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, touche à 2 sur les Warden sur la Nemesis qui est là-bas. Touche à 2. Je crois que c'est blessé à 6. Hein. Ouais. Ben voilà, 1, 6. Quand même. PA moins 1. Dégâts 2, pareil. C'est bon. Ok. Le thermi va tirer dans.
les Strike Squad de tir de lance. Ça touche. Force 4 sur 4. Une AP à monter en dégâts 2. Sur qui ça? Le Thermi sur le Strike Team. Dégâts 2? Ouais. Allez, rate ta charge maintenant. Non, là je peux pas la rater là. Même si je fais un double 1, je la rate pas. Bah ouais! Et avec le mouvement de. Ouais, on sait ouais, qu'elle a. La... Bah, retue-moi en 1 là. On rigole. Non, non, je vais quand même pas la louper, même si je fais un double. Ouais, mais même s'il faut pas que je fasse un double. Ok, lui, il va faire sentir de combi bolter. Normalement, je vais être à courte. Enfin, lui, l'inquisiteur. Ouais. Faut bien que je dise les noms, mais j'ai pas son prénom par contre, donc. Je suis à moins de la portée. Tire de combi bolter. Dans ceux-là, 2 tirs, je suis à courte. 4, c'est bon. En tir fortry 4 plus Deva Wound. Une Deva Wound. Son tir 2 psychique, tir lance-flamme. C'est 2d6 tirs. Ça fait ça et ça. Il touche à 3, il me semble. On va vérifier ça. Oui, il touche à 3. Ah non, mais ça ne lance flamme. Donc ça touche. Force 3 sur du 5. T'en as 2 à perdre moins un dégât. C'est bon. Et en plus, c'est du psychique, donc si tu avais un film open comme ça. Non, j'en avais pas. Ok. Voilà. Hop, ça s'est fait, ça s'est déplacé. Ah oui, c'est que j'ai oublié le tir de lance-grenade ouais. De la russe. Ah bah ça fait 6 tirs quand même. 3, 4, 5, 6. Sur du 4. Hop, hop, hop. T'en as 3, t'as moins un dégât. Ah oui, quand même un qui meurt quoi. Attends, tu vas me faire louper ma charge quoi. Et ouais, c'est le but. Ça s'est fait. Ça, ça a tiré. Est-ce que j'ai déjà fait. Non, j'ai pas fait la double tir de Trajan. Je crois pas, donc non. Je l'ai fait. Je l'ai pas parce que quand je suis arrivé là, j'ai directement. Non, je l'ai fait ou pas? Non, c'est avec Kira que j'ai fait la le double tir. Mm-hmm. Est-ce que je tire dans les amis? Normalement, je te le bute, le Endrain Nemesis. Non. En plus, c'est pas. Non, mais au cac. Oui, non. Ouais, je vais faire la double phase de tir pour l'instant. Je l'ai bah, dans la. Avant que l'escouade Trajan crève, dans les Terminators, là-bas, histoire 2. Trajan va faire ses tirs. C'est bon. Force 5 en du 5, c'est ça? Ouais. Sur du 4, full reroll. C'est bon. Une AP à moins 2, dégâts 3 sur les Termis. AP à moins 1, du coup, je vais le couvrir. C'est bon. Ah. Et 1, 2, 3, 4 et 5. 5 tirs à 2. Hop, tiens. Bless, par contre, cette fois-ci à 5. Mais reroll. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. Hop, reroll. Et t'en as 4. C'est 5. Il y avait, on avait 5 là que t'as mis sur le côté, en tout cas. Je crois qu'il y en avait un qui n'était pas dedans. Il me semble. PA ? T'as monté en dégâts 2. Donc sans PA. Ouais. Oh, je perds 2 points de vie. Bon, de toute façon, tu vas faire hip-hop un mec après. Ouais, mais il y en avait un qui restait. Je sais plus qui c'était, je crois que c'était. Kaldor. Ouais. Et en plus, c'est lui, en plus, c'est Kaldor, lui, dans l'eau. Non, non. Ah non, je crois. Non, c'est des conversions. Ok. Le plus stylé possible. Là, ben, j'ai fait tout tirer. Ok, bon, ben, pas de charge. À part si tu veux déclarer un truc, t'as pas de truc à déclarer, non t'as... Non, c'est bon, vas-y. Terminator à la russe, ici, parce que c'est que si je fais à l'extérieur, on voit pas. Ici, Terminator à la russe sur le Strike Team. Allez, le Snake Eyes. Putain, j'ai vu le 1. Dommage. Je voyais pas là ce qu'il y avait là, ça ouais. Qui est bloqué. Ok, bon, c'est un... Très bien. Les squads de Warden qui vont charger dans les Termis ici. Je peux reroll nativement la charge sans payer PC. Bah oui, c'est normal. Ils ont été habitués à faire que des deux en. Hein. Ah bah, c'est bon. Je sais pas combien c'est. Mais oui, c'est bon. Ça fait 9. Ouais. Attends, je vais d'abord faire ça, comme ça je les déplacerai. Je vais faire tous les jets, après je les déplacerai. Ok. Tac. Est-ce que je fais combien de temps? Oh putain. Ah, mais la rune était là, oui. La rune était là. C'est un peu risqué de charger là. Non, je vais faire une charge que sur le. Je sais pas combien je suis, parce qu'il faut que je passe comme ça. Donc on verra, je lance les dés. Non, je pense pas. Non, oui. Non, pas du tout. Est-ce que j'ai un PC? Non, je n'ai pas utilisé le PC, hein, parce que je croyais faire avec un mec. Je le gardais pour faire un bless, mais est-ce que j'en ai besoin? Plus un bless. Je crois que je vais garder plus un bless. Il reste combien de PV, tu m'as dit? Parce que là, il a perdu 3 PV. 10.
Putain, vu 4. Ouais, normalement, je te lève, quoi, même 5 plus 1 de blesse. Contre agent, force 10. En du 10? En du 8. Baisse à 3. Baisse à 2 si tu mets ton plus 1 boss. J'ai envie de péter cette unité aussi. Parce que je suis pas sûr qu'avec rien que le blé de champion. Ils ont quoi comme en défensif là, comme En du stat 5, invulnérable à 4, Armor of Contempt. Je vais reroll la charge des motos. J'ai envie qu'elle passe la charge des motos. Ça fait. Après, c'était une charge à combien au final, de base? Je pense que c'était 7-8, non? Un truc comme ça pour passer tout le socle. Je sais pas. En fait, tu le prends là. Tu le contournes. Une charge à... C'est vrai que avant de reroll, j'aurais dû regarder. Était mon maître. Ouais, c'était 7, un truc comme ça, Ouais. peut-être. Je suis à un 7, donc c'était une charge à 6 en fait. J'aurais pu faire 6 là, comme Ok. ça. Mais bon, c'était ça se tentait quoi. Oui. C'est bon, j'ai plus de PC. Très bien. Enfin, je crois. Donc ça, on le remettra plus tard. Ouais. Ok. Non, j'ai pas pu PC parce que j'ai pas utilisé de PC autrement. Ouais, je me suis pas pris mon PC à mon tour, oui, donc en fait j'ai un PC, ouais. Très bien. Oui, je me suis pas compté le PC que j'ai gagné à mon tour, là, donc pour ça je me disais c'est pas normal que j'ai j'ai plus autant de PC, quoi. Ok. Phase de charge assez pas bon. Là, ici, je vais charger les gardes custo avec Trajan vont charger dans la Némésis. Oh, c'est bon. Oui. Hein. Je sais pas combien ça fait. Et après, normalement, j'aurai plus de charge. Ok. Bon, bah, je vais faire la charge là. Ça fait 10. 10, 10, 10. Tu t'as des PC, t'as combien de PC toi? Un. Je peux faire d'intervention héroïque. Je peux faire une intervention avec ta vie? Non, tu peux pas faire Oui. d'intervention héroïque parce que t'as un PC. Est-ce que sur votre agent, ils sont déroués? Non, je peux même pas. Je pourrais pas impacter ce truc là-bas. Parce que je suis obligé d'être en socle. Là, en mettant les mecs autour, je pourrais jamais. Dans tous les socles, ils vont passer. Enfin, hop. Bon, ça fait ça. On s'en fout. Hop. Je suis largement à 10. Bon, il reste 10 points de vie. Hein. Je vais faire... Ah oui, par contre, je vais pas faire le con parce qu'il y a l'objectif là. Oui. Mais c'est pour ça que je laisse Trajan. Ouais, c'est ça. Non, juste par contre, la bannière. Voilà. Bannière et Trajan vont être là. Mais fais gaffe que tu sois encore à portée D'accord. de cet objet. Normalement, je. Attends. Qu'on n'a pas les galettes. Ouais, donc je peux pas me, de toute façon, je peux pas me débrouiller hautement. Même si Après, je crois pas. De toute façon, même si. Enfin, si je te je crois lève. que ça fait ça. Hein. Ouais. À la rigueur, ouais, laisse le. On va laisser le. Hop, ça. Façon, même en me débrouillant de. Parce que comme j'avais fait une grosse charge, Oui, t'étais obligé de souffler, ouais. je pouvais pas. Ouais. Très bien. Oh, j'étais en fait je sais plus où ils étaient donc c'est pas grave en fait c'est my bad j'aurais peut-être pu en fait avec juste le mec qui était plus loin mais c'est pas ok où je ferai je sais pas si j'ai le droit de faire une conso après pendant si je te pète là de venir plus proche de cet objectif là Bah, si je... Ah non, c'était déjà sur un oblo, je pense pas, non. je sais pas comment ça se passe s'il y Parce en que a tu qui dois te savent rapprocher de l'objectif le plus proche. Et l'objectif le plus proche, c'est celui-là. effectivement donc bon ben je me voilà, règle tout seul ok t'as pas tu peux pas interrompre donc on va commencer par le plus simple. Ouais. J'utilisais. Ah non, elle est là-bas, c'est vrai que la charge ici. Attends. On avait déjà fait la charge. Ouais. C'était 11, hein? Non, 9. Un 9 au fond. C'est confus tout ça, je trouve, hein. Ouais, un petit Et c'est un peu. peu confus dans sa tête, au minot, Ouais. Ah, c'est là. Il va falloir bon. qu'il respire un coup, Attends, il y a la ruine, là. Moi, son 9, je peux bien socle à socle. Ouais. Il va faire ça. Son essence. Tac. Et tac. Et on verra après pour la mise en contact. Ok, je commençais par ici. Je suis sur le Kataz pour toute mon armée pendant ce tour en Sustanite. Ok. 4-5. Touche à 2. Ah, bah, Sustanite ici. Ok. Blesse à 3. Et c'est bon, je suis un full. PA moins 2, dégâts 2. Tout à fait. Alors là, s'il meurt pas, franchement, Mais non, il va mourir à un tout moment pile. donné. Oh, il meurt tout pile. Eh bah oui, bah tant pis. À un moment donné, Dommage, ça aurait été le comme on dit, comble. voilà quoi. Ok, bon, je vais faire pour l'instant le combat le plus simple ici avec Trajan. J'ai quand même PC, j'ai un PC, je vais pas l'utiliser.
Est-ce que j'ai envie de faire moins un dégât pour une prochaine phase? Trajan, il a de la déva? Non, mais j'ai pas activé encore son profil 12 attaques. Mm-hmm. Et je sais pas si je vais l'utiliser. Parce que là, je suis sur un objectif, je pourrais. Okay. Je vais pas utiliser son profil 12 attaques. Parce que normalement, je dois la laver, un truc. Et je veux garder son face first. Ok, je commençais par Trajan. Très bien. 3, 4, 5, 6. Donc là, tout ce qui tape, c'est force 7 par moins 2, dégâts 2 aussi. Oui, oui. C'est et ça a combien d'attaques par tête? 5. Et ça reroll pas? Non. Lui, bah, il peut reroll, mais c'était toi qui t'apprends en premier. Par ouais, contre. Mais donc ça rerollera pas. Et par contre, ça reroll tout. Full reroll. PA moins 2, dégâts 2 sur toutes les armes sauf Trajan qui a PA moins 3, dégâts 3. PA moins 2, dégâts 3. PA moins 2, dégâts 3. Et t'as combien d'attaques là? T'en as 5 par tête, ils sont 4, donc t'as 20. Et Trajan, il a 26. J'ai une épée qui dégage 1 par contre. C'est des dégâts, c'est pas du dégâts 2. C'est 5 sur attaques. Ouais, 5 donc, attaques. Eux, ils ont 4 x 5 attaques. Force 7 par moins 2, dégâts 2. Sustainite et tout ça, machin, full reroll. Et là, tu peux pas mettre Armure of Quantum. Ah oui, c'est ça. Bon, bah vas-y. Donc voilà, c'est ça que. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous commencez par Trajan. Va faire ses 6 attaques. Sustainite, cette fois-ci. Bah non, ça revient même. Oui, ça va. Force 10 sur du 3. Relançable. Effectivement. T'as un 2 encore là. Ah oui, c'est que j'ai pas mis plus un bless. Ouais, bah, tout ça, t'as moins 2 dégâts 3. Allez, sauvegarde à 4. Bon, est-ce qu'il explose? Voilà, j'ai bien fait de l'utiliser plus un bless. Non. J'étais pas sûr de mes GD que. Ouais, bah après là, je rate toutes mes envies. Ouais, mais. Ok. Très bien. Ouais, donc là, on est d'accord que comme l'objectif le plus pressé, ouais. Je ne peux pas faire ça. Non, je pense pas. Ok. Donc, est-ce que je fais un. Je peux quand même faire mon conso, mais vers l'objectif. Oui. Bon, pour l'instant, je reste comme ça, parce que si je mets peut-être là, ça fait que je suis à plus de 9 là. Très bien. Vous les jouez, attends. Et là, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire. Là. Là. Je pas de là. En fait, j'ai fait un site, je montrais en fait, donc c'est pour ça. Donc en fait, si j'avance, ouais, ça fait que tu peux faible sur l'objectif en fait. Tu pourras faible sur l'objectif. Oui. Et je veux pas. Donc tu bouges pas. Je bouge pas. Ok, ça c'est fait. On va entamer le cac ici. Alors là, du coup, je vais claquer mon armure. Ouais. Lui, le shield captain, il va venir, hop, il va piler ici. Et lui. On est d'accord que je peux taper à travers le mur quand même. Non, mais lui, c'est vrai que je suis con, il est en centre. Oui, voilà, il ne bouge pas. J'étais en train de chercher, oui, alors je passe à travers contre, le mur. Non, si, c'est bon. Si, si, hein, c'est bon. Non, tout est bon. Ouais, let's go. La rune, je la laisse pour l'instant. Oui, oui. Je ne sais même pas où elle est. Mais... Je l'ai mise là, mais t'inquiète. Ok, okay, je suis toujours en sustainite. Je vais commencer par le bête champion. Alors, ils ont quand même PV 3 PV 3 points de vie, endurance 5, sauvegarde à 2, vulnérable à 4, moins 1 pour la PA qu'ils vont subir là. Après, c'est là où il y a Kaldor, c'est ça. Ouais. C'est quoi, c'est ça, défensif, celui-là? 7 points de vie, endurance 5, sauvegarde à 2, vulnérable à 4. Je le tuerai jamais, même en sniper. Non, je vais utiliser le profil Devawoon, c'est-à-dire j'aurai 5 attaques, force 6, PA-3, 3 dégâts. Donc okay. Ça fait sauter un thermi, 3, 4, oui. 5. Ok, je suis en sustainite. Toujours. Ouais, bien sûr, lui, il fait jamais de sustainite. Force 6, ça fait sur du 3. 3. Je suis pas de rire. Mais là, un mort. Devawoon, par contre. T'as un mort, il y a un mort. 3. Sauvegarde à 2. 3, pardon. Ouais, c'est bon. Et le mort, bah, c'est celui qui restait. Il restait un point de vie. Là, le dé, c'était. Il restait un point de vie. Ah, d'accord, c'est ouais. Ça. C'était les PV, d'accord. Ouais. Ok. Lui, c'est fait. Et maintenant, tous les gardes, il y en a 5. Donc 25 attaques. Très bien. 5. 10. 15. 3. 5. Et eux, ils ont un Field No Pain? Ouais. Ok. C'est pour ça que j'ai mis le. J'ai mis 4 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 5, 10, 15, 20 et 25. Ouais, c'est bon. Ok. Avant de lancer les dés, les gars. Ouais. Vous êtes à 3 heures de live. Ouais. Il est bientôt midi. Vous avez. Pardon. Une heure grand max pour ouais. Finir. Ouais, mais là, ça... on est fin de tour 3, donc ouais, après, mais... ça devrait aller un peu plus vite. Ok. Savir. Sustainite. Là, c'est bon, comme ça. Ok, ça c'est. J'ai pas de 6, c'est ouf. Quoi. Là, le 1, c'est un peu bougé. Oui.
Sur du 3 plus. Sur du 3, j'ai pas de reroll. C'est bizarre d'entendre ça. Ouais. Bon, hein. T'as tout ça, ouais. PA moins 1 dégâts 2. PA moins 2 dégâts 2, pardon. PA moins 2. Ah non, t'as mis à. Ouais. Comme ça. Allez, sauvegarde à 3. Je perds 1 mec, 2 mecs et demi. Ouais. 2 mecs et demi. Ouais, bah c'est pas fifou. Je vais le laisser sur le. Sur le bout. 2 mecs et demi. Ok, bah là c'est à toi de riposter avec cette. Test squad, sachant que j'ai pas encore tapé avec Kira Guard, je trouve pas le 1 sur ce 2 de nul. Ok. Alors, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Kaldor. Très bien. J'ai plus de PC. J'aurais cru que j'allais faire plus mal que ça quand même. Et oui, mais l'armure front end, c'est fort, ça nous fait rebondir sur l'un et sur l'autre. Ok. Bah écoute, je pense que je vais. Là, t'as combien d'OC? T'en as 6 en fait. 6 plus ouais, là, plus il y a 6, 7, 8 d'OC. J'ai 8 en OC. Ah, ça c'est que 2? Ah oui, parce que t'as plus, ouais, la bannière. Plus la bannière. Ben, je vais tout mettre sur cette escouade, hein, on va essayer de la finir. Très bien. Donc, on va commencer par Papa Kaldor. D'ailleurs. Ouais, non, je vais rester comme ça, c'est bien. Allez, Kaldor. Force 8, blesse à 3. Oh là. Allez, 2 sauvegardes, PA moins 4. 1 mort. Dégâts 3. Et les autres? Donc Kira, la pauvre. Ouais, est-ce qu'elle perd quelque chose? Non, elle avait rien de toute façon. Elle a rendu combien cette meuf? Rendu 3. Ah oui, voilà. Je vais te blesser à 2 quand mais même. Elle a eu 5, attention. Hein. Ah oui, bon, bah. Est-ce que tu veux qu'on fasse léger ou est-ce que je te l'enlève? Ça oui. Sert à rien. Très bien. Et du coup, pour la conso, de toute façon, je vais juste hop, venir avec lui. Et avec lui, pardon. Mettre un pied, mais de toute façon, je l'ai déjà. Voilà. Très bien. On peut remettre la rune. Ah, ça c'était quoi, c'est un PV ça? Ouais. On peut remettre la rune. Eh ben écoute, ça sonne le glas de, du tour, tour 3. Et tu scores quoi alors? Ah mince. Donc moi, il faut me rajouter 3 points, s'il te plaît, ouais. Yes. Mano. C'est fait. Alors, round 3. T'es là. Attends, ça c'est où? Attends. Ok, assassinat. Tu l'avais fait. Attends, non, t'es où? Donc T4 ou T3 là? Ouais, tour 3. T'avais défense stronghold et t'avais, voilà, quoi d'autre? Assassination. Ah, ça, assassinat, pardon. Assassination. Ah oui, c'est défense stronghold. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, c'était mon tour, là. Ok, et moi, je score over wind force. Bah, là, j'ai repris ici. J'ai tué des trucs sur... Bah oui, j'ai tué un Nemesis. Ouais. Et j'ai tué les mecs aussi, là. Donc, je marque 5 points. Ils étaient pas sur l'objet. Oui, il y avait... Si, oui, t'as raison. En fait, il n'y avait pas le... La galette, du coup, dans ma tête. Et défense stronghold, je ferai après. Moi, je marque 5 points. Ouais. En plus. Non, tu passes à 19, on est d'accord? Ouais, et pour mes. Alors, je vais voir ce que je remonte. Attendez, conso, bien sûr. Moi, j'ai 28 à 19. Ouais, c'est ça, parce qu'il était à 14 en début de tour avec ses premières. Oui, c'est ça. C'est ce que tu as sur ta tablette aussi. Il faut que je voie. J'ai pas les points de peinture. Alors, sans les points de peinture. Donc, ça fait 14 et 5. Et j'ai pas compté. 14 et 5, ça fait 19. Enfin, pour l'instant, c'est bon. 19, oui, c'est ça. Et pour Wolfie, j'ai 28. Pour Sam, j'ai 28. Ouais, c'est bon, 28. Okay. On est bon. Donc, ok, ça, c'est bon, mais non. T4. Donc ça, c'est T4. Alors, T4. Il faut que je fasse remonter des unités. La question... Ton scoring, T4. 5 points, parce que du coup, je suis là. Ouais. Donc du coup, tu passes à 33. Ouais. Alors, du coup, la question c'est, est-ce que, avant ça, parce que du coup, à la fin de son tour, il faut que je fasse remonter. Ouais. Oui, mais tu sais, je suis à la fin de son tour là. Je fais remonter des escouades. Ouais. Et je me demande si je fais remonter ça, parce que ça, c'est plutôt bien positionné si je veux impacter ça, mais pour tout le reste, c'est nul. Et ça, je pense que je le tuerai absolument jamais. Je vais focus cette escouade là, qui n'ont pas le Finopane. Si. J'ai pas utilisé le Finopane. Et eux aussi l'ont. Non, j'ai pas utilisé le Finopane. Ah, c'est eux qui l'ont pas. Mais eux, ils fight first. Je peux fight first avec Trajan, et en fait, eux, comme ils sont sur un objectif, je peux fight first aussi, en fait. Pour deux PC. Mmh. C'est pour ça que j'ai gardé mes deux PC, voilà, que j'ai. Oui, mais bon, PC, après, ouais. ça sera le jeu, ma pauvre Lucette. Mais là, je pourrais pas te charger ton escouade là-bas, et limite, le après, d'un autre côté. Donc, j'ai cette escouade-là qui peut venir t'enlever, donc. Lui, je pourrais jamais te l'enlever, tant pis, on te le laisse. Lui qui est pas dessus, donc, pour l'instant, tu pourras scorer que 5. Surtout si lui, je veux venir... Parce que là, j'ai un Totor qui va revenir et un Totor qui va revenir.
Ouais, je pense que c'est mieux. Hop, je fais remonter mon ami la Dread Très Knight. bien. C'est bon, donc tu peux me tirer mes cartes et je prends mon PC. Extend Battle Line et Aréole d'Inol. Donc c'est quoi et quoi? Aréole d'Inol, c'est qui est personne dans les 3 ou dans les 6. Et Extend Battle Line, c'est je crois qu'il faut que tu captures un ou deux objectifs dans le No Man's Land. Attends, Extend Battle Line. C'est 5 points. Ah non, c'est 5 points si tu contrôles. Oui, ça. Dans le un objectif dans la zone de contrôle, De plus No chez Man's Land, toi, plus chez moi. et s'il y a que chez toi, c'est 2 points en fait. Oui, bon, là, normalement, ça devrait être faisable. Ok. Attends, attends, non, c'est ça. Attends. Ou que t'as que chez dans un qui c'est avec eux, un dans No Man's Land, c'est que 2 points en fait. Ça. Et si j'ai celui de No Man's Land plus chez moi, c'est 5 points. C'est 5 points, voilà. Oui, bon, c'est bon. Alors déjà, je vais faire remonter mes totors. Jamais dire voilà, facile, c'est bon. Non, mais... Jamais. Allez, lui, il remonte. Ils veulent payer très cher. Ah, les démons. Mais non, oh là là. D'ailleurs, on va le faire remonter plutôt de ce côté-là. On sait quand il y avait un mec qui avait perdu un PV, je sais plus lequel c'était. Ah non, c'était Oui, le. Ah c'était non, c'était lui. le. Non, Oui. non, le mien, c'était l'escouade qui est morte en Il fait. vient d'avoir Ah oui. l'œil sur lui. L'œil, je l'ai eu tour, hein, d'accord. Maintenant, je le veux plus. Mais il a anti-psycheur sur le 4+. Voilà. Et je joue Kaldor. Kaldor me prémunit de ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a des piqueurs, quoi. Allez, parfait. Très bien. Alors, début de la phase de mouvement. Double œil sur la scoumoune sur lui. Là. Comment il invoque l'œil? C'est lui qui invoque l'œil tout seul, comment il rend? C'est toi qui t'invoques l'œil en me disant que moi je m'invoque l'œil, ouais. C'est toi qui fais que. C'est toi qui fais ça. Moi je ne fais que la puissance de l'Imperium à la fois. Ouais, c'est vrai que contre du custo, eux non plus l'ont pas, genre. C'est là-haut ça, c'est pas ici. C'est. Ouais, nous on a l'Imperium de notre côté, monsieur. Allez, comme ça il va pouvoir faire sa capacité pour t'enlever plein de points de vie. Hop, le triple œil même, tu vois, là je passe en triple monstre. Triple œil. Alors, ça. Oh, j'en avais oublié un. Ah, mais tiens, Là, il y a un tu me l'aurais pas dit, ça, double. J'ai même pas fait gaffe. hein? Ouais. Faire gaffe, ouais. Là, tu auras la priorité pour taper sur eux. Je vais te taper avec eux. Et le truc, c'est que je peux juste utiliser ma capacité. Quand tu montres, Il aura la priorité pour taper avec. idéalement, il faut montrer. Ouais, ok. Il aura la priorité pour taper avec les Custodes, les Warden, là, sur mon gros pack. Mais moi, je vais avoir la priorité pour taper avec mon Librarian et mes autres Totors. Sauf si je fais faire ça. Pour deux PC. Mais si tu fais, oui, moi, ça me va. Parce que tu me tues celui-là et que lui puisse te taper, ou que tu me tues celui-là et que lui puisse te taper, ça revient stricto Je préfère tuer sensus. ça quand même. Oui, après, je pense pas que tu le tueras là. Ok. Allez, De toute façon, là, j'ai phase de réserve. Il faut absolument. Bon, lui, je le contrôle. Et là, j'ai beaucoup d'OC quand même. Donc, je peux ne pas tenter le diable et juste rester comme ça. Il a dit diable! Phase de tir. Est-ce que on ferait pas venir juste lui là pour te sniper ton petit gars? Ou alors, je te tue. Non, il faut que je t'amoindrisse cette escouade là. Allez, on fait venir ça ici. Ils peuvent advancer ses charges? Non. On va se mettre pile à 18, comme ça, ce sera une bonne charge, bien longue, monsieur. De toute façon, je pense là, c'est pas le but d'aller là-bas. C'est pas dans les Sait-on plans. jamais? Sait-on jamais? Et eux, je vais attendre un peu, parce qu'ils peuvent jouer Je quelques crois que blagues t'avais pas encore. fouillé. Non, eux, je vais les faire venir, et je vais les mettre. Est-ce qu'ils peuvent pas tirer quelque part? Je vais les mettre Oui, t'as encore là. des trucs, toi, c'est vrai. Oui. Ils partent, ils viennent, ils Je partent, vais ils viennent. les Ça mettre part, ça là revient. Ça s'en va et ça revient. pour potentiellement me faire une advance auto et venir gratter ça s'il faut. Gratter l'objectif central. Ou alors je les mets carrément là-bas. En fait, c'est carrément mieux de faire ça. Histoire que tu sois obligé de garder des unités là. Sinon, tu me donnes l'objet. Facilement. Bon, après, je suis GK, je pourrais faire. Je pourrais le prendre de toute façon. Ouais, non. Je suis GK, je vais le prendre de toute façon si J'ai je veux. les motos au cas où qui peuvent aller là-bas aussi. Ouais, et puis je vais plutôt le faire venir là, en fait. Comme ça, je pourrais charger un peu ce que je veux. Parce que, quand même, ce pack-là, c'est entre 15 et 18 attaques. Force 6, paire moins Ça? 2, dégâts 2. Non, celui que je vais mettre Ah oui, là. d'accord. C'est pas si mal, tu vois.
Allez, on se met à plus de 18, histoire de pouvoir charger à 6 et de pas se faire charger. Enfin, de pas pouvoir se faire tenter une charge. Ok, bah, je crois que fin de phase de réserve, je vais tirer quand même là-dessus. Avec lui. Est-ce que je déclare un truc? Non, j'ai rien déclaré. 3, 4, 5, 6, c'est bon? Le Warden survit. Ouais. Il survive pas. Allez, ça touche à 3. Force 10. Ouais, j'ai rien de spécial, donc sur du 3+. Ouais. Allez, 4 sauvegardes, s'il te plaît. PA-2. Ah, il y a recouvert en plus. Ah bah voilà! Mais il suffisait de demander, là! Ouais! Ouais. Mais voilà! Donc là, il y avait un qui avait déjà perdu un PV. Ouais, ouais, j'aurais dû faire le lancement de dégâts. Et je vais faire sur deux qui vont partir sur le, lui, parce qu'il a 4 PV, sur le bouclier. Très bien. Donc il va tanker un plus, et ça se fait juste mourir un autre. Celui-là. Non. Ça me va, monsieur. Là, normalement, je suis toujours en couille. Les lance-flammes, ça fait 6 tirs. 4, 6. Ouais, force 6, ça blesse à 4. Bah, c'est stat. T'as toi 3 sauvegardes, PA-1, monsieur. Là ? Ouais. Et du coup, ça change, parce que là, du coup, j'ai... C'est bon. Allez. Bah, de toute façon, ça va pas de regret, les lance-flammes n'auraient rien fait. C'est bien, ça. Mais du coup, sachant ça, c'est sûr que là, je l'aurais laissé, il aurait chargé. Mais bon, tu peux pas toujours... Je peux faire un mec à 2 et après monter ma distance. Comment? Je peux faire hip-hop un mec à deux, là. Je peux faire hip-hop, là, ici, déjà, notre agent. Donc, non, t'as pas eu l'occasion, je les ai pas vraiment ouais, c'est vrai. Entamés. Mais par contre, j'ai ma capacité ici, donc soit je le fais sur eux, soit je le fais là-dessus. Oh, je pense qu'on va viser ceux qui peuvent taper, quand même. Mais franchement, c'est une charge à combien? C'est une charge à 6. Ouais, mais je suis trop gourmand, là, peut-être. Moi, je dis, t'es là pour le beau jeu. Et là, il va fight first. Il te reste 2 PC, c'est ça? Je peux fight first avec Trajan de base et je peux fight first là. Ouais, non, mais la capacité là-dessus. Ouais. Allez, 2d3. Non, mais oh, 6, monsieur. C'est quoi ça? C'est 2. Ils prennent 6 BM pour l'instant. D'accord. T'as 6. Non, parce que nous, on est courageux en cuistot là, ça se voit que les GK. Voilà quoi. Ah, bah voilà. Ouais, bah ouais. Ah, putain, c'est fait. Il a fait 6, 4 plus. Super. 4 et plus, j'ai fait des 5, j'ai fait des 6. Et je vais quand même faire les tirs de cette escouade là-dedans. Parce que la capacité, ouais, je l'annonce avant ou après, on s'en fiche. Ouais. C'est une capacité. Oui, parce que c'est une capacité. La blessure d'Eva, en fait, c'est ça que j'aurais dû faire. Bon, j'ai mal joué là. Une touche, rien. Bon, pas de regret en fait. Et le lance-flamme de l'escouade. 4, 2, 3, 4. Allez, 3 sauvegardes PA-1 dégâts, s'il te plaît. C'est bon. Et les Bolter Storm, donc 4. 4, 4, me touche à 3, classique, et ça blesse à 5, effectivement. Allez, une sauvegarde. Ouais, bah ouais, j'en étais sûr, je l'ai pas dit, je l'ai et pensé. Du coup, j'aurais clairement dû faire tirer cette unité avant et faire tirer ça après, j'ai été extrêmement bête. Arrête. Tu l'as coupé en pleine chouine, c'est... faut pas faire ça. Ah non, pardon, vas-y, reprends. Non, j'avais fini, c'est bon. Non, c'était... reprends, vas-y. Alors tu étais en train de chouiner. Ah ouais, mais en fait... J'étais chouiner. Carrément con, parce que... Bah oui. J'aurais juste... Ouais, non, mais j'avais aucune connaissance qu'ils allaient tous crever aussi. Mais là, je peux te couper tout... Je peux en faire ou pas un mec, donc après... Mais tu le ferais pas quand? Phase de co. Oui, à ta phase de co. Oui, mais si... En fait, ce que je dis, c'est que j'aurais dû rester autour de toi. T'as ce maté de tir, mais je pensais pas, vu que depuis le début de la partie, je rebondis sur toi, je me suis dit, je vais t'en tuer un. C'est parce qu'il utilise son Kinopain. Oui. Une fois qu'il a utilisé une fois, c'est plus la même. Bah, en fait, c'est pas... Ouais. Le but du jeu, quand tu joues plus tôt, c'est forcé. J'ai toujours Kinopain. À faire ses Kinopain pour que. Ouais, ouais. Ok. Donc, c'est le ça. Reste alors. Là, ça peut pas tirer parce que je suis dans le cac. Non, c'est bon, là, ça va charger, hein. Non, on va charger ça, écoute, tant pis. On va essayer de tuer un maximum de trucs, tu perdras tes PC, et puis ça, bon, bah oui, tu me raiseras, mais. Et j'ai tout le reste qui pourra venir. Bien, je vais fight first. Hein, 4 et très bien. Bah écoute, charge. Là, c'est une charge auto. Hein, ouais. Je la fais quand même. Pour voir tes placements. Ah, oui, 5. Donc, ouais. En fait, c'est jusqu'à où je suis obligé. Lui. Ouais. Donc ça fait lui, il vient là. Oh, les socles. Avec des pics. Autant c'est joli, autant c'est casse-couille. Lui. Et lui tient sa lance aussi. Non, les gars. Ouais. Je vous laisse. Il faut que j'aille commencer à préparer le miam. Très bien.
te laisse le power. Le pouvoir. Et s'il y a besoin, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que tu veux fight first? Ouais, je vais utiliser mes deux PC. Et bah moi, je vais claquer mon PC pour l'armure de contact. Très bien. Sur l'unité que tu cibles, évidemment. Oui, bah je vais tout mettre dans l'escouade, je pense, de Drago. Essayer de faire maximum de dégâts. Parce que très bien, mon monsieur. Sinon, il y a quoi? Il y a quoi, le psycheur là-bas? Ouais. Ouais, parce que c'est lui qui a la capacité, tu peux la faire au corps à corps aussi. Ouais. Oui, ou après, tu. La capacité compte du. Là, j'ai pas tout tué en fait. Même si ceux-là, je pense, ils vont pas tout tuer l'escouade de Drago. C'est alors que là, je début peux. Du tour pour toi, Non, pour moi. C'est moi qui ai le tour. Je vais faire sur. Ouais, en plus, quoi, il y aura Warrior Content. Pour être sur une... Ouais, je vais faire sur cette escouade là. En plus, comme ils sont plus sur l'objectif que les autres. Ouais, donc, c'est non, c'est la même chose. Ouais. Ok. Quel kata je vais mettre? Est-ce que j'ai envie de tanker là? Parce que. Ouais, j'ai envie de tanker. Ça sera toujours. Je mettrai kata moins un hit pour essayer de tanker un truc, parce que j'ai un truc en tête s'il survive. Mais je pense pas qu'il survive, parce que je peux être moins un blessure. Ok, ouais, je vais mettre kata moins un hit quand même. On a dit qu'on avait le droit à rollback, tu m'autorises ou pas? Oui, pourquoi? En fait, je viens de réfléchir, eux, je les mets pas du tout là. Ah oui, pourquoi? C'est bon. Oui, non, c'est rien de. En fait, c'est juste que je les fais fap ici, ils tirent dessus et je les mets là. Ouais. Je sais pas où il est ton le dé. Oui, vas-y. Parce qu'en fait, si je fais ce que je fais, ouais, il sert à rien. Mais si ce que je fais là, bah en fait, ça te offre un choix. Donc soit tu me les gères, mais d'un autre côté, enfin du coup, c'est complètement débile de pas le faire. Et en fait, ils vont tirer sur eux. Bon, après la phase de tir, si tu veux, on la fait pas, je m'en fiche. C'est juste pour le fait qu'ils aient tiré, parce que comme ça, voilà, ça change rien. Et en fait, juste après, ils bougent à 6 pour prendre l'objet. Ouais, non, je comprends. Ok. Donc je vais bon, ça, je vais commencer à faire un truc. J'utilise bien sûr le profil avec mon blé de champion dégâts 3. J'ai 5 attaques. Et là je touche à 2, c'est bon. Force 6, donc blesse sur du 3+. Hop, t'as 3, à faire moins 3 dégâts de 3. Ouais, tiens Marc. Tu peux le remettre à charger s'il te plaît. Donc j'ai combien? 3 sauvegardes à faire moins 3 dégâts de 3 là-dedans. Sur les squads du Librarian. Ouais. PA moins 3, dégâts 3. Ouais. Donc sur l'invu. Eh ben j'ai. Dégâts 3. Ouais, dégâts 3. J'ai 3 morts. Donc 3 morts pour cette escouade. Et après, j'ai encore le. Ceux qui peuvent taper dedans, parce que c'est laquelle escouade? Il y en a ils un mec. 1, 2, 3, 4, 5. Et le reste, c'est l'autre. Ouais, de toute façon. Sauf moi j'avais dit que je mettais tout dedans, donc c'est que maintenant c'est trop tard. Oui. Donc, et les soucis sont tous au classoc en plus. Oui. Avec. Ouais. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Tu m'as mis quoi comme kata? 4, moins un hit. Ok. Parce que plus ou moins je savais que j'allais vraiment te tuer cette unité là. Bah franchement je pensais réussir au moins une sauvegarde en vue. 4, 5. Ok. Touche à 2. Encore? Oui, pardon, excuse-moi. Pas de soucis, il me semblait. Blesse à 3. Je sais pas de reroll. Tac. Ouais, et je crois que c'est bon. Non, c'est bon. T'as tout ça, de paiement 2 dégâts 2. Donc paiement 1 dégâts 2. Sauvegarde à 3. Allez les copains, donc je perds mon dernier mec, et je perds 2 points de vie sur le chef. Là aussi, il y a ça. Ah, je perds 4 points de vie sur le chef. Il va taper? T'as plus rien à taper là? Non, j'ai plus rien à taper. Putain, je suis deg là, si j'avais survécu un petit peu. Eh non, tout file pas. À moi? Donc le chef. Moins un peu touché, bien sûr. Ouais, il touche à 4. Force 6, endu 6 endu 6, ouais. Du 4. Ouais. Allez, les autres maintenant. 4. Les autres, par contre, là, 6. J'ai déclaré le, mon, 4, mon Fin Open à 4 il y a, sur les Warden. Ouais. Et je vais utiliser. Pas, je ne vais pas utiliser mes DPC parce que j'ai déjà fight first. Donc c'est bon, j'ai Fin Open à 4. Touche à 2. À 3, pardon. C'est sur Kaldor. Ouais. Force 8. Moins un bless. Parce que c'est les Warden. C'est quand tu tapes avec une force plus que mon endurance, c'est moins un bless. Donc à 4. Non, à. Oui, à 4. Putain. Oh là, quelle horreur. Sauvegarde. Ah, PA combien? Moins 4. 3 points de vie. Bah, ça fait un mort.
Pas la bannière. Et du coup, les autres, ils sont 7, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, je vais quand même. Oui, non, mais de toute façon, ils étaient tous. Que, oui, je t'ai trompé la bannière, en fait. Très je bien. Je la fais rip-hop pour récupérer l'objectif après. Si très bien. Et du coup, les autres, 7 fois 4, 28. Je pourrais pas récupérer l'objectif. 8, 10, 12, 14, on va faire ça fois 2. Je vais pas faire c'était les bannières. Non, je vais décider. Ouais, vas-y. Parce que c'est pas ça que je vais faire tout à l'heure. Alors, là, ça fera 4 blesses. Après, c'est sur du 4. Ouais. Blesses à 4. 5 blesses pour la première. Ouais. Ici, il tape à combien pour ce 6, c'est ça? Ouais. Donc 5. Ensuite 5 plus 3 blesses auto. Plus 4. Donc ça fait 9 sauvegardes, PA-2, dégâts 2. 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai oublié les finopaines de mon. C'est vrai. Ah oui, bah. C'était du dégâts. C'était des dégâts combien? 3. 3. Donc, en fait, 2 points de vie. En fait, il revient. Pour l'instant, je le mets là, il reste à 1 PV. Et donc, j'ai tout ça de sauvegarde. Ça. Ouais, sur ton invu. Donc, ça, je les invu serrés ici. Celui qui a. Je vais rajouter. Ça, je vais mettre là. Ça, c'est celui qui reste 1 PV. C'est moi. Toujours celui. Il meurt. Et là, je peux les faire 2 par 2. Donc, un qui meurt encore. Super! Vraiment le custo quoi. Donc celui-là qui meurt et. Quel plaît. Ouais. Je vais faire celui-là. Très bien. Ok. Et enfin, du coup. Ouais, du coup, c'est bon. Du coup, j'ai fini. J'ai un objectif dans la zone de No Man's Land et un objectif dans la zone de déploiement. Donc ça fait 5, je crois. Et l'autre, c'était quoi déjà? Je me souviens plus. Oui, ça. Areal Dinol. Ah oui, bien. Bah, je suis à terre moins de ouais. 3. Donc, ouais, j'aurais pas dû faire partir le système. Quoi, même si j'étais là, ça. Oui, ça change rien parce que de base, au début du tour, ça. T'étais oui, pas dedans. Ça change rien, ouais, voilà. J'étais pas dedans. Et je score à combien ça? Ça, tu scores un minimum, ça. Tu scores à 3. C'est donc, 3 et 5. Ouais. 3 et Extend Battle Line, c'est ça, tu scores à 5. Ok. Donc, moi, je score. Moi, j'ai. Ben, j'ai pas là. J'ai là. T'as là, tu scores 5. J'ai que ça, ouais. Ouais. Ça va pêcher au primaire. Défense Stronghold, je le marque. Donc là, je retire pas secondaire. Si je le marque, mais je retire pas de secondaire. Ou je... Bah si, tu retires un secondaire. Oui, donc ça... En fait, je le marque et après je tire le secondaire. Ouais, ouais. C'est ça. Parce que c'est à la fin de mon tour à ouais. Moi que tu le marques. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié de faire repartir mon terminé en fait. Très bien. Je le mets là pour pas l'oublier. Du coup, tu prends 8 avec Défense Stronghold. Il prenait juste un plus 3 de ce qu'il avait ouais, actuellement. Plus 3 là. Ouais. Ouais. Extend Battle Line, Investigatinal. Bah, j'ai bien fait de faire partir mon thermi. Ok. Donc, Extend Battle Line, c'est avoir deux objectifs dans le No Man's Land. Extend Battle Line. Extend Battle Line. C'est un chez lui, un dans le No Man's Land. Ouais, c'est ça. Ok. Et Extend Battle Line et l'autre. Moi, est-ce que j'ai un truc à faire en phase de co je vais récupérer mon PC. Là, on est tour 4. Ouais. Ok. Battle Shock, là-bas, non, je suis 3. Donc, 5, 4. Je suis 4, c'est bon. Mmh. Et là, pareil, je suis moins de. Je suis à 3, au lieu d'être à 6. Donc, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que t'étais à 6 de base. Ok. Par contre, fais gaffe, t'as pas du tout ta cohésion d'unité, là. À 2, on était pile à 2, en fait, avec le truc que j'avais testé. Avec le quoi? Avant que j'ai bougé entre temps. Mais... Ah ouais, putain, 2 c'est énorme non, en fait. Ouais, en fait, j'ai bougé les sorts qui sont transparents. Ouais, tout à l'heure, en plus, ouais, j'ai. Parce que là, viens voir, Marc, j'ai l'impression qu'ils sont à. Ouais, mais... Ouais, en plus, t'étais là tout à l'heure quand j'ai fêté la cohésion et en plus, j'ai bougé un peu de trajan sans faire exprès. Je l'ai touché. Non, mais quoi. C'est bon, t'avais fait tout ça. Ouais, c'est juste, ça m'a fait super bizarre. Transparent, ouais, c'est vrai que ça paraît énorme. Ouais, ça paraît vraiment immense, ouais. Ok. Phase de move. Je vais juste les bouger là pour qu'ils soient dans les 9. J'ai rien d'autre à faire. Oui, c'est ça, j'utilise un PC pour. Ah oui, de toute façon, c'est pas grave. Même au cas où, si on n'est pas sûr, je fais ripop un mec. Est-ce que je fais ripop là? Oui, je vais faire peut-être ripop dans Trajan. Un garde.
Regarde, il n'y a pas la Vexilla parce que ça tape moins fort la Vexilla. Mais ça donne plus d'OC. Donc au cas où, voilà, je les mets là, comme ça, il n'y a pas de bisbis. Ok, ça marche. Ok, donc 9 pas, ça fait là. Toc, 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 toc. Hop. On va juste un peu bouger là. Tac. Tac. C'est dur, hein. Autant, autant je peux faire des trucs, autant dès que j'essaye de. De charger, je me fais empaler en retour dès qu'il déclenche ses trucs. En fait, le GK c'est chirurgical et lui il empêche la chirurgie, le fait de chirurgical. Le Finopé d'un 4 là, en du 6, ça veut dire que toutes mes armes blessent à 4 plus. Au tir et au corps à corps. Ouais. Ah non, c'est dur, hein, mais bon. Donc ça fait faire des choix aussi. Je vais quand même mettre mon terminal. C'est à combien de. C'est à 9 pas 6 ouais, pas c'est à 9 pas. 9 pas. Le quart là, le truc où tu dois poser. Comme ça te fait faire un choix avec le truc parce qu'il y a ton objectif qui est pas loin. Ouais. Lui fera la bastigade finale et là-bas aussi. Là, j'ai pas fini à phase de mou, mais c'est pour pas l'oublier. Hein. Ouais, c'est, ça me va. Les motos qui vont bouger de 12. Est-ce que je fais. Non, turbo boost, je suis un peu loin. Bon, on veut les close. Distance de. Là. Petite queue le. Je vais faire ça. Pas oublier que là, il y a un objet aussi. Ça c'est fait. Eux ils vont désengager. Je peux désengager et charger avec cette unité là. Alors si tu désengages, je peux FEP. FEP si tu veux. Oui, non, je te, pour te prévenir. Pas de son, même si tu FEP, pas de son, même si j'avance. Non, parce que je suis au corps à corps. Ah d'accord. Ah, au corps à corps, tu peux pas le faire? Non. Mais si tu désengages, c'est un mouvement, ça fait partie du. Ah ben en fait, je vais pas le faire alors. Ouais. Ben, je croyais que tu pouvais le faire tout le non, temps. Non, c'est en pour fait. Ça que je te le dis. Non, non, ben non, ça serait pété. Parce que je sais que le cristal de. Oui. Les trucs, ils peuvent le faire au corps à corps. Alors qu'en V9, tu pouvais pas le faire au corps à corps. Quoi. C'est. Mm-hmm. Donc je vais bouger. Hop. Vas-y, ça fait ça comme ça, on s'en fout. Votre agent, il va être derrière là. Ah oui, mais j'avais. Ah non, c'est l'interview qui était mort, ça va. Ouais, ça revient même en fait. Thermique est là-bas. Ok, mais donc je vais pas bouger. Et voilà, on va faire la phase de tir. Ça va être vite fait. Bon, les thermiques vont pas tirer. Ça va pas tirer, ça va pas tirer. Parce que si là je t'enlève un mec, tu vas mettre ma charge plus loin. Non, ben voilà, je ne tire pas. Ça c'est vite fait. Ma phase de charge. Allez. Là il y avait une moto qui était un PV. Attends quand même que je. Oui, non, non, vas-y, vas-y. Fais. Ok, je vais charger ta Starry Squad avec les motos. Heureusement que j'ai bien fait de. Ça fait 6, ouais. J'étais à 6 piles, donc c'était une charge à 5. 6, c'est plus pratique. Bon, ça fait mal au corps à corps ces trucs, non? C'est comme les gardes, sauf que j'ai plus un bless en chargeant. Oui, bon. Après, peut-être qu'elles ne pourront pas toutes taper avec le mouvement de piling. Bon, après, je vais là et lui. Elle, j'ai décale. Ouais. Socle à socle avec là. Elle, j'ai. Et ça marche sur les socles à socle des véhicules? C'est pas un véhicule, ça. Ah, bah, pardon. C'est les montées, c'est les motos. Ok, et ça fonctionne. Bah, j'ai jamais joué contre ou avec. C'est un. C'est comme si c'était une figurine normale. Ok. Ouais. Comme tout à l'heure, on a fait, tu sais. Parce que les socles paraissent si gros que. Ok, ok, ça marche. Ouais. Et même en fait, j'ai juste besoin un peu de décaler comme ça, de 3, c'est. Ça, bon, regarde, ça marche. 3, c'est énorme en fait. Je peux. Ok. L'escouade de Trajan. Qui va charger. J'ai pas déclaré libre Ariane. Je vais charger celle-là parce que, tant si je déclare libre Ariane, c'est une charge de merde. Je pourrais pas charger celle-là. Et au cas où, en me démerdant, je peux peut-être faire un piline et contacter libre Ariane. Ouais, voilà, heureusement. J'ai fait 5. Ouais, je pense que ça marchait. Hein. 5, 5, 5. Trajan. Trajan, je vais le faire venir par. Ce Trajan, il peut pas se venir en contact socle à socle. Hein. Donc, qu'il arrive, Trajan, je vais taper cette unité-là. Donc, je vais faire ça. 5, j'ai oublié de mettre en contact socle à socle. Aussi. Donc, non, j'ai oublié de tout mettre en socle à socle. Là, hop là, j'ai oublié de faire ça. Je peux pas faire de petits tricks comme je voulais, mais bon. Ouais, une petite charge un peu plus longue, ça aurait été un peu mieux peut-être, mais voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Là-bas, j'ai plus rien, je peux pas charger. Ok. On va commencer par là-bas. Ça va être... Ouais. De toute façon, tu peux pas interrompre, attends. Non, non. Attends, t'as combien de PC toi? J'ai un. J'ai mal compté, je sais pas pourquoi, j'ai putain 4. C'est moi qui. T'as Trajan qui va taper, et après je pourrais taper avec eux. Okay. Elle va décaler, voilà, à 3 pas, je peux même me mettre là, en fait, je vais faire ça. Et 3, regarde, c'est... je
on est largement sur le. En fait, moi, la règle que je connaissais pas, c'est est-ce que ça fonctionne de pouvoir taper quand tu es au socle d'une figurine qui elle-même est au socle? Parce que pour moi, c'est des socles tellement gros que je savais pas si ça fonctionnait ou pas. Moi, quand j'ai joué contre de l'orque. Mais ça marchait, c'est pas bon. Ouais, ouais. Ouais, ça marche. Ouais. Ok. Oui, quel kata j'ai utilisé? Kata sustanite. Bien sûr. Ok, ben, je vais quand même claquer. Parce que là, en réfléchissant un peu, là, il y a Trajan qui va taper. Trajan, lui, ignore l'Army of Quantum. Donc, ouais. Cette unité-là, je pourrais pas le faire. Ouais, non, je vais le claquer là-bas. Très bien. Je sais pas sur quoi tu tapes. Oui, tu sais que t'as commencé à activer tes motos. Les motos. Ah putain, mais en sachant ça. Oh, mais je suis trop con. Non, mais vas-y, tu veux faire quoi, tu veux. Non, en sachant ça, je les aurais enlevés. Parce que, mais tant pis, ça c'est trop. Hein, ça change trop le truc. Ça change un petit peu là. Vas-y. Ok. Ouais, j'ai complètement oublié. Sustanite, donc là ça fait ça. Et j'ai pas d'autre. Ah oui, j'ai un 6 en plus. Mais tu regardes, t'as des 1. Ah oui, j'ai le 1, ok. Bah, ça fait. C'est quoi? Je t'ai enlevé un 1 qu'il y avait en trop, mais je crois que c'est toi. Oui, mais en fait, il faut que tu le remettes parce que j'ai eu 2-6 en fait. Okay. Même 3, ça si marche. Regarde, j'ai un... Ah non, je crois que c'est en boule. Mais du coup, il y avait 3-1. En tout, si t'as fait 3-6, c'est bon, ça annulé. Ouais, donc. Attends, j'appelle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Très bien, ça c'est les motos. Les motos. Force 7, mais plus un bless. De plus. J'ai pas de reroll. Bah, t'as tout ça, de PA moins 2, dégâts 2 aussi. PA moins 1. Ah, ok, moins 1, pardon. PA moins 1, sauvegarde à 3. Allez, les gars. Dégâts 2 à chaque fois. Oh putain, tout pile. Oh, vas-y, j'aurais tellement. Bah, non, j'ai pas le. J'ai plus PC. J'aurais tellement dû les enlever, putain, mais j'ai complètement zappé que Trajan il faisait ça, quoi. Oh, il a fait quoi Trajan en fait? Non, c'est pas Trajan là qui. Si, c'est Trajan en fait, ah. il fait que l'armure of contempt, les gens qui tapent, ça l'annule pas. Enfin, genre, il annule l'armure of contempt. Du coup, moi j'avais gardé une PC en me disant, ben je vais faire tanker eux. Mais pas du tout, je les aurais enlevés, enfin bref. Il a donné ça en début de phase de. Non, c'est un buff qui donne, mais j'avais oublié. C'est comme comment il s'appelle, Mortarion, tu sais, qui fait son truc en bulle et tout, qui ignore bless, machin, etc. Voilà, comme ça, un modificateur au G, c'est pas un modificateur à la sauvegarde en fait. C'est très con. Bah vas-y. Un Trajan. Voilà, bah de toute façon je compte sur classe log, donc j'ai rien à changer. Ok, donc je vais commencer par Trajan. Là je vais activer son profil 12 patates. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, je suis en sustanite. Heureusement. Là, tac, tac, tac. Et il me faut. Voilà, ça s'égalise. C'est bon. Ok, force 10. Allez, 2 plus. Sur du 2 plus, reroll. Parce que je suis sur un portée d'engagement d'un. Oui, je suis à portée. Oui, l'argent, je suis sur un objectif. Oui. J'avais un doute. Donc voilà, t'as tout ça de PA moins 2, dégâts 3. Ouais. Allez. 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts. Pas mal. Il reste 2 totors. Ah, je suis dépité. Là, ça me semble trop. Là. Mon erreur, là, elle me coûte tellement. 1, 2, 3. Ah oui, il y avait 10 là. Ouais, j'ai 3 mecs qui peuvent taper. Ouais, fight first, ignore les modifs. Enfin bref, bon, j'ai mal joué. Ça. Et un 1, un 6, ça va là, et je rajoute un, bon, ça s'équilibre encore là. Celles que j'ai perdu, je les regagne. Très bien. Sustanite. Ok. Force 7, donc c'est sur du 3 plus. Ouais. Les rolls. Évidemment. J'ai pas de besoin, c'est bon. T'as tout ça de PM2, dégâts 2. Allez, hein. C'est la même invue que sur le Caldor Drago aussi, il n'y a pas de truc spécial, pas de Open. Non. Un mort, deux morts, et 4 points de vie sur Caldor. Il n'avait pas perdu de TV, lui, hein. Non. C'était lequel que je t'avais fait des attaques de sniping dessus là. Bah c'est aucun. Ouais, on est, c'était avec mon Bloodblade champion, c'était sur une unité là, je crois que c'était sur une unité de thermique que j'avais tué. Ah oui, pour essayer de tuer les Librarians tout à l'heure, je crois. Bah, je crois que t'avais rien fait, ça me dit rien du tout. Ouais. Cette histoire. J'ai utilisé le profil de Snappy, mais après, franchement, j'ai pas fait. Ok. Bah, là, c'est bon, bah, c'est à toi de. Attends, je vais. Juste un truc, les gars, s'il vous plaît. Pour relancer les dés. Faites pas ça.
Ah oui. En fait, je viens de l'écouter là. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Ok. Ok, ok. Juste très bien. Je les prépare. Ouais. C'est parce qu'ils les avaient là, ouais, c'est vrai que. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Bah, quand c'est serré, on fait ce genre de trucs et c'est vrai que c'est bête. Ouais. Non, oui, de toute façon, tu vas consolider parce que je suis à portée d'engagement là. Voilà, là je peux. Non, je parle de. Sur Caldor. Ouais. Je suis en train de vous préparer un repas, les gars. Ah, bah tant mieux. Bon, t'as plus de Philopane. Ouais, en plus, Caldor, tu peux pas. Bah, si, je suis toujours sur Philopane encore. C'est jusqu'à la fin de la phase. Mais non, c'était le tour d'avant, le film No Pain à 4. Ah oui, ça y est, autant pour moi. J'allais dire, putain, c'est fort. Allez, 4 sauvegardes. C'est, t'as compté moins 1 pour blesser aussi. Ouais. Donc j'ai pas moins 1 touche, 4 sauvegardes. C'est Scalar Argo, c'est ça? Ouais. Oh là là. Oh, là. Oh mais c'est trop, là, son truc. 5-5-5. Oh, comme tout à l'heure, quoi. 20... Ah là, j'avoue, bon, j'ai chassé, c'est... quoi. Ok. Ouais, ça me coûte la game ce truc, hein. Je sais pas si je vais réussir à faire un truc au truc, mais là ça devient très chiant, c'est dommage. Ok, il est champion, tu vas taper. Ok. Il a... J'ai une figurine. Il a combien faire des secondaires. Il a pris, il lui reste 3, mais je vais l'enlever. Ouais, donc je suis là-bas, je peux taper avec le gros profil. Y a ah oui, juste tu split comment? Parce que du coup il y a lui quand même. Bah ouais, c'est pour ça. Donc lui. Lui, tant qu'on... avec la, le piline, je peux mettre là en compensation avec la socle. Là, j'étais pensé au glaceur, donc je peux faire ça. Lui, en fait, il va taper là-dedans. Enfin, lui, le Blade Champion. Pas le Blade Champion, le Warden. Ouais. Le Blade Champion, comme. Je peux mettre. Ah non, non. Non, je peux pas taper que là, en fait, avec le Blade Champion. Donc, bah, non, le Blade Champion sera obligé de taper là. Ok. Enfin, à part si je fais ça, comme ça. Le Blade Champion, ça fait le socle. Là, c'est important le. Ouais. Okay. Donc, ouais, non, le Blade Champion, quoi qu'il arrive, ça va lui taper là. Je peux pas le. Faire ça. Ok, bah, ça fait le Blade Champion qui va taper là et les trois autres qui vont taper là. Ouais, fais-le, on sait jamais. Ok, Blade Champion, 1, 2, 3, quel profil j'utilise il a plus qu'un PV. Oui. Ouais, donc je vais utiliser le profil qui blesse le mieux. Hein. Le profil à 6 attaques. 4, très bien. 5, 6. Son, que ce soit PM-3, PM-2, tu t'en fous. Ah non, t'es, lui, c'est plus où. Donc ça change rien. Ouais. Ok. Sustainite. Tu vois, j'en ai juste un. PA-2. Pas quand même. Force 7. Allez sur du 3+. Ouais, c'est bon. PA-2, dégâts 2. Ouais. Allez. Ouais, non, cool, c'était que... sûr. Et là, j'ai 3 gars. 1, 2, 3, 4, 5. Et ouais, puis très long, toi. 4, 5. Ouais, juste ça. Et c'est là comme un con, j'ai trop bête, genre. Sustanite, sur du 6. J'ai juste un 6, 2 6 là-bas, et un 1 qui dégage. Force 7. Sur 3 plus. Ouais. Ok, ça va être demandé dégâts 2. Et je crois que lui, il est toujours sous l'arme. Ah ouais. Non, c'est là-bas que t'as mis en contempt, je confondais. Oui, oui, PA-2, dégâts 2. Ouais. T'as plus PC. Bah, tout pile, hein. Oh. Ouais, ouais, c'est tout. Toute la game, ça a été ça, toi. Tout pile, tout pile, tout pile. Putain, je. Bon, c'est pas grave. Très bien. Ah, désolé pour l'aider, je l'ai replacé. Ah ça, ouais, tu fais un petit peu de bruit. Souci. Alors. Et bah, du coup, tu. Ouais, bah, de toute façon, là, c'est. Bon, tu scores quoi exactement, toi? Ça, ça, ça. Deux secondes, hein, je regarde. Pas oublié, ouais, on peut remettre la ruine si on veut, histoire de. Alors, Investigate Signal, je marque à 4 points. 4 points d'Investigate. Et Extend Battle Line, oui, je le marque à full aussi, 5 points. Ouais. Ça fait 5 points. 36. Toi, tu marques. Bah, pas de je marque pas de primaire, je vais. Le truc, c'est que là, je passe même pas là, donc je vais hop, sortir là. Non, non, je peux plus faire revenir. Il me reste une Dread Knight de toute façon, donc. Donc là, bah, je récupère un PC. Toi, si tu récupères un PC. Non, je ne marque pas. Ouais, et je tire quoi alors? Alors, attends, ça, c'est pas moi. C'est moi, ça, c'est. Là, tu vas tirer Tempting Target et Overwhelming Force. C'est-à-dire me reprendre un objectif. Tuer, je crois, un truc sur objectif. Attends, c'est quoi, je comprends avec les deux. Ouais, détruire un truc sur objectif et me reprendre un objectif.
Tempting Target. T'as encore ta Nemesis. Hein. Ouais, ouais. Et t'as combien de C sur tes motos? Deux. Bah, c'est pour ça que je vais choisir un Tempting Target ici. Hein. Oui. Ça sera un peu suffisant de faire ça. Parce que tu peux me péter les motos largement, je pense, avec ta Nemesis. Ouais. Non, mais de toute façon, il faut que je te pète un truc sur un objectif. Je pense que le mieux, c'est ça. Hein. Ouais. Parce que aller au milieu, là. Oui, mais je dois pas te le reprendre, je dois te le péter. Juste. Oui, péter des trucs sur objectif. Oui, mais de toute façon, si je veux scorer un petit peu de. Qu'est-ce qu'on va faire? Je t'envoie la Nemesis, ce qu'elle fait, et voilà quoi. C'est... Ouais, ouais. Soit tu tentes une charge de chat à. Non, je à 9, vais... alors à reroll. Ou soit tu me tires dessus en essayant de les tuer. Après, il y a quoi d'autre que je. Ouais, mais t'as des persos à chaque fois. Oui, mais si je te tue, il te reste combien de mecs là? 3 et 3? Ouais. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. C'est quoi qui est le plus tanky là? Parce que les motos en fait, c'est Les squads de Warden parce qu'ils ont moins un bless. Avec des... Parce que toi, t'as c'est que des trucs à force. Ton petit canon, c'est force 10, donc je réduis à dégâts. Enfin... Et là-bas, t'es sur l'objectif? Non, je suis pas sur l'objectif. Pour son, il sert à rien cet objectif là. Donc c'est ça qui est le moins tanky. C'est les squads de Warden. Ah oui, non, plus tanky c'est Warden, et moins tanky, oui, c'est les gardes. En plus, il y en avait un qui avait perdu un PV. Donc à la rigueur, je l'ai fait FEP, et je fais faire le truc... Ok. Tu arrives à avoir une ligne de vue, quoi, sur... Ouais, bah ça après, qui est... à 24, je pourrais me mettre là, quand même, je l'aurais. Ah non, t'es au milieu. Et oui, je suis au milieu, et je suis pas dans la ruine. Ouais, c'est pour ça. Je suis pas dans aucune des ruines, donc là il y a mes motos là-bas, tu peux pas faire plat. Bah, okay. Et là tu peux pas avoir, t'as pas de ligne de vue ici normalement. Et parce que si je me mets là, je suis pas considéré. Ah, moi, si, je si, me, si. Je vois pas. Ah oui, par contre là oui. Oui, 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 tu dépasses. Oui. Autant pour moi, oui, c'est vrai que t'es. Non, je pense que le mieux que j'ai à faire c'est ça. C'est pour combien de points ça? Ça c'est, je crois que c'est. Attends, faut que je regarde. Il n'y a que ça à faire, donc Tempting Target. Ah non, Overwind Force, c'est 3 points unité et 5.2. C'est même pas terrible quoi. Très bien, allez, je vais claquer mon PC et je vais lui donner plus 1 à la touche. Ah, je savais même pas que ça existait ça. Ouais. Ah oui, c'est une fois que tu arrives de faible, je crois que c'est ça, c'est une fois que tu arrives de faible, tu peux donc tu advances. Moi j'ai un PC, je peux rien faire. Allez, touche à 2. Oh putain, mais c'est pas possible, je fais des 1 tout le temps, genre, ouais. De trage, en fait, ça. Ouais, force 10, en du combien? En du 6. Okay. Blesse à 3. 3 sauvegardes, s'il te plaît. Je vais d'abord en faire 2. Donc il y aura un mort. Et après, je vais faire nativement une. Et je vais la reroll, celle-là. Pour un PC, de toute façon mon PC vont plus me servir à grand chose. Bon, un autre mort. Ok, le lance-flamme. Allez, le lance-flamme. 5, 4, 5. Je la prendrai après, je sais pas où. Dans le warp. Ouais. Blesse à 4. Tiens, 3 sauvegardes. 3 sauvegardes sur moins 1. Ouais. Ah non, sur la 3. Ah, ça réussit. Tout est réussi. Et ben voilà, ça marche pas. Ouais, mais là, c'était juste nul, là, c'est trop dommage. Putain, mon tour d'avant, il est si nul. Ok, c'est... Mais ça, tu pouvais pas tout prévoir le truc. Donc moi, je vais marquer... C'est trop dur, en plus, il a tout sendu 1000, là. Sauvegarde à 2, touche bon, là, je marque que 10. Ah non, parce que ça, je l'ai pas. Ouais, là, je l'ai pas. Je l'ai pas, j'en ai que 2. Donc ça fait 10 points. Et après... Ah non, je suis en plus... Attends, je suis deuxième joueur. Oui. Et donc, ça fait que je peux venir avec... Parce que je peux me déplacer en fait soit ça ou soit le thermi là-bas ou... enfin, je vais juste ah putain ça. Mais c'est vrai qu'on est tour 5 en et plus oui. Attends, ah mais merde, mais bon. attends je vais voir d'abord ce que je tiens en secondaire. Mais j'allais restat un objectif pour essayer d'en avoir un autre. Je pensais qu'on était tour 4. Ouais, j'ai storm objectif hostile et mais ça va me le compter parce que je l'avais pas celui-là. Et après cleans storm objectif. Donc, c'est ça, c'est contrôler un nouvel objectif. Ouais, 10. Ah non, 15, oui, parce que je suis en deuxième joueur. Et après, je contrôle un objectif que je n'avais pas et que tu n'avais pas. Donc ça, storm objectif, ça marque, ça fait 5 points. Et cleans, je peux faire cleans là et cleans là. Mm-hmm. Donc je peux marquer 5 points aussi de cleans. Donc 10 encore. Ouais, 10. Bah, ça fait, j'ai fait 10 et 10, j'ai fait 20 en fait à ce tour-là.
Putain, t'as fait la même qu'hier soir, je crois, non ? Non, hier soir, de toute façon, il gagnait de... Non, c'est quoi ? Ouais. Oui. Non, c'est pas toi qui t'es remonté... Non. Ouais. Ouais, je crois que je sais plus, je crois que c'était plus ou moins... On se tenait à peu près plus ou moins, mais après... Ben, ah, trop dur. Dernier tour décisif, ouais. Non, ça fait un 12 avant-dernier tour décisif. C'est ça, 66, 60... Non, c'est pas quoi. 61 et 41. Oui, 66. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai 66, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le... Normalement, j'ai marqué 10, j'ai fait ce qu'il fallait, donc normalement, on est bon. D'accord, storm objectif. T'as mis 5 points de clean, 5 points de storm objectif. Et 15 au primaire. Le primaire, après, ouais, c'était secondaire. Défendre stronghold. T'avais marqué 3 points de stronghold aussi. Ça, ouais. J'avais marqué, ouais, ouais. Au début. Ouais. Mastigatine à 4, ouais. Normalement. Ouais, bon, je sais pas, bon. C'est pas ça qui est en ce moment. Non, ça change rien. Hein. Ouais, bien joué, très belle game. Franchement. Franchement, je pensais pas du tout. J'ai vu tous ces trucs et tout qui étaient des grosses némésis. Bah là, ouais, mais quand tu fais 2 points de vie sur 3 points de vie, franchement. Bah ouais, t'étais pas censé autant tanker. Ouais. C'est... Et ça change toute la game, c'est chiant. T'as beaucoup d'outils pour pouvoir breaker les stats et faire en sorte de survivre. Ah ouais, c'est frustrant parce que le truc. Touche à 2, blasse à 2, relance, perd moins de dégâts 2 ou alors de la déva. C'est pour ça que c'est pas fun. C'est pour ça que moi j'aime pas jouer en fixe en custo. Il y en a qui ils aiment jouer et ils y arrivent, tant mieux. Mais moi en fait j'aime bien jouer en tactique pour pouvoir avoir, tu sais, si je me défausse pour avoir un PC en plus et tout. Parce que comme tu dépenses des PC, mais ouais, ça, donc, et ouais. Donc voilà. Et du coup, c'était quoi un peu récapitulant le move qui a fait que tour 1, j'envoie toute mon armée et je lui fais 2 points de vie. Alors que je devais lui tuer son escouade. Mmh. Et après, il y a ça change tout parce que du coup, je dois retuer cette escouade que j'étais déjà censé avoir tué. Mmh. Alors que lui, il peut m'enfoncer, il s'en fout, quoi. Enfin, il a toute son armée. Ouais. Et il me tue trop de ressources et du coup, je peux plus trop scorer. Mais bon, c'est comme ça. Après, tu fais des plans dans ta tête, tu fais les stats, ça devrait passer, ça passe pas. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est le jeu. C'est un jeu de dés. Puis même là, tu vois, je lui pétais son. Enfin, ouais. Franchement, je pense que je vais péter son escouade. Et en fait, non, ça la pète pas. Parce qu'il fait 5 invulnérables à 4, un truc comme ça. 5 ou 4-5. Et donc, oui. Avec le moins 1 touche, le fin de paye. En fait, au bout d'un moment, t'es là, t'essayes de faire des plans. Je dois prendre en compte ses malus et ses bonus. Et en plus, ça chatte. C'était dur, mais voilà. C'est vraiment un codex pour enfants, le plus. Non, il y a quand même des trucs à faire quand même. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est pas très débile, permissif. Le placement, quoi, non plus. Oui, mais c'est permissif. Parce que tu as une sauvegarde 2, invulnérable à 4, une grosse endurance. En fait, c'est surtout ça. Parce que moi, je blesse à 4+ avec toute mon armée. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'avec 6 Dreadnought, peut-être que j'aurais fait des trucs. Après, le match-up natif aussi, il n'y a pas forcément avantage. Après, si tu as pas mal dedans, c'est aussi le truc que tu peux pas faire chez moi, justement. Ouais, voilà. En fait, j'étais bien caché là pour que tu puisses pas faire, même avec une faible native normale à 9, pour pas que tu me cibles les mecs. Et c'est pour ça que je voulais garder l'avant-dernier tour. Je sais même pas pourquoi j'ai bugué. Je voulais pas les mettre là et je savais. En fait, je suis revenu sur ma décision. Je t'ai dit, mais non, je devais les mettre là. Mais en fait, pas du tout parce que j'avais oublié les motos alors que je savais que les motos elles allaient venir les manger. Et je voulais te faire un truc où dernier tour. J'ai une advance auto, j'étais sur le oui, aussi, et puis en plus de ça, dernier tour, je voulais te faire la surprise de pouvoir venir là, te tirer dessus sur n'importe quoi qu'il y avait et te prendre l'objectif ou faire un truc comme ça. Enfin bref, j'avais des trucs à faire et j'ai complètement zappé. Je comprends pas ce qui s'est passé. Alors justement, ça va rejoindre la question que je voulais te poser. Première partie en live. Ouais. Tu vois, c'est pas si simple en fait. Non, après j'ai un peu oublié le live, mais sur les deux derniers tours, vu qu'on était un peu... ouais, voilà. C'est quand vrai, t'es dans la partie... Dit, hein. Quand t'es... Dit. Non, parce que tu franchement, je pense que là, on a 20 points d'écart. Peut-être que, je sais pas, j'ai perdu trop de ressources autour d'eux. Ça, c'est le prix de la pub, hein, voilà. T'as fait de la pub, tu dois perdre. Non, mais je perds trop de trucs autour d'eux. À partir de là, je pense que c'est trop dur de revenir. Je peux plus scorer comme je veux. Enfin, je perds 3 escouades, quoi, tour 2. Et encore, moi, j'ai pas pu scorer beaucoup de T1, T2. C'était intéressant. Ouais, c'était cool. Après, je trouve le. Ouais. Non, c'est cool, hein. Franchement, c'est très cool. 3 ans, maintenant, c'est un vétéran du live. Ouais. Ouais, c'est mon 4e, je crois. Ouais, c'est un vétéran du live. Ouais, non, mais c'est très cool, hein. Y a pas de. C'est ça, en fait, c'est là-dessus qu'il t'a eu. Ouais, c'est ça. Sur le mental. Non, mais même je lui dis des trucs aussi. Que, au contraire, des fois je l'ai aidé sur ces trucs et tout, je disais attention là, machin. Normalement, je crois que je t'ai dit tout ce qu'il y avait à dire pour et tout, j'ai pas fait de go de chat. Ah, mais Trajan qui annule l'armure of contempt, mais quelle horreur, quoi. Ouais. C'est vraiment ce mec fait tout, quoi, mais. Oh là là. C'est vrai que Trajan, je l'aime bien dans les gardes, là.
Ah, Trajan, c'est un... C'est pour ça que là, j'ai une liste où il ne sera pas dans les gardes. Une de mes listes L3, je sais pas, je vais voir. Ouais, parce qu'en fait, il joue une liste molle, là, parce que tu comprends. Il ouais. a gardé quelques trucs. Non, je te jure, c'est une liste que personne joue, ça. Dire, c'est... Oui, après, quand tu joues contre du GK, c'est bien d'avoir un truc quand il fait pas 12. En fait, j'en avais marre des Inceptors. Oui, voilà. Pas 3. Donc, en fait, à part les motos, à part les motos, et encore là, elles ont eu leur utilité, parce que c'est bien d'avoir plus de mobilité que tu. Ouais, regarde, à la fin, t'as vu, je peux me mettre là-bas. Bah, oui. Piquer un objo. En fait, je peux les garder un peu, tu sais, je me mets un peu derrière et tout, et après, à la fin, tu sais, je peux aller chez le mec et tout. J'aurais préféré que tu joues 3 mecs de, en plus, ou 4 bon, mecs. Bon, les gars, on va rester ouais. là. Ouais. Parce qu'il faut qu'on aille manger. Ouais. Ensuite, il faut faire la table, il faut enlever les armées, remettre de nouvelles armées. Ouais. Donc, ouais, faut bouger, ouais. On va bouger un petit peu. On vous donne rendez-vous normalement vers 14h30 pour la game suivante. Ce sera du Druk contre du SMC. Aïe, aïe, aïe. Ça, j'aimerais bien voir ça. Ça, je vais rester pour regarder. Là. J'ai pas vu le nouveau Druk. Je vous dis à tout à l'heure, les gars. Ciao. Ciao. À tout à l'heure.